Bienvenue à toutes et à tous pour cette édition 100% en ligne de la Nuit du trading organisée par IG, un événement que vous allez suivre sur la chaîne YouTube d'IG et avec lequel vous allez pouvoir interagir également tout au long de cette soirée. Un chat dédié va vous être ouvert sur la chaîne YouTube d'IG et puis le hashtag Nuit du trading online qui sera à votre disposition sur l'ensemble des réseaux sociaux. Un événement évidemment particulier dont on parle avec Ambroise Lion, le directeur général d'IG en France, qui est à mes côtés pour lancer cet événement. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Grégoire Favet. Oui, je le disais, événement inédit parce que déjà 100% dématérialisé, c'est une première, la première édition online de la Nuit du trading. Tout à fait. On a évidemment dû s'adapter aux situations, évidemment à la crise sanitaire qu'on traverse tous. On a réussi à le faire assez rapidement pour proposer quelque chose de digital, accessible à tous, et de façon assez rapide. C'est quelque chose qui nous paraissait indispensable pendant cette période. Mmh. Quel est le programme là ? Quel va être le fil rouge de cette soirée, Ambroise ? Ce qui nous tient à cœur depuis des années, c'est de dispenser une formation et information de qualité. Aujourd'hui, on a des intervenants spécialistes, experts reconnus dans leur domaine. On commencera avec Gilles Mitteau, dont la chaîne YouTube Eureka s'attache à décrypter les marchés. Mmh. Donc on va voir avec lui ce qu'est une bulle financière, comment elle se forme, comment la comprendre. On aura ensuite une table ronde animée par vous, Grégoire, dans laquelle on va retrouver Florence Barjou, on va retrouver Virginie Robert, Christian Parisot, également Marc Touati, pour conclure ensuite de ça avec Alexandre Baradez, qui là apportera un angle entre macroéconomie et banque centrale pour conclure cette édition effectivement 100% online. Ouais. L'enjeu de pédagogie, alors évidemment il est toujours au cœur des contenus et de l'information que vous délivrez chez IG, mais cet enjeu de pédagogie, j'ai l'impression qu'il est encore plus fort que les années précédentes parce que, alors on l'a dit, on l'a décrit un peu partout, les particuliers, cette crise n'a pas fait fuir les particuliers. Non seulement cette crise n'a pas fait fuir les particuliers, mais visiblement un certain nombre de particuliers se sont intéressés peut-être pour la première fois à ces mécaniques boursières, financières et économiques. Bien au contraire, effectivement, on a vu un regain d'intérêt assez incroyable chez les particuliers en France, mais dans le reste de l'Europe, dans le reste du monde, pour ses investissements, ouais. Gérer soi-même son épargne, plutôt que de faire confiance parfois à des grandes banques qui peut-être sont un petit peu à l'ancienne, je dirais. Ouais. Aujourd'hui, un courtier entièrement digital, multi-produits, qui permet d'interagir sur les marchés 24 heures sur 24 avec des produits innovants, ça permet à ceux qui, avant peut-être manquaient de temps, aujourd'hui de gérer ça de façon complètement indépendante, avec des outils de qualité, avec de l'information de qualité et de la formation également, puisqu'on a aussi beaucoup de sujets de formation pédagogique. Donc c'est vraiment aujourd'hui quelque chose sur lequel on a un regain d'intérêt très fort. Et les Français sont très présents aujourd'hui sur tout le domaine. Bon, ce sera un enjeu pédagogique tout au long de cette Nuit du trading online. Sur la partie produit, comment évolue l'offre produit d'IG en cette année 2020 on a beaucoup de chance parce que IG, c'est une fintech qui a 45 ans, un peu plus de 45 ans maintenant aujourd'hui. Et grâce à nos clients, à nos partenaires, que je tiens à remercier aujourd'hui encore, on a réussi à lancer il y a quelques mois maintenant des Turbo 24. C'est une première mondiale, ce sont des turbos, donc des produits listés. Côté 24 heures sur 24, qui permettent donc d'agir sur le marché à n'importe quel moment. On sait qu'un marché fermé est un marché qui fait peur. Avec ce type de produit, on peut interagir à 1h, 2h du matin, limiter sa prise de risque, augmenter en tout cas la prise d'opportunité, je dirais. Donc ces produits sont une vraie tendance, une vraie facilité pour les gens qui manquent de temps parfois ou qui veulent limiter leurs risques. Donc ça, c'est la dernière actualité produit, sur laquelle on va essayer de rajouter quelques sous-jacents et de se tourner vers les actions, parce que là aussi c'est un marché très porteur. Bon, et puis concernant cet événement de la Nuit du trading online, effectivement 100% dématérialisé pour cette première étape, vous prévoyez toujours une étape physique, ou en tout cas un prolongement physique de ce rendez-vous qui a été un peu chamboulé ces derniers mois, mais vous tenez quand même à ce qu'il y ait un prolongement physique de ce rendez-vous un peu plus tard cette année. Exactement. Dans quelques mois, on l'espère. Novembre 2020 sera sûrement la bonne période. Mais on a envie de revoir nos clients, nos partenaires et les gens qui nous suivent depuis de longue date aujourd'hui. Donc on aura cet événement sûrement à Paris, probablement salle Wagram également, novembre 2020. Et on aura le plaisir d'accueillir tout le monde et à nouveau une très jolie bande d'experts pour cet événement. Et ce sera le signe que ça y est, la normalisation sera bien réelle. Exactement. Une fois qu'on pourra réunir les clients d'IG dans une même salle. Ce soir, on est ensemble, en tout cas pour quelques heures, plusieurs heures, pour ceux qui nous feront le plaisir de nous suivre sur la chaîne YouTube d'IG pour cette soirée entièrement dédiée aux problématiques de marché, aux problématiques économiques, la nuit du trading online. C'est parti! Les marchés sont-ils totalement déconnectés de la réalité économique? Comment expliquer ce décalage? C'est vraiment l'une des questions de fond qui va servir de fil rouge à cette nuit du trading online qu'on vit en ce moment et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'IG. Peut-être avant d'essayer d'anticiper ou de répondre à ces questions, il faut s'interroger sur les mécaniques de bulles financières et les interactions entre la sphère économique réelle et la sphère financière. L'économie est très financiarisée aujourd'hui et le restera sans doute encore demain. Et c'est donc Gilles Mitteau qu'on accueille pour nous apporter son expertise. Gilles, bonjour et bienvenue. Vous êtes avec nous en visioconférence depuis Londres. Vous êtes ce qu'on appelle un créateur de contenu. Vous alimentez depuis plusieurs années maintenant une chaîne YouTube qui s'appelle Eureka, avec un contenu très pédagogique justement sur ces questions économiques et financières. Vous avez un parcours de professionnel des marchés auparavant, pendant plusieurs années. Vous avez été professionnel en salle de marché, comme on dit, Gilles, et notamment à New York, à Wall Street, ce qui assoit quand même votre expertise aujourd'hui. Et puis vous êtes youtubeur et auteur également, je le précise, puisque vous sortez un livre en ce mois de juin 2020, un vrai livre physique avec des pages qui sort aux éditions Payot et qui s'appelle « Tout sur l'économie ou presque ». Pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système, Gilles. Et c'est justement pour ça que vous êtes avec nous en ligne aujourd'hui, Gilles, avec un développement de 15-20 minutes justement, très schématique, très riche, qui va nous permettre de nous rappeler ou de mieux comprendre ces interactions entre la sphère économique réelle et la sphère financière. Gilles, c'est à vous. Alors, merci Grégoire, merci de m'avoir invité pour cette nuit du trading. Donc je vais essayer de tenir mes 15-20 minutes, ça va être assez dense, mais j'ai donc pas mal de schémas pour que tout le monde puisse suivre. Donc je partage mon écran, qui va être donc celui-là, j'espère que vous voyez, oui ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok, très bien, alors c'est parti. Donc la première chose que je voudrais montrer sur mon schéma, c'est le cœur de l'économie réelle, qui sont les dépenses, les revenus et la production. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que ce qui est le cœur de fonctionnement d'une économie, c'est le PIB, le produit intérieur brut, et il y a trois manières de calculer le PIB. C'est la somme des dépenses de consommation et d'investissement, donc les dépenses ici, qui sont les dépenses uniquement associées à des produits neufs. C'est également la somme des revenus, donc les salaires, mais aussi les dividendes, les intérêts, les loyers. Et puis, c'est également la somme de tout ce qui est produit par une économie, on dit la somme de la valeur ajoutée, donc c'est tout ce qui sort de l'usine de production, biens et services. C'est vraiment les trois méthodes de calcul du PIB, on peut faire la somme des revenus ou la somme des dépenses ou la somme de tout ce qui est produit, on va toujours tomber sur le même résultat qui est le PIB. Donc ensuite, la grande question c'est comment on fait de la croissance économique, c'est-à-dire comment on fait augmenter ce PIB. Il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est de bien comprendre qu'il y a cette usine de production, elle a une certaine capacité de production, capacité qui n'est pas forcément à 100%, qui peut être inférieure. Donc une première méthode, c'est de faire en sorte que, on utilise complètement notre usine de production. C'est-à-dire qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas des machines qui soient éteintes ou qui ne fonctionnent pas. Et puis la deuxième méthode, c'est d'augmenter la taille de l'usine. Donc on rajoute des machines, on construit une nouvelle aile, une nouvelle partie de l'usine pour qu'elle soit capable de produire plus. Et donc, à chaque fois, ce qui sort de l'usine sert à la fois à la consommation, mais aussi à l'investissement. L'investissement, qu'est-ce que c'est? C'est j'achète aujourd'hui quelque chose qui sort de l'usine dans le but d'agrandir l'usine demain. Et donc, c'est ça la partie investissement. Et donc, cette partie investissement, elle est très corrélée à la partie consommation parce que pourquoi est-ce que je décide d'agrandir l'usine? C'est parce que je me rends compte qu'elle tourne à 100% de ses capacités et qu'il y a une demande pour plus. Donc, je constate qu'il y a des consommateurs qui en veulent plus, que l'usine est trop petite, donc j'investis pour l'agrandir. Donc voilà les deux méthodes. Et forcément, quand on a une capacité de production de 100% mais que l'usine tourne à 80%, c'est difficile d'avoir beaucoup d'investissements parce qu'on peut toujours allumer des machines qui sont déjà là et qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, si on se met du côté des revenus, à quoi servent les revenus? Eh bien, ils peuvent servir à faire des dépenses et ils peuvent servir également d'épargne, une épargne qui peut être réutilisable un petit peu plus tard. Donc ici, c'est la logique de j'ai un salaire, j'utilise mon salaire pour consommer, pour dépenser, pour potentiellement investir, mais je peux aussi mettre des sous de côté pendant 6 mois, 1 an, puis me resservir de cet argent pour une dépense future. Un des soucis qu'on va avoir dans la mécanique financière de l'économie, c'est qu'on va avoir de l'épargne qui va rester bloquée. Donc on a une partie de la population qui gagne plus que ce dont elle a besoin, et même à long terme, elle a tendance à épargner plus que ce qu'elle a besoin de dépenser. Donc on va avoir de la monnaie qui va s'accumuler ici. Et une des questions, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer cette épargne pour la réinjecter dans le système au niveau des dépenses, ici, pour continuer de faire tourner la boucle de production économique. Ce système de réinjection de l'épargne, c'est le rôle des marchés financiers. Donc ici, pour les marchés financiers, j'ai mis le marché actions, obligations, matières premières, mais aussi immobilier. Alors le marché immobilier ne fait pas vraiment partie des marchés financiers, mais comme on va être amené à parler de bulles spéculatives, je le mets dans le même bloc, ce sera plus facile parce que le fonctionnement est très similaire finalement. Ensuite, on a deux types de marchés, le marché secondaire et le marché primaire. Alors le marché primaire, c'est quoi? Eh bien, ce sont des entreprises qui émettent des actions, qui émettent de la dette sur les marchés financiers, les marchés qui achètent ces titres financiers, donc la monnaie qui refait son chemin vers l'économie réelle, parce que bien souvent, il s'agit de financer des projets d'agrandissement d'usines, projets de dépenses diverses, qui participent au fonctionnement de l'économie réelle. On va également financer les budgets des États, qui eux aussi font des dépenses qui font tourner l'économie réelle. Donc soit ce sont des dépenses de, par exemple, payer les fonctionnaires, ce sont des revenus ici, soit ce sont des dépenses de type construction, de routes, de ponts, infrastructures, ce qu'on veut. Et là, on est bien sur de la dépense qui mène à une production de quelque chose de concret. Mais une bonne partie des marchés financiers sont les marchés secondaires. Donc ici, le marché secondaire, c'est le marché de l'occasion, c'est pas le marché du neuf. Ce marché de l'occasion, c'est j'achète des actions, mais je n'achète pas les actions de l'entreprise qui les émet, j'achète les actions d'une entreprise, mais détenues par un autre financier. Donc c'est vraiment un marché de l'occasion versus un marché du neuf. Et pour inclure l'immobilier, très clairement, je fais construire ma maison, c'est du neuf, donc c'est du marché primaire, entre guillemets. Par contre, j'achète la maison de mon voisin, ici, on est sur une transaction entre financiers, donc c'est du marché de l'occasion, c'est le marché secondaire. Alors ici, pour l'instant, on n'a pas parlé des banques, mais il faut bien comprendre que les banques n'ont pas le rôle qu'on croit dans la gestion de l'épargne. En réalité, même si ce sont les banques qui récupèrent l'épargne, les banques ne se servent pas de l'épargne pour investir. Les banques utilisent une planche à billets pour investir. Donc à chaque fois qu'on va faire un crédit à la banque, ce n'est pas l'argent de notre voisin qu'on récupère, on récupère de la nouvelle monnaie que la banque imprime. La notion en économie, c'est les crédits font les dépôts. Les banques peuvent faire des crédits sans avoir de dépôt. Par contre, une fois qu'elles ont fait crédit, elles espèrent récupérer des dépôts de l'autre côté parce que sinon, leur bilan comptable ne pourrait pas tenir le choc. Donc, les crédits font les dépôts et les dépôts sont importants, mais pas pour réaliser des crédits. Dans le sens où, s'il n'y a pas de dépôt, il n'y aurait pas de crédit. Non, non, on peut avoir des crédits sans dépôt. Par contre, on n'aura pas des banques qui vont tourner longtemps s'il n'y a pas de dépôt qui reviennent. Ça, c'est sûr. Donc les banques ont une planche à billets, elles peuvent investir directement soit sur les marchés financiers qui ensuite va alimenter le marché primaire ou le marché secondaire, soit elles peuvent investir directement dans l'économie réelle en réalisant des prêts divers aux entreprises ou aux particuliers. Et ensuite, on a bien sûr la planche à billets de la Banque centrale. Alors cette planche à billets-là, elle est particulière, c'est pour ça que j'ai mis une flèche rouge. La Banque centrale, normalement, dans son rôle, elle est là uniquement pour financer les activités bancaires, donc c'est une monnaie un petit peu technique, la monnaie centrale, on appelle ça, qui va servir, moi j'aime bien utiliser le terme d'huile de moteur. Si la monnaie fournie par les banques, c'est de la monnaie carburant qui permet effectivement d'avoir un impact sur le PIB, la monnaie fournie par la Banque centrale, c'est de la monnaie huile de moteur qui sert à faire fonctionner les banques correctement, mais qui ne sert pas à faire tourner le moteur économique. En revanche, on voit depuis alors 2008, la crise de 2008 et un petit peu avant si on va au Japon, et puis c'est plutôt 2015 en zone euro, on voit ce qu'on appelle le quantitative easing. Ce quantitative easing, là, c'est effectivement une forme de monnaie qui va directement être de la monnaie carburant. Alors c'est un petit peu plus compliqué, ça passe quand même par les banques, mais disons que quand on parle de quantitative easing, là, on est bien sur de la monnaie carburant injectée pour faire tourner soit les marchés financiers, les marchés secondaires, soit l'activité économique réelle. L'idée derrière, c'est toujours se poser la question, la Banque centrale finance qui? Si la Banque centrale finance des banques, alors c'est de l'huile de moteur. Si la Banque centrale finance n'importe qui d'autre, alors c'est de la monnaie carburant qui peut servir soit au marché, soit à l'économie réelle. Bien, alors, maintenant que j'ai introduit tout ça, là on est sur mon schéma est complété du fonctionnement de l'économie. Une question qui peut se poser, c'est, mais donc du coup, qu'est-ce que c'est que ces histoires de bulles financières? D'où est-ce que ça vient? Donc, un problème qu'on a, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a de l'épargne qui s'accumule à ce niveau-là. Et donc, qui va faire son chemin vers les marchés financiers. Le souci, c'est qu'avec l'augmentation des inégalités, on a de plus en plus de gens qui voient des augmentations de revenus, qui ont des revenus qui augmentent de manière importante, mais qui n'ont pas forcément de besoins particuliers, donc on ne voit pas forcément une augmentation des dépenses en rapport avec l'augmentation des revenus. Donc typiquement, vous avez des personnes qui gagnent 100 euros de plus, mais qui vont dépenser que 20 euros de plus dans leur budget, et les 80 vont se retrouver dans l'épargne. 80 euros vont se retrouver dans l'épargne. Donc on a énormément d'épargne disponible et qui va circuler sur les marchés financiers. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le besoin de financement des entreprises, donc c'est la partie investissement ici du PIB, est énormément lié à la consommation. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne voit pas son carnet de commandes rempli n'a pas forcément envie d'augmenter la taille de son usine de production, parce qu'elle ne voit pas pourquoi il y en aurait besoin. Et donc du coup, on peut se retrouver dans une situation où énormément d'épargne s'accumule sans besoin de financement de la part des entreprises. Et typiquement, là, si on a de plus en plus de monnaie qui circule dans les marchés secondaires, donc qui va alimenter l'échange d'actions, d'obligations, d'immobilier, d'occasion, eh ben, il peut se passer deux choses. Soit on a une augmentation des volumes, on a de plus en plus de transactions, soit on a une augmentation des prix. On a des prix qui augmentent. Et là, quand les prix augmentent sans qu'il y ait d'activité économique derrière, eh bien, on se retrouve dans un phénomène spéculatif. C'est-à-dire qu'on a un PIB qui prend 1% tous les ans, alors qu'on a des prix dans l'immobilier ou sur le marché action qui peut prendre 5-10% par an. Et on se retrouve avec une décorrélation entre les deux. Un moyen de voir le fait qu'on a un trop-plein d'épargne qui n'arrête pas de se constituer comme ça, c'est de regarder la quantité de monnaie par rapport au PIB. Donc ici, sur le graphique que je présente là, c'est uniquement pour la zone euro. Ce sont les trois manières de regarder la quantité de monnaie dans une économie. Donc M1, M2 et M3. Alors sans rentrer trop dans le détail, M1 c'est la quantité de pièces et de billets plus l'argent présent sur les dépôts à vue des particuliers, des entreprises, de l'État. Et puis, quand on passe à M2, on rajoute les comptes épargne. Et quand on passe à M3, on rajoute certains produits financiers. Mais peu importe, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de la quantité de monnaie. Donc, pour donner un exemple bien précis, si on prend M2 ici, en 1999, il fallait 2 euros de monnaie pour avoir 1 euro de PIB. C'est ça que dit cette courbe. Et si on regarde aujourd'hui, eh ben, il faut pas loin de 5 euros de monnaie pour générer 1 euro de PIB. Donc on voit qu'on a besoin de toujours plus de monnaie, on injecte, on crée de plus en plus de monnaie sans avoir nécessairement l'activité économique qui suit derrière. Si on avait nécessairement une planche à billets qui finançait réellement une activité économique, on verrait une courbe au même niveau. La question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est finalement, comment est-ce que c'est possible d'avoir des marchés financiers qui vont faire grimper les prix des produits financiers sans qu'il y ait aucune corrélation derrière le PIB. Parce que donc, le but d'un marché financier, c'est quoi normalement? Quand on regarde par exemple la valeur d'une action, c'est d'estimer la valeur de l'entreprise qu'il y a derrière. Et comment on est supposé estimer la valeur d'une entreprise? Eh bien, on fait des anticipations sur ce que l'entreprise va être capable de produire dans le futur. Donc normalement, on est supposé regarder l'activité réelle de l'entreprise. C'est à ça que servent les marchés aussi, c'est-à-dire à donner de la valeur aux entreprises et à indiquer quelles sont les entreprises qui vont mieux performer dans le futur par rapport à celles qui sont peut-être en déclin. Donc comment est-ce qu'on peut avoir une décorrélation comme ça entre l'activité réelle et les prix sur les marchés? Un problème, c'est que la question à laquelle répondent les marchés, c'est comment on essaye de prédire l'avenir, puisque le but, c'est de prédire les productions futures. Comment on fait pour prédire ça? Évidemment, personne n'a de boule de cristal, personne ne peut savoir de quoi l'avenir sera fait. Alors, la méthode des marchés financiers, c'est de dire, eh ben voilà, on va faire une espèce de sondage généralisé. On va demander à tous les financiers quels sont leurs avis personnels sur cette entreprise-là. Ils vont tous pouvoir voter, entre guillemets, en décidant d'acheter ou de vendre. Et ensuite, on va prendre la moyenne de tout ça. Et c'est ça qui va nous donner la meilleure estimation de ce que l'entreprise sera capable de produire dans le futur. Donc là, l'idée, c'est de dire, bah, l'action vaut 20 euros pour l'instant, mais moi, j'ai regardé l'entreprise dans le détail, les états financiers, etc. Je pense que 20 euros, c'est trop cher. Je pense que l'entreprise devrait valoir 15, donc je décide de vendre. Et en vendant, je fais baisser le prix pour aller vers 15. Et puis mon collègue à côté, peut-être qu'il n'a pas le même avis que moi, lui, il pense que ça devrait valoir 25. Donc il décide d'acheter, et donc il donne son avis, il vote en achetant, il dit ben, « je vote pour que ça aille vers le haut ». Ça, c'est ce qu'on appelle la rationalité économique. Donc c'est cette partie-là, c'est-à-dire que moi, je suis tourné vers la réalité du PIB, la réalité de ce que l'entreprise peut produire, et en décidant d'acheter ou de vendre, je vote, je donne mon avis. Mais la réalité, c'est que en fait, sur les marchés, mon objectif, c'est pas de prédire ce que l'entreprise va faire. Mon objectif, c'est de prédire ce que les prix vont faire. Finalement, ça ne m'intéresse pas d'avoir raison contre le marché. Je veux savoir si le prix va monter ou baisser. Et donc ici, la meilleure solution pour savoir si le prix va monter ou baisser et ensuite parier dans le bon sens, c'est me tourner vers mes confrères et essayer de deviner ce que eux, ils pensent. Et donc là, on est sur de la rationalité financière, c'est-à-dire que finalement, peu importe ce que l'entreprise va faire, l'idée, c'est simplement d'essayer de deviner quel est l'avis majoritaire et se ranger du côté de cet avis-là. Mais là, du coup, ça veut dire que potentiellement, j'ai analysé l'entreprise, je pense qu'elle vaut 15, mais parce que j'estime que mes collègues ont tort et qu'ils pensent tous qu'elle vaut 25, eh bien tant pis, je vais être acheteur, je vais participer à la hausse moi aussi. Et potentiellement, mes collègues vont faire la même chose. C'est-à-dire qu'eux aussi sont convaincus que tout le monde est acheteur, alors qu'eux pensent qu'il faudrait vendre, mais comme ils sont quand même convaincus que tout le monde est acheteur, ils sont acheteurs. Et au final, on peut avoir des acheteurs qui sont tous convaincus qu'il faudrait vendre, mais qui achètent pourtant. Et là, on a cette décorrélation entre rationalité économique et rationalité financière qui peut du coup créer des bulles. Ça donne des mécanismes qui sont extrêmement psychologiques et on a énormément de mal à savoir quand est-ce que la bulle peut crever. Maintenant, pour ce qui est de la corrélation entre la bulle spéculative et l'économie réelle, bah là, le problème, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on a énormément de gens qui ont un pied sur les marchés financiers et un pied dans l'économie réelle. Donc ici, si on prend les épargnants, par exemple, quand la bulle crève sur les marchés, a priori, ça n'a pas d'impact direct sur l'activité économique. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que les épargnants constatent que leur épargne est en train de perdre de la valeur sur les marchés. Donc du coup, ils se disent, bah, je vais me serrer la ceinture au niveau de mes dépenses ici, dans l'économie réelle, pour mettre l'accent sur mes revenus et reconstituer de l'épargne. Sauf que quand je fais ça, comme les dépenses des uns sont les revenus des autres, eh bien, je fais ralentir l'activité économique. Et malheureusement, bien souvent, ceux qui se serrent la ceinture ne sont pas ceux qui perdent leur emploi de l'autre côté. Moi, je décide de me serrer la ceinture et je vois que mes revenus continuent de tomber, donc je reconstitue mon épargne. Ça a l'air d'être une très bonne décision, ma décision là, mais le fait de me serrer la ceinture fait perdre son job à mon voisin. Et il se passe exactement la même chose au niveau des banques. Les banques d'investissement et les banques de dépôt ont fusionné pour donner des banques universelles. La partie banque de dépôt est plutôt connectée à l'économie réelle ici. La partie banque d'investissement est connectée aux marchés financiers. Quand les marchés financiers vont mal, c'est l'ensemble de la banque universelle qui se serre la ceinture pour arrêter les crédits. Et du coup, eh bien, il y a aussi moins de crédits vers l'économie réelle. Tout en sachant que de toute manière, quand la consommation ralentit dans l'économie réelle, les entreprises ont moins envie d'investir. Donc il y a moins de demandes de crédit d'une manière générale. Et voilà comment une bulle qui éclate sur les marchés a un impact très important, direct, sur l'activité économique d'un pays. Gilles, le schéma que vous nous proposez, là, évidemment, il résonne au présent aujourd'hui, dans un monde où l'action des banques centrales, alors je reprends le schéma de planche à billets, il faudrait peut-être même gonfler le petit pictogramme des banques centrales aujourd'hui, vu la place qu'elles représentent, se pose effectivement la question de l'efficacité de ces politiques monétaires. Les banques centrales visent quand même à maximiser ce que vous appelez la rationalité économique. Au final, c'est quand même leur objectif à terme de soutenir la croissance, raviver l'inflation, être dans des dynamiques de croissance qui soient créatrices d'emplois, qui permettent effectivement de l'investissement. Quand on voit les masses de liquidités qui sont aujourd'hui déployées par les banques centrales et qui sont encore bien plus extraordinaires que ce qu'on a vécu ces 10 dernières années, en aussi peu de temps, Gilles, qu'est-ce que vous nous dites de l'efficacité de ces politiques monétaires? Est-ce que les banques centrales ont appris des crises précédentes? Est-ce qu'elles arrivent à être plus efficaces dans le fléchage finalement de ces liquidités banques centrales, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'assez inéluctable qui fait que, oui, il y a quelques fractions de cet argent qui arrivent à se retrouver dans l'économie réelle, mais au prix quand même d'une déperdition qui reste énorme. Et quand je dis déperdition, c'est de l'argent qui va circuler en vase clos dans les marchés financiers, pour reprendre votre schéma, Gilles. Est-ce que les choses sont quand même en train de s'améliorer de ce point de vue-là? Alors, c'est pas... la problématique d'une banque centrale, c'est de se dire que, au final, on constate, parce que il y a un truc que je n'ai pas dit, mais quand on regarde les niveaux de financement des marchés financiers, on se rend compte que les marchés financiers ont tendance à financer peu les entreprises. Quand on regarde les émissions d'obligations, les émissions d'actions, on tombe sur, alors en zone euro, hein, j'ai fait le calcul pour la zone euro, on tombe sur aux alentours de 60 milliards par an, alors que le besoin de financement des entreprises, il est plutôt de l'ordre de 2000 milliards. Donc effectivement, l'impact des marchés financiers en termes de financement des entreprises est relativement faible. Maintenant, les marchés financiers financent beaucoup plus les États, donc les déficits publics, notamment parce que maintenant, depuis à peu près les années 80, même les États qui ont accès à leur banque centrale ont plutôt tendance à passer par les marchés pour se financer. C'est une espèce d'orthodoxie, c'est l'idée dominante, il faut passer par les marchés. Donc, les marchés financent peu, pas tant que ça, les entreprises. En revanche, on sait que quand les marchés vont mal, l'économie réelle va aller mal. Donc on se retrouve dans une situation où à la fois il faut vraiment faire en sorte que ça se passe bien sur les marchés, sinon on est sûr qu'on n'aura pas de croissance économique. Mais d'un autre côté, quand les marchés vont bien, ça ne veut pas dire qu'on aura nécessairement de la croissance économique. Et donc là, on se retrouve avec la banque centrale qui... Les marchés sont tellement énormes que la banque centrale est obligée de faire des interventions énormes pour éviter l'incendie sur les marchés, mais le fait qu'il n'y ait pas d'incendie sur les marchés ne garantit pas que ça va être prospère dans l'économie réelle. Et là, c'est tout le problème, c'est que finalement, il faudrait que la banque centrale, quelque part, fasse une intervention directe dans l'économie réelle pour s'assurer que l'argent aille bien dans le développement de l'activité économique. Des banques centrales, Gilles, qui finalement court-circuiterait totalement les différents intermédiaires, que ce soit les intermédiaires financiers, de marché financier, voire peut-être même les intermédiaires bancaires également. On a vu que c'était des intermédiaires importants. Oui, alors ça pourrait être ça. Une des problématiques, c'est de dire, par exemple, la Banque centrale peut déjà faire ça. C'est-à-dire que quand on regarde en Europe, par exemple, l'interdit, c'est interdiction de financer les États en direct. Donc ce que peut faire une banque centrale, c'est dire bah, « pas de souci, je peux financer les entreprises en direct, il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Donc je vais me mettre sur le marché primaire et puis je vais dire aux entreprises « allez-y si vous avez besoin, moi banque centrale, je vais utiliser ma planche à billets pour vous financer ». Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que les entreprises ne viennent pas particulièrement demander parce que, encore une fois, elles disent « bah oui, mais moi mon usine elle tourne à 70% de ses capacités, alors je n'ai pas besoin de l'agrandir, donc c'est gentil de me proposer de l'argent, mais bah, j'en ai pas besoin ». Donc là, on retombe sur cette histoire d'offre et de demande, c'est-à-dire que malheureusement, à un moment donné, il faut aussi penser à l'aspect demande, c'est-à-dire le consommateur est au centre, on vit dans une société de consommation. Si on n'a pas des consommateurs qui ont les moyens de consommer, la volonté de consommer, eh ben, on n'aura pas des entreprises qui auront envie d'investir. Donc ça, c'est typique des crises du type crise financière, c'est principalement un problème de demande. À ce moment-là, il faudrait essayer plutôt que d'essayer de financer des dépenses, qui passeraient essentiellement par des crédits, hein. Quand vous voulez financer une dépense, vous faites un crédit, il faudrait aller financer des revenus. Et là, ça devient très difficile. On demanderait à la Banque centrale d'augmenter les revenus de la population, ou d'une partie de la population. Donc on retombe sur les idées de monnaie hélicoptère qui sont avancées par certains. On tombe sur ces idées-là. Enfin, est-ce que de ce que vous comprenez de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, encore une fois, à travers cette crise, Gilles, est-ce que c'est le chemin qu'on prend? Est-ce qu'on a des banques centrales pour les plus grandes, hein, la Fed, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, qui sont justement dans cette logique de monnaie hélicoptère, aller jusqu'à déposer peut-être le plus directement possible des chèques dans la poche des ménages américains ou européens? Là, on voit aussi quelque chose qui se met en place entre les banques centrales et les trésors nationaux, hein, c'est-à-dire le ministère de l'économie ou des finances aux États-Unis, et peut-être demain sur le plan européen. Encore une fois, est-ce qu'il y a un équilibre, quelque chose d'une mécanique qui est en train de devenir plus optimale de ce point de vue-là, si l'objectif des banques centrales, c'est à terme effectivement d'être en plus proche de l'utilisateur final, pour parler simplement? La réponse est, on a entendu un petit peu parler de l'hélicoptère money, notamment, enfin de la monnaie hélicoptère, notamment du côté des États-Unis. Moi, de ma connaissance de ce qui se passe aux États-Unis, et donc à vérifier, mais c'est que l'idée de effectivement créditer directement les comptes des particuliers passait quand même par un endettement de l'État. C'est-à-dire c'est vraiment le gouvernement qui décide de s'endetter et ensuite qui utilise cet argent pour créditer les comptes des particuliers. Les chèques seront distribués par le Trésor américain. Voilà, c'est ça. Donc c'est d'abord un État qui s'endette et ensuite un État qui redistribue directement aux ménages. L'idée de la monnaie hélicoptère, ce serait de passer directement par la Banque centrale pour que, quelque part, on ne voit pas l'endettement du côté de l'État, en fait. Parce que malheureusement, c'est aussi une des problématiques. Les marchés financiers surveillent énormément le ratio de dette sur PIB. Donc à chaque fois qu'on passe par l'endettement public, on a une augmentation de ce ratio et donc on a un affaiblissement technique de l'État pour avoir accès à du financement derrière. Bon, et sinon, cette idée de monnaie hélicoptère, donc c'est quand même une forme de monnaie hélicoptère ce qu'on voit aux États-Unis, à voir si c'est efficace, et peut-être que du coup l'Europe pourrait aussi se décider à faire ce genre de choses. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on en est assez loin. C'est déjà la mutualisation d'un budget européen, donc ce qu'on est en train de voir au niveau de la Commission, c'est la Commission qui s'endette, c'est déjà un énorme pas en avant. La monnaie hélicoptère, c'est encore quelque chose de plus hétérodoxe, de moins dans l'orthodoxie économique. Et donc, moi, j'ai pas l'impression qu'on en soit proche. Vous évoquez cet embryon de budget fédéral européen. On va être encore prudent parce que les négociations sont en cours, toujours au moment où on se parle. Mais là, on n'est pas dans l'idée, effectivement, que le trésor européen irait directement dans les poches du consommateur américain. Là aussi, on est encore très loin de ça, mais quand même, il y a quelque chose d'assez puissant qui est en train de se mettre en place de ce point de vue-là. Et on est toujours sur cette idée d'une politique monétaire qui deviendrait plus efficace avec ce relais budgétaire, Gilles. Ça fait longtemps que les banquiers centraux européens appellent au relais budgétaire des États. Chaque État va essayer de le mettre en place à la hauteur de ses moyens, mais l'étage européen, il est indispensable aujourd'hui, il nous permet de gagner encore en efficacité dans la transmission de cette politique monétaire. Encore une fois, on le rappelle, hein, l'idée c'est quand même que l'argent ne se déperde pas dans les marchés financiers pour l'éternité, mais arrive à un moment à toucher son but dans l'économie réelle. Ouais. Alors là, on peut toucher encore à cette histoire de rationalité économique versus rationalité financière. En fait, l'un des problèmes qu'on a avec des États qui s'endettent indépendamment, c'est que malheureusement, il y a une rationalité financière qui s'exprime, qui n'est pas forcément la rationalité économique. Alors, ce qu'il faudrait faire en période de crise, c'est financer plus les États du Sud qui vont souffrir le plus d'une crise économique et leur prêter probablement avec un taux d'intérêt pas trop élevé pour justement qu'ils arrivent à s'en sortir. C'est pas ce que les marchés vont faire. Les marchés vont au contraire déserter ces endroits-là, aller vers les pays du Nord, faire baisser les taux d'intérêt des pays du Nord et augmenter les taux d'intérêt des pays du Sud, alors qu'on voudrait voir un peu l'inverse, s'il y avait une vraie rationalité économique derrière. Donc l'idée, c'est d'essayer de contrer cette rationalité financière pour la faire revenir du côté de la rationalité économique, encore une fois. Et donc, passer par le budget européen, c'est une manière de faire ça. C'est-à-dire, on va dire, c'est la Commission européenne qui s'endette, et derrière, la Commission va répartir ses fonds, et potentiellement même, si la Grèce touche, je dis au hasard, 50 milliards, peut-être qu'elle ne remboursera que 30 ou 40 milliards, c'est-à-dire pas autant que ce qu'elle a touché. Et à l'inverse, il y aura des pays qui vont rembourser plus que ce qu'ils auront touché. Et comme ça, on essaye encore une fois, de contrer la rationalité financière des marchés qui a tendance à être autoréalisatrice, donc qui enfonce dans la crise au lieu d'essayer de nous en sortir. Donc ça, c'est clairement une bonne nouvelle, c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, à quel point la Commission, si jamais c'est adopté, à quel point on va être capable de contrer cette rationalité financière, c'est-à-dire de dire potentiellement, ok, tel pays touche, je ne sais pas, X milliards, mais ne rembourse presque rien peut-être, avec les États qui s'en sortent le mieux, qui prendraient toute la charge de la dette sur leurs épaules. Est-ce qu'on est capable d'aller jusque-là, si c'est vraiment ça qui permet de relancer l'activité économique? Ça va être toute la question. Et on voit bien, oui, c'est une question, et ça devient une question politique. On n'est plus du tout dans la technique des marchés financiers ou la technique de la politique monétaire. Là, on passe à un étage politique. Alors, c'était Benoît Coeuré, quand on parle de banque centrale, il y a un banquier central très important en Europe, alors qu'il a quitté la BCE aujourd'hui. C'est Benoît Coeuré qui a été un des grands architectes de la politique monétaire européenne ces dernières années, mais qui résume toujours très simplement les choses, justement. Et dans son dernier discours, je ne sais pas si cette phrase vous fera réagir, Gilles. Voilà, il terminait son dernier discours comme membre du directoire de la BCE en disant « Les politiques monétaires ne doivent surtout pas rester une conversation privée entre les banquiers centraux et les marchés financiers, les marchés de capitaux. C'est un enjeu de légitimité, de confiance autant que d'efficacité. » Je trouve que cette phrase résume parfaitement alors les enjeux à venir et correspond tout à fait au travail que vous faites vous-même de pédagogie et d'éducation sur ces sujets-là, Gilles. Oui, alors effectivement, il faut qu'il y ait de la pédagogie qui soit faite à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un point qui est très important dans ce qui est mentionné là, c'est-à-dire le seul moyen de raccrocher les wagons pour que effectivement la monnaie de la politique monétaire serve à l'économie réelle, c'est de se rendre compte que il faut en passer par soit de l'investissement, soit une augmentation de la consommation. Si les entreprises ne sont pas prêtes à investir, alors dans ce cas, ce sont peut-être les États qui doivent investir. Et si on n'arrive pas à relancer cet investissement, et si on veut relancer l'investissement des entreprises, alors dans ce cas, il faut en passer par la consommation des ménages. Et cette logique-là, elle doit être au cœur des raisonnements. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle des marchés tels que l'idée de monnaie hélicoptère, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau et même techniquement, on ne saurait pas forcément comment faire, hein. C'est une des questions qui se posent, c'est-à-dire, mettons que la Banque centrale décide de créditer les comptes des particuliers, comment on fait concrètement? C'est pas du tout évident. Donc, une autre méthode serait de dire, à l'heure actuelle, les marchés financiers sont très bien connectés aux États. Les États savent emprunter sur les marchés, c'est un truc qui marche très bien. Alors, est-ce qu'on ne peut pas justement donner du mou dans les règles budgétaires pour que justement les États investissent? Mais là, et ça, on commence à le voir, parce qu'on a déjà dit que la règle des 3%, là, en période de coronavirus, c'est pas grave si le déficit public monte au-dessus de 3% du PIB. Mais la problématique qu'on a, à mon sens, c'est que on sait que les déficits publics vont augmenter, c'est-à-dire que clairement le PIB diminue, l'État taxe le PIB, donc du coup les recettes diminuent, ça c'est bon. Ensuite, puisque vous avez une crise économique, vous avez de plus en plus de gens qui vont faire appel aux aides sociales. Et donc, du coup, il y a une augmentation des dépenses. Donc, il y a un creusement du déficit et donc, il y a une nécessité de financement de ce déficit. Donc, des États qui empruntent plus. Ça, d'accord, mais ça, c'est structurel. Maintenant, il faut rajouter par-dessus de l'investissement public. C'est-à-dire que non seulement les États voient leur budget augmenter mécaniquement, mais en plus, il faut qu'ils appuient sur l'accélérateur pour relancer l'investissement. Et ça, est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là ? Sachant que la dernière fois qu'on a eu une crise, on n'arrêtait pas de dire qu'il fallait faire de l'austérité, et que malheureusement, ce genre de discours risque de revenir assez vite sur le devant de la scène. Or, malheureusement, non, c'est par l'investissement qu'on peut en sortir. Alors, si ce n'est pas l'investissement des entreprises, ça doit être l'investissement de l'État. Et là, ça remet sur le devant de la scène tout un tas d'autres problématiques qui sont, par exemple, le fait qu'on n'a pas de politique industrielle en Europe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un État qui pourrait vouloir dire « bon, je vais faire un espèce de projet en disant que d'ici X années, il me faut, pour parler par exemple développement durable, il me faut des pistes cyclables, il me faut des voitures électriques, il me faut plus de panneaux solaires et d'éoliennes, il me faut, etc. etc. » Tout de suite, on va lui dire « mais non, mais ça, c'est le rôle de la concurrence, c'est le rôle des entreprises, c'est le rôle du marché privé, c'est pas ton rôle à toi, État. » Alors que malheureusement, si, on a besoin de ça. Parce que des entreprises qui sont cadrées par un État qui dit « vous inquiétez pas, moi j'investis, donc allez-y, il y a de l'argent à se faire dans ce domaine-là », malheureusement, si on n'a pas cet État qui initie les investissements, peut-être que les entreprises, elles, ne le feront pas. Une dernière question, Gilles. Alors, les enjeux sont tels, enfin la dimension financière a pris une telle importance aujourd'hui, qu'on se demande si un succès des banques centrales, c'est-à-dire améliorer ce que vous appelez la rationalité économique, une meilleure croissance et donc une inflation plus soutenable. Rappelons-le, ça reste jusqu'à présent quand même l'objectif central pour de nombreuses banques centrales, à commencer par la Banque centrale européenne. Est-ce que cet objectif-là devient finalement un risque à terme pour la stabilité des marchés financiers? Si jamais les banques centrales arrivent à ramener un peu plus de rationalité économique, est-ce que ça met la sphère financière en risque au regard justement de la dimension qu'elle a atteinte aujourd'hui, Gilles? Alors, c'est toujours le parallèle entre si on fait fonctionner la planche à billets, on va avoir de l'inflation. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension du système économique. Même dans les modèles les plus, disons, orthodoxes, le lien entre planche à billets et inflation se fait uniquement au plein emploi, c'est-à-dire uniquement quand on n'a pas de chômage. L'idée derrière l'inflation et notamment donc les phénomènes d'hyperinflation sont des phénomènes très particuliers qui sont liés, à mon avis, essentiellement à des problèmes de pénurie. on n'est pas dans une situation de pénurie, donc je pense qu'on n'a pas besoin de craindre cette histoire d'hyperinflation. Par contre, ce qu'on peut craindre, c'est l'inflation comme dans les années 60-70, où on avait des taux d'inflation qui pouvaient à 10-15%. Il faut bien voir qu'à ce moment-là, on avait on peut imaginer qu'il y a un triangle d'acteurs dans l'économie qui sont d'un côté les employés, de l'autre les actionnaires, et puis encore à un autre niveau les créanciers, ceux qui prêtent. Dans les années 60, dans les années 60 et 70, on est essentiellement, comme on est au plein emploi, on a des actionnaires qui sont forts avec des employés qui sont forts. Et avec des créanciers, eux, qui sont un peu moins forts. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'inflation. Mais en fait, l'inflation, elle vient du fait que les employés sont syndiqués, il n'y a pas de chômage, donc ils ont un pouvoir de négociation très fort pour faire monter les salaires. Quand on fait monter les salaires, les actionnaires voient la rentabilité diminuer, donc ils font monter les prix. Mais comme ils ont fait monter les prix, les salariés reviennent sur le devant de la scène en disant « bah non, remontez-nous encore à nouveau les salaires », etc. On rentre dans un cycle mécanique d'inflation. Et la planche à billets arrive derrière. Puisque les prix montent, on est obligé d'injecter de l'argent, plus d'argent dans l'économie pour que ça continue de tourner. Et là, à ce moment-là, on se retrouve avec des créanciers qui, eux, prêtent une quantité fixe à taux fixe, alors pas toujours à taux fixe, mais au moins une quantité fixe, qui ne se revalorise pas avec l'inflation, et donc ils sont perdants. Quand on rentre dans la mondialisation financière dans les années 80, on passe d'un pôle où c'était actionnaire, employé fort, à un pôle fort, créancier, actionnaire. Et là, à ce moment-là, on a des délocalisations, on a des capitaux qui peuvent aller s'investir un petit peu partout, qui vont partir de certaines zones pour aller à des endroits où les taux d'intérêt sont meilleurs et les niveaux d'inflation sont plus bas. Et donc du coup, on se retrouve avec de plus en plus de chômage. Et là, du coup, on tue cette mécanique inflationniste. Et là, on est encore dans une situation où le taux de chômage est bien trop élevé pour qu'on ait, cette mécanique inflationniste qui revienne. Et donc d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. On a de plus en plus de monnaie dans l'économie. Hein. C'est une des courbes que je montais. On voyait bien la quantité de monnaie qui augmentait par rapport au PIB. Clairement, les planches à billets tournent à plein régime, et pas seulement celles des banques centrales. Hein. C'est le cas depuis le début de la zone euro et même avant. Les planches à billets tournent à max. Ça crée essentiellement des inégalités, des trop-pleins d'épargne qui ne savent pas où s'investir. Donc moi, je pense pas que l'inflation soit vraiment un problème. Je pense qu'au fur et à mesure que l'activité économique va revenir, au fur et à mesure qu'on va résoudre ce problème du chômage si on y arrive, alors l'inflation peut revenir petit à petit, mais finalement, c'est pas vraiment lié à la quantité de monnaie injectée. C'est vraiment le taux de chômage qu'il faut surveiller si on veut surveiller l'inflation. Et même, on l'a vu aux États-Unis, le monde d'avant, on était sur un taux de chômage mesuré en tout cas, historiquement faible, c'est pas pour ça qu'il y avait beaucoup d'inflation dans l'économie américaine. Ça montre bien quand même que les forces déflationnistes, elles sont structurellement très fortes, Gilles. Ouais, tout à fait, oui. Là, à mon avis, c'est aussi lié donc, potentiellement à la manière dont on mesure le chômage et aussi, encore une fois, au pouvoir de négociation des travailleurs, des employés en fait. Hein. S'ils sont peu syndiqués, du coup ils vont moins peser. Et puis il y a toujours cette épée de Damoclès du « t'as de la chance quand même de travailler ici et nous on peut très bien délocaliser du jour au lendemain ton emploi ailleurs ». C'est vrai que du coup ça n'incite pas à essayer de faire monter, de peser dans la balance pour faire grimper son salaire. Merci beaucoup Gilles. Merci Gilles Mitteau d'avoir ouvert pour nous cette nuit du trading online qu'on retrouve donc sur la chaîne YouTube d'IG. Je renvoie évidemment tous ceux qui nous suivent aujourd'hui sur votre chaîne YouTube Eureka Gilles, et puis ce livre qui sort en ce moment dans les librairies françaises, publié aux éditions Payot, tout sur l'économie ou presque, pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système. Il y aura des schémas dans votre livre aussi Gilles, c'est la base de votre travail, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Toujours beaucoup de schémas, c'était l'idée d'avoir un livre qui soit aussi bien visuel, avec des aides visuelles, comme sur la chaîne. On y voit un peu plus clair grâce à Gilles Mitteau sur les mécanismes qui peuvent conduire à la création de bulles financières, de déconnexion entre l'économie réelle et l'économie financière. On va poursuivre sur ce sujet. Où en sont les marchés aujourd'hui? Quel est le scénario économique qui est valorisé par les marchés au moment où on se parle, en ce mois de juin 2020? Quelles sont les grandes conséquences à attendre également de l'action des banques centrales et des États sur le long terme pour l'investisseur? Toutes ces questions, on va se les poser et essayer d'y répondre avec un panel d'experts. Une table ronde d'une heure avec 4 participants de marché qui vont nous accompagner pour cette nuit du trading online. Et on poursuit cette nuit du trading online, premier exercice du genre pour cet événement, la nuit du trading organisée par IG, que vous vivez donc en direct ou que vous allez pouvoir revivre sur la chaîne YouTube d'IG France avec des interactions possibles, hein. Un chat vous est proposé pendant l'événement et puis vous pouvez interagir évidemment sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nuit du Trading Online. Quels vont être les grands déterminants de marché pour les investisseurs dans les prochains mois, voire les prochaines années? On va essayer de se projeter avec 4 participants à cette table ronde qui vont nous accompagner pendant 1 heure et que je vous présente sans plus attendre. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associés. Bonsoir et bienvenue Virginie. Bonsoir Grégoire. Florence Barjou nous accompagne également, la responsable de la gestion multi-asset de Lyxor Asset Management. Florence, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. 2 économistes également pour nous accompagner. Ça peut servir d'avoir des économistes dans la période actuelle. Christian Parisot, chef économiste d'ORL BGC. Bonsoir Christian. Bonsoir. Et Marc Touati, économiste indépendant et président d'ACDFI. Bonsoir Marc. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Si on se projette un petit peu au-delà des mouvements intraday de marché, oui, il y a de la volatilité de retour, il y a de la nervosité, on voit des mouvements effectivement fortement à la hausse, fortement à la baisse. Mais si on va au-delà de ça, Florence, on a quand même le sentiment depuis plusieurs mois, depuis le point bas des marchés au cours du mois de mars, d'une normalisation du prix des actifs financiers. On le voit sur les marchés d'actions, sur les marchés de crédit, sur les marchés de dette également. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, cette normalisation des marchés, et qu'est-ce qui l'alimente aujourd'hui? C'est toute la question, parce qu'effectivement, je ne sais pas si le terme normalisation est le bon, qu'il y a eu un rattrapage, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on a des valorisations qui sont normales ou est-ce qu'on est en bulle? C'est un peu le thème, c'est un peu le thème de la soirée, mais effectivement, on a bien vu qu'on est en pleine récession historiquement catastrophique, ça on est tous d'accord, mais ce qui a vraiment permis au marché de rebondir et ce qui a limité la baisse, c'est l'intervention, je pense qu'on est tous d'accord, des banques centrales et des autorités publiques avec des plans de relance qui sont massifs. Et donc ce qu'on voit sur les marchés, au-delà de la volatilité court terme que vous mentionnez, c'est qu'effectivement, le pricing aujourd'hui, c'est plutôt une reprise en V, c'est-à-dire une normalisation relativement rapide, en un an et demi, de l'économie mondiale. Donc on retrouverait le niveau de richesse d'avant-crise assez rapidement. C'est en tout cas ce scénario dans lequel se projettent les investisseurs ou les marchés aujourd'hui. Le scénario que jouent aujourd'hui les investisseurs et que reflètent les valorisations des marchés actions, effectivement, c'est plutôt ça. C'est en un an et demi, 2 ans, on arrive à combler cet énorme trou d'air qu'on a eu parce qu'effectivement on a mis l'économie mondiale à l'arrêt et alors, il y a des différences par secteur évidemment, on abordera certainement le thème, mais au global c'est plutôt ça, oui, c'est un trou d'air qui serait temporaire, qui serait comblé par un afflux de liquidités massif de la part des banques centrales et par des dépenses publiques gigantesques parce qu'on est quand même sur des plans de relance qui vont de 10% du PIB en Europe, 20% aux États-Unis, voire 40% au Japon. Donc c'est quand même des chiffres qui sont très importants et qui devraient en partie limiter la casse. On a pourtant des économistes tous plus pessimistes les uns que les autres, là, qui utilisent toutes les lettres de l'alphabet pour essayer de décrire justement ce phénomène de rattrapage ou de retour à la normale. Les marchés pour l'instant semblent avoir choisi un chemin. Qu'est-ce que vous en dites, Marc? Moi je pense qu'effectivement on avait une bulle hein, initialement. Alors, il y a eu cet événement dramatique bien entendu. Donc, les marchés étaient en bulle avant le Covid. Ah, bien sûr, on était bien sûr. Ça, oui, bien sûr. En fait, oui, l'enjeu en fait il était là, c'est qu'on avait une situation de marché où le marché flambait. Parce qu'il y avait déjà, ce que j'appelle la morphine, entre guillemets, des banques centrales, notamment de la BCE, mais également de la Réserve fédérale. Et puis là, il y a eu évidemment ce Covid-19, cet arrêt brutal de l'économie. Donc, vous l'évoquez, c'est qu'effectivement, on a une baisse du PIB. Alors, mondial, ça se retourne des moins 5% à peu près cette année, en moyenne annuelle. On va faire pire au départ, puis après, bien sûr qu'il y aura un redémarrage, mais en moyenne, ça sera moins 5. Je vous donne un exemple. En 2009, lorsqu'on a eu la fameuse récession, hein, de combien le PIB mondial a baissé à l'époque? Moins 0,1%. Et, donc, et pourtant, à l'époque, on a eu une baisse des marchés de l'ordre de moins 50, moins 60%, ça dépendait des indices. C'est déjà exceptionnel d'avoir un PIB mondial qui ne croît pas, c'est ce qu'on avait en 2008-2009, et d'avoir un PIB qui chute de 5-6%. C'est là où je pense. Moi, je ne suis pas pessimiste, hein, je cherche simplement à être réaliste. Et je pense qu'effectivement, alors bon, il y a eu ce plongeon des marchés peut-être un petit peu trop abrupt, parce que évidemment, là, comme on partait d'une bulle à la base, et bien après, il y a eu ce coup de semonce. Évidemment, c'est l'effet de balancier, on a été un petit peu trop bas, et là on est revenu, alors là depuis quelques jours ça se calme, on repart à la baisse, mais c'est vrai qu'on a été un petit peu exagéré. C'est vrai qu'on tape justement les marchés du moins sur un V, alors que globalement il y a encore beaucoup de problèmes économiques mondiaux assez forts. Encore une fois, des exemples simples, hein, c'est-à-dire que en 2009, qu'est-ce qui a permis de résister? C'est justement les pays émergents. À l'époque, on a eu une récession chez nous, dans les pays développés, on va dire, mais pas dans le monde émergent, notamment en Chine. Et donc ça permet de bien résister. Là, aujourd'hui, tout le monde est concerné. Et on le voit évidemment, la première locomotive mondiale, c'est la Chine. Donc, elle a fortement baissé, elle a redémarré, mais là on voit qu'il y a déjà de nouveaux confinements, donc qu'est-ce que ça va durer? Après l'Europe, les États-Unis qui ont beaucoup se faire. La deuxième locomotive, c'est l'Inde. L'Inde qui aujourd'hui également commence à se couper fortement. Donc c'est ça le problème, c'est que ce virus se diffuse, donc finalement il n'y a pas de relais de la croissance mondiale. Et puis ensuite, imaginez qu'on va redémarrer comme avant, ça me paraît un petit peu probable. Déjà, parce qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui vont rester massacrés. J'ai fait une petite simulation. Admettons qu'on ait une baisse du PIB, non pas de, par exemple, pour le cas européen, non pas de moins 10%, mais on va dire de moins 8%. Bon, en moyenne annuelle, mais c'est pas énorme. Admettons qu'on ait moins 8%. Et après, on ait effectivement un redémarrage et qu'on ait ensuite une croissance annuelle moyenne de 2% par an. Ce qui est très, très optimiste. Combien de temps on met pour revenir? Parce que je rappelle qu'on avait, sur les dernières années, 1% de croissance par an. Là, 2%, c'est le double. Eh bien, il faut attendre 2026 pour retrouver le niveau d'avant-crise. Alors, c'est vrai qu'il y a cette morphine des banques centrales, mais la morphine, comme vous le savez, elle calme la douleur, mais elle ne guérit pas le malade. C'est tout le problème qui risque d'arriver, et les marchés risquent évidemment d'être déçus. Christian Parisot, effectivement. Alors, cette fois, tout le monde est en contraction, contrairement à la grande crise de 2008-2009, mais en même temps, c'est-à-dire que tout le monde va faire des efforts intenses pour relancer la machine économique. Quel est l'enjeu pour vous du rattrapage économique? Est-ce que c'est revenir au niveau de richesse d'avant-crise? Est-ce que c'est aller au-delà et rejoindre le niveau de croissance qu'on aurait eu sans la crise pandémique? Comment se pose l'enjeu pour vous? Alors, je pense que c'est un élément important. C'est-à-dire quand on parle de valorisation des marchés, alors pour une fois, je vais me faire les défenseurs des marchés, même si je ne suis pas totalement convaincu, mais je vais juste vous dire le raisonnement qu'on pourrait aussi avoir. Vous pensez que les marchés se trompent aujourd'hui? Enfin, je pense qu'il y a excessif sur le marché, mais on le met ça de côté. Il y a deux façons de raisonner sur les marchés, sur la valorisation des marchés. Soit on raisonne en relatif et on compare la valorisation du marché action par rapport au marché obligataire, par exemple. Et aujourd'hui, le marché action n'est pas très cher par rapport au marché obligataire, mais parce que le marché obligataire est complètement biaisé par l'action des banquiers centraux. Donc en relatif, j'aurais tendance à vous dire, marché action, c'est pas une bulle. C'est une bulle sur l'obligataire, mais pas forcément une bulle sur le marché. Plus les taux sont bas, plus les prix des actions, la valorisation des actions peut monter. Voilà, ça c'est en relatif. Et puis on peut regarder en absolu. Est-ce que les actions en elles-mêmes sont chères? En absolu. Et c'est là qu'on rejoint un peu le... Il y a aujourd'hui deux éléments qu'il faut prendre en compte. D'une part, je peux vous dire, est-ce que ça a un sens aujourd'hui de regarder le niveau de valorisation sur les profits des 12 prochains mois des entreprises? Pourquoi? Parce que les profits des 12 prochains mois intègrent un choc qui est exceptionnel, qui n'est pas lié à une récession classique. On est quand même dans un choc, on a arrêté l'économie mondiale, donc on va dire on redémarre derrière. On ne va pas redémarrer immédiatement, on est d'accord, mais finalement le marché action pourrait avoir raison en se disant bah, j'oublie les résultats de cette année, j'oublie éventuellement les résultats de l'année prochaine et je regarde les résultats des années beaucoup plus basses. Et là au moins on ne pourrait pas dire que le marché action ne joue pas un rôle d'investissement à long terme, mais ça serait une bonne chose. Alors ça c'est intéressant parce que si on regarde les PE véritablement de 2022-2023, ben on s'aperçoit qu'il y a un marché qui reste encore très cher et beaucoup plus cher par rapport à avant la crise, c'est le marché américain. Le marché européen n'est pas très cher par rapport à ses PE. Alors après, il y a toute l'hypothèse, est-ce que ce qu'on anticipe de résultats des entreprises est valide? Et c'est là où je rejoins un peu, j'ai un peu de mal parce que moi en tant qu'économiste, je vais vous dire, on ne va pas effacer la crise avant peut-être 4, 5, voire 10 ans. Il y a même CBO qui dépend du Congrès américain qui a même parlé de décennies perdues. Donc eux, ils pensent que par rapport à leurs prévisions qu'ils faisaient en janvier, il faudra plus de 10 ans par rapport à la croissance qu'on projetait avant la crise. Avant, avec le niveau de PIB, le niveau d'activité, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que pour eux, ils disent le niveau d'activité qu'on projetait il y a encore janvier, il faudra 10 ans pour le retrouver pour effacer cette crise. Donc, moi, j'ai du mal. Mais si vous regardez les annexes d'actions, et c'est là où on trouve que peut-être il y a un biais de marché et on peut le comprendre, les annexes d'actions nous disent que globalement, au premier trimestre, alors aux États-Unis, pas en Europe, mais au premier trimestre de l'année prochaine, on a le niveau de profitabilité des entreprises d'avant la crise. Donc là, on a un vrai problème d'accord au niveau microéconomique. Et c'est là qui est intéressant parce que nous, on a notre vision globale macro, mais les analystes actions, quand ils font leurs prévisions, ils regardent l'entreprise, ils ne regardent pas nous, ils regardent l'activité sectorielle. Et quand on agrège ça, tout ce qui est agrégé au niveau des analystes actions, on est sur un discours de dire la crise est finie au début de l'année en termes de profitabilité. Attention, je ne parle pas de chiffre d'affaires, de profitabilité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Christian? Ça veut dire qu'il y a des secteurs qui vont retrouver très vite leur niveau de profitabilité et même repartir sur les tendances qui les portaient auparavant, et puis des secteurs pour qui ce sera beaucoup plus compliqué et pour qui la crise sera un trou d'air beaucoup plus durable. C'est toute la question des prochains mois. C'est-à-dire qu'il y a deux questions, c'est Qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui en bourse? Est-ce qu'on achète vraiment le très long terme et on oublie finalement les résultats 2020? Et ça, c'est un vrai problème parce que je pense que, attention, il peut y avoir des forces de rappel par rapport à ça si on s'aperçoit que le scénario n'est pas identique. Et puis derrière, le gros risque, c'est la révision des analyses. Alors, vous allez dire, c'est peut-être nous qui nous trompons. Donc, en tout cas, ce qui est sûr qu'aujourd'hui, vous êtes dans un phénomène où il y a un écart de discours entre les économistes qui ont une vision globale qui vous disent la crise, on ne va pas en sortir indemne, et des analystes agrégés micro, hein, encore une fois, qui vous disent un scénario beaucoup plus optimiste. Et c'est vrai que peut-être aussi, ça explique, on en reparlera, pourquoi on concentre tous les risques sur quelques entreprises, parce qu'on se dit celles qui sont à mieux à même à réussir, c'est finalement les valeurs technologiques, on a plus de visibilité. Et d'autres secteurs, bon, l'aérien, on se doute que l'aérien, ça ne reviendra pas comme ça du jour au lendemain. Donc du coup, on est sur une concentration de risques, mais attention, si on se trompe sur les résultats de Microsoft, de Google et derrière, c'est l'ensemble du marché qui peut y a un risque. Et là, on pourra peut-être commencer à parler vraiment de risque de surévaluation. C'est un point qui me semble intéressant parce qu'on a tendance à comparer cette crise justement avec celle qu'on a vécue en 1945, en tout cas l'ampleur de la récession. Et je pense qu'il y a quand même une différence qui est assez fondamentale parce qu'évidemment, quand on sort d'une guerre, on a évoqué cette notion d'économie de guerre, on a un rebond de la croissance qui est fort et qui est très rapide. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a une destruction des capacités de production. Alors que là, on n'est pas du tout dans le même scénario, on est dans un scénario où on a mis l'économie mondiale à l'arrêt, on n'a pas détruit pour l'instant des capacités de production et on n'a pas d'excès de demande. Donc on ne va pas du tout avoir un profil comme ça de rebond très fort et très rapide de l'activité. Mais au contraire, toute la question, c'est de savoir si on va avoir des dommages structurels et une croissance qui va peut-être être un peu plus faible, voire même qu'auparavant, notamment via un marché du travail qui est quand même en souffrance. Il ne faut pas se méprendre. Là, on a vécu la période de déconfinement avec la normalisation du rythme d'activité. Cette phase-là, ça peut aller assez vite, mais après, c'est quelque chose qu'on n'extrapole pas pour la suite. Je pense que c'est difficile. Virginie Robert, vous êtes stock picker, comme on dit sur le marché, gérante action et notamment tournée vers le marché américain que vous connaissez particulièrement bien. Est-ce que, au regard déjà de ce qu'on vient de dire, est-ce que vous avez le sentiment que le marché action est complètement déconnecté ou en fort décalage par rapport à la réalité économique ou les scénarios économiques qu'on peut avoir dans ce qu'on a vécu? D'abord, le premier point, c'est que toute crise est un révélateur. Et un révélateur des forces et des faiblesses. Donc ça tombe bien parce que quand on est gérant, et qu'on est sur l'approche micro, effectivement, cela nous permet de nous exprimer. Ouais. Donc là, je vais à l'encontre évidemment des gestions passives, pardon, mais c'est très clair. Et ce qu'on a vécu ces dernières semaines est assez symptomatique, si je puis dire justement, le virus, on va parler de symptômes, c'est qu'on a eu d'abord un marché qui était assez clairvoyant sur ce qui était, entre guillemets, immunisé, voire favorisé par les lockdowns, enfin les valeurs Covid, ce qu'on a appelé les valeurs Covid, les valeurs stay at home, etc. Enfin, on peut les appeler comme on veut. Et puis on a eu un mouvement de rattrapage à la faveur des confinements, justement, où on a eu le retour des cycliques, des values, vous les appelez comme vous voulez. Bon. C'est ça qui est, et ça on a connu ça plus récemment. À court terme, je pense que le marché il va se chercher, c'est certain qu'on va avoir une grosse volatilité, parce qu'à partir du moment où vous avez un mouvement de momentum, tel qu'on a pu le connaître sur les toutes dernières semaines, de momentum vraiment sur les « bon ça y est, on sort, il faut tout racheter parce que tout a baissé », je pense que là, le marché il se trompe. Donc là, je rejoins, je pense que c'est pas un mouvement fondamental, là, vous dites. Absolument. Et par hasard, comme par hasard, ça arrive toujours lorsque, quand je dis « on est sans filet », c'est-à-dire qu'on a eu la période des résultats sur le T1, et on pourra en parler d'ailleurs, parce que c'est quand même assez important, même si T1 n'est pas l'impact principal évidemment de la crise. Hein. Bon. Et tant qu'on n'aura pas les résultats du T2, le marché il ne va pas savoir à quoi se raccrocher. Mais on pourrait avoir des surprises sur le T2 aussi, des bonnes et des mauvaises évidemment. Mais pour revenir donc sur l'approche plus long terme, c'est, j'allais dire, cette crise est révélateur, ça sera un révélateur, un catalyste, et je me permets de rebondir quand même, et donc je rejoins évidemment les principes qu'a pu énoncer Christian. En revanche, quand j'entends, et moi ça me fait bondir, mais ça fait 20 ans que ça me fait bondir, que le marché américain est plus cher que le marché européen. Trop cher, le Nasdaq est trop cher. Il est plus cher que le marché européen. Oui, il est plus cher quand on garde juste un ratio, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas du tout les mêmes animaux dans la cour de récréation, si je puis dire. Que le Nasdaq sur l'indice qui est le moins baissé, le plus fortement rebondi dans cette crise, c'est légitime. Ce n'est pas le signe d'une bulle particulière. Vous avez, sur le T1, sur les publications du T1, vous avez quand même des acteurs qui ont publié des chiffres avec des croissances Donc, et quand vous savez que les marges, si vous prenez par exemple les GAFA, les fameux GAFA ou les GAFAM, quand vous savez que les marges brutes et nettes sont entre 1,6 fois ou jusqu'à 2,3 fois supérieures au reste du S&P 500, oui, c'est plus cher, c'est normal. En revanche, lorsque vous avez un marché qui est dans un momentum où tout s'apprécie, il faut racheter de l'automobile parce qu'on se dit ça y est, dans le cadre, on a eu quand même un choc d'offres et de demandes, et que ça va repartir, il faut se poser la question. Donc moi je pars du principe, quand vous avez un marché qui n'est pas discriminant, c'est pas une bonne lecture. Quand vous avez un marché qui est discriminant, qui est tourné vers les fondamentaux des sociétés, ça c'est une meilleure lecture. Et les valeurs GAFAM, ce groupe de valeurs qui pèse 20-25% peut-être de l'indice S&P au sens large, vous ne pouvez pas avoir 25% de GAFAM dans vos portefeuilles américains, Virginie? Non, je n'ai pas 25% des GAFAM, et d'ailleurs je pense que, je ne vais pas dévoiler ici, mais peut-être qu'il vaut mieux avoir un Facebook plutôt qu'un Google, si on a une approche sur le sujet de la croissance du chiffre d'affaires sur la publicité. Donc il y a de la différenciation aussi. Donc, alors, c'est certain qu'il y a plus de candidats dans le NASDAQ qui ont été immunisés ou profités, puisqu'on l'a vu, il y a une pérennisation de la digitalisation, il y a une accélération qu'on a connue, de fait, et il y aura évidemment un mouvement pérenne. Et donc, pour vous, il n'y a pas d'excès de ce point de vue-là? Il peut y avoir des excès sur certains et pas d'excès sur d'autres. Ouais. On peut parler d'une valeur comme Zoom, je pense qu'elle est ultra valorisée. Voilà, on en a bien profité, super. Bon, prenez vos profits, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Mais il y a d'autres choses qui sont, et de même que dans d'autres secteurs qui n'appartiennent pas aux GAFAM, qui ne sont pas forcément sous NASDAQ, il y a des choses très intéressantes sur lesquelles on peut travailler. Bon, on reviendra plus précisément peut-être encore en cette fin de table ronde sur les thèmes, les valeurs qui vous intéressent particulièrement aujourd'hui, portées par ces méga-tendances. Si on poursuit cette discussion sur l'idée d'une déconnexion entre les marchés et la réalité économique, Marc, je reprends avec vous, Marc Touati, on a maintenant un whatever it takes global, ce que j'appelle le whatever it takes global, donc c'était déjà vrai chez les banques centrales, ça s'est encore amplifié, on fera tout ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte, pour aussi longtemps que nécessaire, hein. Maintenant c'est ça le discours qui est porté par les banques centrales, accompagné par les États. C'est-à-dire que les États aussi se mettent à entrer dans ce discours du « quoi qu'il en coûte » pour aussi longtemps que nécessaire. Alors, quels sont les avantages ou les opportunités que cette situation peut créer pour l'investisseur, les risques également, quels sont les enjeux de long terme, si on essaye de regarder à long terme pour l'investisseur? Ça, je crois que c'est effectivement le vrai piège. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait des projections, on dit bon, 2022, 2023. Mais il faut y arriver à 2022, 2023. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on a cette fuite en avant incroyable des banques centrales, mais surtout des États. Moi, ce que je trouve assez incroyable. Fuite en avant. Pourquoi fuite en avant? On essaye déjà de préserver les capacités de production, sauver le système et éviter de rajouter une crise dans la crise. Voilà, il y a deux choses très simples. Hein. C'est-à-dire que, en gros, s'endetter, c'est pas grave, entre guillemets, potentiellement. Mais il y a une condition. Il faut que cette dette soit soutenable. C'est-à-dire qu'il faut que cette dette génère une croissance économique suffisamment forte pour créer des emplois, pour faire baisser le chômage, pour payer les annuités de la dette, parce qu'il ne faut pas oublier. On me dit, mais non, mais la dette, on n'aura pas à la rembourser, la Banque Centrale Européenne va l'annuler. Il faut arrêter de dire ça. Ce discours déresponsabilisant est extrêmement dangereux, surtout qu'il est faux. La Banque Centrale Européenne ne peut pas annuler la dette, c'est impossible. Non, mais elle peut cryogéniser le problème pour suffisamment longtemps pour que ce ne soit pas un fardeau et que ce ne soit pas un poids pour les prochaines années. Encore une fois, le vrai enjeu, il est sous la soutenabilité. Parce que, encore une fois, c'est quoi les moyens de rembourser la dette? C'est quoi? Il n'y en a pas 36, il y en a 4. Un, alors, vous augmentez les impôts. Ça, c'est ce qu'on fait souvent. On nous dit qu'on ne le fera pas en France, mais c'est pas encore sûr. Mais admettons, allez, on va croire qu'on ne le fera pas. Ça, en France, c'est le numéro 1 mondial des impôts, donc si on augmente, ça va casser la croissance, c'est pas le jeu. Deux, l'inflation. Okay. Sauf que l'inflation, on ne la décrète pas, et puis surtout, si l'inflation augmente, vous cassez le pouvoir d'achat des ménages, donc vous retombez dans la récession, ce n'est pas la solution. 3, l'annulation de la dette. J'y crois pas, je ne pense pas que les Allemands vont laisser faire, mais admettons qu'on y arrive, à ce moment-là, vous avez un effet de crédibilité, de confiance, donc c'est un fusil à un coup. Une fois que c'est fait, vous ne pouvez pas faire deux fois, et derrière, il y a un risque de remonter des taux d'intérêt à long terme, et à ce moment-là, ça peut casser la croissance, voire ça peut faire exploser la zone euro, parce que là, il y a un vrai danger. Donc la quatrième solution, c'est la seule qui existe, qui est soluble entre guillemets, c'est le retour de la croissance. Ouais. Et c'est ça l'erreur qu'on fait. C'est ce qu'on cherche à faire, Marc. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron l'a dit, il veut la croissance. Moi, je suis très content parce que ce que je préconise depuis pas mal de temps, tant mieux. Mais comment on fait? C'est ça la vraie question. C'est que le vrai aujourd'hui, c'est que, alors, on a dilapidé des milliards d'euros un peu partout, ce qui est bien. On a essayé d'éteindre l'incendie, de sauver les meubles. Donc, alors évidemment, quand on a touché le fond de la piscine, généralement on rebondit. Bref, c'est que, est-ce qu'on rebondit assez haut pour sortir la tête de l'eau? C'est pas sûr, parce qu'on peut rebondir puis rester sous l'eau. Et là, on se noie. Et c'est ça la vraie difficulté. C'est que, vous parlez du plan Marshall, par exemple, ou après le plan Roosevelt, le New Deal de Roosevelt, après le crack de 29. À l'époque, il y avait un vrai projet, il y avait une vraie stratégie d'investissement, d'innovation, on a créé de nouveaux secteurs d'activité, etc. Et ce qui est là, pour l'instant, on ne sait pas trop si on va y arriver. Et le vrai enjeu sur cette dette publique, c'est qu'on n'en parle pas, mais il y a énormément d'États qui sont au bord de la faillite aujourd'hui. Peut-être même nous, les Français, mais notamment nos amis italiens, nos amis espagnols, etc. Donc là aussi, il peut y avoir un danger qu'on ne voit pas. C'est ça, le pareil, sur les entreprises au sens large. Moi, je pense que ce qui fera le déclencheur, ça peut être une faillite d'entreprise qu'on n'imagine pas, et là, ça fera très mal. Donc voilà, il faut rester optimiste, mais soyons lucides quand même. Entre guillemets, il y a une réalité économique qu'il faut regarder en face. Christian, Florence, bon, on voit que le sujet de la dette est encore un sujet qu'il faut aborder, même si les banques centrales, quand même, dans leurs efforts, essayent de mettre ce sujet-là de côté. Est-ce que vous avez l'impression, Christian, qu'on est, comme le dit Marc, qu'on est en train à nouveau de dilapider des milliards et même des trillions aujourd'hui pour essayer de sauver un système sans trop savoir à quoi il ressemblera demain? Ou est-ce qu'il y a quand même un gain d'opportunité ou un gain d'amélioration justement de ce mix de politique banque centrale et budgétaire aujourd'hui à travers cette crise? Est-ce qu'on est en train, est-ce qu'on a appris des erreurs des crises précédentes? Est-ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place un schéma, alors sur la base de beaucoup d'endettement, sûr, mais qui soit peut-être plus efficace à terme pour raviver la croissance? Alors plus efficace, non, je pense qu'on a éteint un incendie. Alors, après, voilà. Ça c'est la première fois. Après, je vais pas jeter à pierre, je ne sais pas comment on a pu faire autrement, donc on va prendre. Ce qui est gênant aujourd'hui, la situation qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a accumulé, et ça Marc l'a dit, une mauvaise dette. Après, c'est un fait. La dette pandémique. La dette la dette issue de cette crise, parce qu'aujourd'hui, vous avez des États qui sont endettés, mais pas pour créer de la richesse demain. C'est-à-dire qu'on est juste, on s'est endetté pour fournir un revenu aux ménages qui ne pouvaient pas aller travailler, pour aider des entreprises qui avaient plus de chiffre d'affaires et éviter que le système explose derrière. Et donc, si on avait mis tout le monde en faillite, c'était encore pire, on est d'accord. Ces dettes-là sont absorbées, cryogénisées par les banques centrales. Le problème, c'est qu'on a créé une mauvaise dette, et comment, finalement, cette mauvaise dette, il ne faut pas qu'elle pèse sur l'activité de demain. Ouais. C'est ça la vraie question. Les banquiers centraux sont omnipotents. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire en sorte que les taux d'intérêt ne remontent pas. Ils peuvent faire en sorte d'injecter des liquidités et vous aurez des taux très bas. Le seul problème, c'est qu'un banquier central, il peut vous faire emprunter de l'argent à 1%, mais moi, si je suis entrepreneur, que je dis, j'ai pas de demande en face de moi, je suis en train de fermer mon usine, je vais pas investir pour acheter une nouvelle machine. Donc, la banque centrale, elle peut tout faire pour que vous ayez des crédits très bas, mais elle ne peut pas avoir un impact sur l'économie et le jugement d'investissement. Elle ne peut pas forcer un ménage à prendre un crédit à consommation parce que les taux sont bas, en se disant c'est super génial, je vais pas mon emploi, mais je vais prendre un crédit à consommation pour acheter une nouvelle voiture. Donc, elle a une limite, la Banque Centrale. C'est-à-dire que là, elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir dans leur capacité d'intervention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Banque Centrale, elle maintient les taux d'intérêt le plus bas possible, voire idéalement, s'ils pouvaient le faire, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas l'inflation, mais idéalement, ça serait même d'avoir des taux réels négatifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un ratio dette sur PIB qui n'est pas tenable pour les États, pour des entreprises privées, pas que les États, il y a des entreprises privées qui sont aujourd'hui trop endettées et idéalement, il faudrait avoir des taux d'intérêt réels négatifs. Ça leur permettrait de se désendetter. Donc ça, on ne dicte pas, donc on va maintenir les taux les plus bas. Le gros problème aujourd'hui, la seule solution que je vois, mais après je n'ai pas de solution, c'est pas facile, hein, c'est pas une critique, leur seule solution qui s'impose à elles aujourd'hui, c'est quoi qu'il arrive, maintenir les taux longs le plus bas possible. Même s'il y a une reprise économique, même s'il y a de l'inflation, au contraire, ça serait même, faut pas le dire, hein, on va pas le dire officiellement, mais ça serait même bien qu'il y ait un peu d'inflation pour maintenir des taux bas et laisser les États solvables, parce que tant que les États se refinancent à des taux d'intérêt bas, voire des taux réels bas, eh ben ça allège la charge de la dette et ça peut leur permettre à terme d'effacer cette dette. On espère même cette surchauffe. L'idée de cette surchauffe, ça serait même pas forcément. Alors, faut pas que ça soit comme toujours. Faut pas que ça, tout est dans la mesure, hein. Mais on va dire que si on pouvait monétiser cette dette par de l'inflation, ça serait pas forcément la plus mauvaise chose qu'on pourrait pour effacer cette mauvaise dette. Parce que la mauvaise dette, on l'efface pas comme ça. Non, mais on peut la garder, la stocker pendant. On peut la garder. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà. Ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais on n'émet pas non plus sur du 3 mois. Donc, on émet sur du très long. Et on espère finalement, mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est deux choses que je retiens de ça après. C'est premièrement que les banquiers centraux vont rester sur des taux bas, et donc ils sont en train de nous tuer l'investissement obligataire, qu'on le veuille ou non. Alors après, on en pense que l'on veut, mais c'est un cas. Aujourd'hui, vous n'aurez rien à gagner sur un placement obligataire sans risque. Vous serez obligé de prendre du risque si vous voulez du rendement. Ça, c'est important pour l'investisseur. Et ça, c'est important parce que on nous dit qu'il faut financer la retraite, il faut faire de l'épargne retraite, mais derrière, il faudra aller sur les actions. Et donc, moi, à 3 ans de mon départ à la retraite, est-ce que je vais pouvoir mettre toutes les actions avec le risque que ça suppose? Il n'y a plus l'actif sans risque. Donc, on va vivre longtemps et ça, ça remet en cause toute notre allocation d'actifs, toute notre idée de pondération action, obligation. Ça, c'est une vraie remise en cause, mais je dirais durable parce qu'on est sur des banquiers centraux qui devront maintenir les taux bas pour rester que les États restent solvables. Parce que faire un défaut à un État, on a essayé avec la Grèce, on a vu ce que ça coûtait. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc, on reste sur des taux bas. Donc, ça, c'est un point important qu'il faut garder. Et il faut garder en tête, et ça, c'est pour ça que beaucoup d'économistes sont sûrement pessimistes sur la croissance à venir, c'est qu'on part avec un boulet. Qu'on le veuille ou non, on a une dette qui n'est pas, qui ne va pas créer de la richesse. Et ça, c'est important de le garder en tête. On est sur une dette qui n'est pas là pour faire booster le PIB de 4-5%. C'est toute la question quand même. Donc toute la question, est-ce qu'on fait derrière des plans de relance pour essayer de repousser l'économie derrière et faire de la bonne dette entre guillemets, parce qu'on fera de nouveau de la dette hein, si on fait un plan de relance, et que cette dette-là est bonne et pas mauvaise, mais en tout cas, il ne faut pas oublier de choses, on a un coût aujourd'hui, on a un boulet qui va affecter les entreprises, qui va affecter les États, et de manière peut-être plus ou moins les ménages, on verra souvent le comportement. Donc en tout cas, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc ça ne me permet pas d'être très très optimiste sur les prochaines années sur la croissance. Florence Barjou, ce qui est quand même nouveau dans cette crise, oui, les banques centrales sont toujours au cœur du jeu et effectivement la dette, la liquidité banque centrale reste quand même le moyen le moins pire qu'on a trouvé pour essayer de stabiliser le système. Mais ce qui est nouveau, c'est quand même que les États s'y mettent, et notamment en Europe. On arrive quand même à trouver ce relais budgétaire. Alors, État par État, chacun est en train de mettre en place ses plans de relance. L'Allemagne a mis la barre très haute de ce point de vue-là, mais d'autres vont suivre. Et puis même au niveau européen. Et là, on parle quand même de plans stratégiques basés sur la dette, mais qui ont vocation à générer de la croissance future. Oui, mais ça c'est une lecture qui pourrait être en fait assez positive. Parce que c'est vrai, quand on parle de soutenabilité de la dette, là, il y a je fais un petit recul théorique, mais en fait, sur tout ce qui concerne la solvabilité des États, en fait, le stock de dette en tant que tel, c'est pas ça hein, qui détermine la solvabilité des États et la probabilité d'une faillite. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui a été mentionné, c'est l'écart entre le taux de croissance économique et la charge de la dette, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Et donc effectivement, on est aujourd'hui dans une situation où c'est vrai, la croissance est très faible, mais grâce à l'action des banques centrales, on a des taux d'intérêt qui vont être durablement bas. Et donc moi, je ne suis pas tellement inquiète hein, pour la solvabilité des États européens. Par contre, la vraie question, c'est effectivement la dette massive qui fait suite à la crise du Covid. Pour l'instant, ce n'est pas une dette qui va nous permettre de relancer la croissance. Effectivement, c'est juste un pansement qu'on a mis. On a eu une quasi-nationalisation de l'économie, en fait, hein, avec l'État qui se substitue au secteur privé, avec quasiment le chômage temporaire qui a concerné, je crois, 2 tiers des salariés. Enfin, c'est quand même assez massif. Et donc la question aujourd'hui, si on veut être positif, c'est est-ce que justement cette politique de taux très bas des banques centrales, elle va permettre maintenant, ensuite, une relance qui serait plus productive. Et donc là, il y a aussi toute la question... Toute une partie qui n'avait pas existé dans la précédente crise. Hein. Toute une partie qui n'existait pas, et c'est une des erreurs qu'on a commises, notamment en 2010, en 2011, c'est qu'on a voulu resserrer en fait, un peu, de manière un peu trop précoce, et on a cassé la reprise. Et ça, c'est plus le sujet. Marc le disait, vous montez les impôts, c'est plus du tout dans le radar des... C'est pas facile, parce qu'effectivement, on rentre quand même, je crois, de manière un peu... on est un peu obligé de rentrer dans une logique keynésienne, en fait, de relance par la demande. C'est ce que fait l'Allemagne aujourd'hui, en baissant la TVA, en soutenant les ménages. Et donc, c'est vrai qu'avec des taux très bas, c'est un peu l'occasion. Et... ce stock de dette, on a parlé du stock de dette au niveau des États, mais ce qu'il va falloir regarder aussi, c'est le stock de dette au niveau des entreprises. Et ça, c'est une autre question, parce que c'est vrai qu'avoir des taux aussi bas, il y a le gros problème de l'absence d'actifs sans risque. Ça, pour une gérante diversifiée, évidemment, ça questionne toute notre allocation interne, parce qu'habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à contrebalancer le risque des actions avec celui des obligations. Aujourd'hui, les obligations souveraines n'agissent plus comme amortisseurs, et puis on est notamment sur la dette allemande, sur des taux qui sont négatifs. Donc c'est vrai, en termes de construction de portefeuille aujourd'hui, quitte à payer une prime, c'est vrai qu'il vaut mieux se couvrir sur le marché des options que d'acheter de la dette allemande, par exemple. Et donc l'absence d'actifs sans risque à long terme, c'est vrai que c'est un vrai problème de construction de portefeuille. Donc il y a ce problème-là, mais il y a aussi le problème potentiellement d'une mauvaise allocation des ressources. Quand vous avez des taux d'intérêt qui sont très bas, vous pouvez avoir déjà des projets d'investissement qui sont mis en place, qui sont peut-être peu viables, hein, qu'on n'aurait pas mis en place évidemment si on avait des taux de rentabilité interne qui étaient plus élevés. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est toute la question des fameuses entreprises zombies. Peut-être que tout cet argent, très certainement, on va le voir hein, au cours des mois qui viennent, très certainement une partie de cet argent qui se déverse justement en crédit bancaire, ou même on voit bien que les émissions d'aide primaire ont atteint des records, c'est même assez incroyable, c'est peut-être une mauvaise allocation des ressources vers des entreprises qui ont un business model qui aujourd'hui n'est plus viable. On va maintenir 15-20% d'entreprises. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors oui, le marché actions américain est plus cher que le marché européen, mais il y a quand même des bonnes raisons, déjà macro, hein, parce qu'il y a quand même une cohésion politique, une flexibilité aux États-Unis qui est plus importante qu'on en dise qu'en Europe. Et c'est vrai que alors, le Nasdaq, évidemment, surchauffe n'est pas bulle. Évidemment, ils vont pas avoir des surchauffes, mais j'ai du mal à dire que le marché américain est en bulle. Tout simplement parce que, oui, il y a de la discrimination entre les secteurs et les entreprises, et puis il y a des business models et des structures bilantières qui sont quand même un peu plus solides. Ah, les bilans des entreprises américaines sont plus solides que les bilans des entreprises européennes. C'est le premier point quand on est rentré dans la crise, ça a été le premier critère à examiner, c'est revoir la copie, si je puis dire, reprendre tous nos investissements et retravailler sur la santé bilancielle. Ouais. C'est clair, parce que là, ce qu'on va avoir dans les semaines à venir, et d'ailleurs il faudra surveiller avant les publications, parce que traditionnellement aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les warnings, hein, donc ça peut être des profit warnings, des sales warnings, négatifs ou positifs. Hein, bien sûr, ça, oui, ça peut être des surprises positives. Voilà. Ouais. Donc ça, il va falloir monitorer, je dirais, parce qu'il y aura, il y a une flexibilité aux États-Unis qui sera plus marquée. Parce qu'on ne soutient pas à force de soutenir. On laissera les boîtes aller en faillite. Je crois que Jean-Paul a dit la Fed ne va pas financer des entreprises qui ne sont pas rentables. Il y a quand même une limite à l'action de la Fed aujourd'hui. Hein, ouais. Et quand on dit, par exemple, les Américains, quand ils disent effectivement dans le secteur, par exemple, de la restauration, qui est évidemment très impacté, quand ils disent qu'il y aura entre 30 à 40% de faillite des restaurateurs sur le sol américain, il faut savoir que traditionnellement, tous les ans, vous en avez au moins 15% déjà en moyenne. Donc il faut, voilà. Donc il y a une espèce de flexibilité. Donc je reviens sur effectivement la structure bilancielle, c'est extrêmement important. Et le point important, c'est que oui, abonder en monnaie, mais il faut produire. Les plans de relance, l'analyse keynésienne, c'est très bien, mais ça ne suffit pas parce qu'il faut produire, il faut investir, il faut travailler. Et je pense que quand, malheureusement, le constat, c'est factuel, quand vous regardez les liquidités, le cash que vous avez dans, parlons des GAFAM, excusez-moi, mais il n'y a pas que les GAFAM, mais quand vous regardez les CAPEX, hein, donc les capacités d'investissement, quand vous regardez les budgets de R&D, quand vous regardez le cash dans les bilans de ces boîtes-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise quand vous avez une boîte qui a 100 milliards de cash à investir, qui n'a pas de dette? C'est du cash, Virginie. Alors, Virginie, c'est du cash qui servait généralement à racheter des actions ou à reverser aux actionnaires. Est-ce qu'on trouvera une utilisation différente pour ce cash aujourd'hui pour les entreprises qui sont riches en cash? On a toujours eu tendance à parler que du rachat des actions comme pour expliquer. Ce qui est très bon pour les investisseurs et pour l'actionnaire. Hein. Non, mais voilà, il ne faut pas minimiser cet aspect-là. Même Apple, lors de sa dernière publication, a dit qu'il renforçait encore parce qu'ils investissent avec parcimonie et tant mieux. Ça fait partie aussi de la stratégie, parce qu'on dit « Ah oui, ce serait mieux qu'ils investissent tous les dizaines de milliards de cash qu'ils ont. » Non, c'est bien, ils sont dans leur stratégie, dans leur business model. Donc, oui, donc ils rendent aussi de l'argent aux actionnaires, ok. Mais c'est vrai que quand vous avez cette capacité d'investissement de ces opérateurs, vous vous dites bah, « Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec même Airbus, qui est une société que j'adore ?» qui n'a pas cette capacité, on peut se poser la question. Donc, je reviens, et Florence a tout à fait bien expliqué, il faut que cet argent qui s'investisse, il faut réfléchir sur deux choses, hein, si on parle de la France en particulier, mais notre président l'a dit, hein, ça n'a pas été tellement relayé, on a parlé beaucoup de choses dans sa terminologie, mais il a quand même dit, moi j'ai retenu une seule chose, il a dit, il faut produire et travailler. Voilà. Davantage. Voilà, mais oui. Et c'est tellement vrai. Ouais, et donc, il faut retravailler sur les points structurels. Et on le sait, alors c'est un énorme chantier, on le sait parce qu'il y a des sujets d'éducation, il y a des tas de choses. parce que mais on est capable. Simplement, big is big et it's coming beautiful. Et demain, le big devient plus big. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et il y a des raisons. Et ça, bon, après, il n'y a pas que des GAFAM, mais je pense que cette flexibilité aussi des entreprises extrêmement importante. Et donc quoi, les États-Unis s'en sortiront mieux que l'Europe à l'issue de cette crise? Je pense que structurellement... Bah, tout le monde dit comme d'habitude, j'en sais rien. Est-ce que l'histoire est un guide de ce point de vue-là? Il va y avoir la volatilité, il y a le problème des élections, il y a tout ce que vous voulez. Il ne faut pas l'oublier, hein, ça c'est quand même... Il y a un nouveau paradigme là qui a émergé avec cette crise du Covid. Il y a les problèmes géopolitiques. Donc il y a des tas de sujets. Hein, oui, il y a des frictions. Il y a des frictions. Bon, le protectionnisme, les tarifs douaniers, tout ça, on l'a vu dans l'histoire, hein, on l'a vu même dans la guerre de sécession. Tout ça qui avait quand même déjà commencé à affaiblir l'économie américaine avant la crise. L'histoire est très parlante et on apprend peu de l'histoire, c'est dommage. Mais c'est clair qu'il y aura cette volatilité, il y a plein de sujets hein, qui vont... et puis vous avez vu, les claques, elles n'arrivent pas forcément du côté où on les attendait. On l'a bien vécu avec le Covid. Néanmoins, structurellement, oublions la conjoncture, structurellement, oui, les États-Unis sont mieux armés dans leur approche et dans la flexibilité. Sauf que Marc, il ne faut pas minimiser ce qui se passe en Europe, je vous laisse réagir à ce que dit Virginie, mais quand même, il y a cet embryon de budget fédéral qui est, en effet, on ne peut pas l'occulter, c'est quand même un game changer. Ça permet quand même de flécher de la croissance sur le long terme peut-être, avec des moyens plus conséquents que ce qu'on avait précédemment. Juste deux choses, je vais répondre, parce que par rapport aux GAFAM, c'est important, je pense, de ne pas oublier une chose, que, et tout ce qui gravite autour des GAFAM, c'est la réglementation, la taxation. Et ça, c'est un sujet qu'on élude en permanence, mais... Je ne suis pas sûr. Cette crise va être un révélateur justement de la question de fiscalité. Si Trump est réélu ou pas, je ne suis pas sûr que le gouvernement, enfin, la direction des États-Unis vont laisser effectivement ces GAFAM continuer. Ça devient des superpuissances presque dangereuses. Il y aura des spin-offs. Voilà, je pense qu'il y aura. Voilà, c'est pour ça. Je pense qu'il faut faire attention. Il y aura peut-être une réglementation qui va être là. Et oui, mais derrière, peut-être beaucoup de licornes qui vont peut-être s'ouvrir. Donc, il faut être prudent quand même. C'est ce que je veux dire, c'est que, j'évoquais tout à l'heure, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il y aura effectivement des soubresauts. Donc, il faut là aussi être prudent. Exactement. Et sur effectivement l'Europe, c'est quand même la bonne nouvelle. Il faut le reconnaître. Moi, j'appelle de mes voeux depuis des années qu'on ait une sorte de budget fédéral. C'est formidable. Il est parmi. Alors, c'est pas encore complètement fait. Non. Parce que les Pays-Bas. Mais si le chemin se poursuit, si on se projette au-delà des négociations. J'espère qu'on y arrivera. Mais encore une fois, c'est pareil. Pourquoi faire? Il faut qu'on ait une stratégie. Il faut qu'on génère ensuite de la croissance. Alors, pourquoi pas des innovations dans tout ce qui est nouvelles technologies d'énergie, nanotechnologie, tout ce qui est nouvelle agroalimentaire, etc. Tout ce qui est sanitaire, bien entendu, vous voyez. Voilà, ça oui, ça moi c'est ma crainte. J'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord, enfin je veux dire, on entend parler de Green Deal, stratégie numérique, c'est les postes au sein de la commission qui sont des postes clés de la nouvelle commission. Qu'est-ce qui se passe là? On est en train de dire, alors on va donner tant à l'Italie, tant à l'Espagne, tant à la France. Ça part mal, il ne faut pas donner par pays. Mais par projet. Voilà, par projet. Oui, c'est ça le vrai jeu, par secteur d'activité. C'est un peu la philosophie quand même, c'est comprendre de. Non, mais déjà, la notion de redistribution, c'est quand même un point qui est, enfin, c'est très positif, cette idée de, effectivement, je suis d'accord avec vous, le budget européen, et pas uniquement en termes de dépenses, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la réflexion sur les recettes au niveau européen. Parce qu'avoir un budget quasiment, en fait, c'est une notion fédéraliste presque, hein, ça veut dire qu'il faut aussi avoir des recettes. Et c'est la première fois qu'on parle de recettes au niveau européen. Taxe carbone, par exemple, ou taxe sur les grandes plateformes numériques. Et donc, ces recettes au niveau européen, ça permet, je pense, ensuite de faire des politiques qui sont un peu plus redistributives. Et c'est là que ça bloquait, évidemment, avant, puisque les frugales forts, enfin, en tout cas les pays un peu du Nord, et qui ne veulent pas voir la dépense publique dilapider, ils ont bien raison, s'opposaient justement à cette redistribution. Et là, on a franchi un pas un peu politique. Et moi, c'est ça que je trouve très positif. Qu'est-ce que ça change? Il faut réfléchir en termes de secteur, il faut réfléchir en termes de projet, mais qu'on ait déjà accepté et qu'on ait mis dans le débat cette notion de redistribution européenne, c'est déjà un pas très... C'est le whatever it takes global hein, qui est en train de prendre forme effectivement sur le plan européen. La BCE était déjà très active et la Commission se met en place. Cette espèce de fragmentation globale qu'on voit de plus en plus avec la Russie, la Chine, les États-Unis, le Moyen-Orient. Ça consomme un pôle de stabilité Mais je pense que c'est d'autant plus important d'avoir une politique européenne commune et d'être un centre de stabilité. Pour l'investisseur long terme, est-ce que ça veut dire que l'Europe devient plus investissable pour les grands investisseurs internationaux, que l'euro va être plus fort? On le souhaite évidemment, on le souhaite. Donc, comme vous l'avez très bien dit, c'est une amorce, mais pour des investisseurs internationaux, c'est trop tôt. Pour l'instant, ce n'est pas suffisant. Déjà, on va voir ce qui se passe lors du Conseil européen. C'est un chemin qui est amorcé, qui est positif. Mais pour les investisseurs, ils ne comprennent pas. Il y a le Brexit, hein, dont on parlait aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a encore toujours le Brexit. C'est un peu trop tôt, je pense. Il faut aller plus loin. Bon, je voudrais juste rajouter Christian Parisot, bien sûr. Il faut bien comprendre, la crise des souverains, donc suite à la crise des subprimes, on a eu cette crise des souverains, ça a fait tomber un tabou en Europe. On le veuille ou non, hein, ça a évolué, c'est que la Banque centrale peut monétiser la dette. Alors certes, elle ne va pas à l'émission primaire, elle va acheter sur le marché secondaire, et puis on appelle ça quantitative easing, c'est plus joli, hein, mais c'est un financement direct de la Banque centrale des États. Qu'on veuille ou non, ça revient à ça. Donc c'est une monétisation de la dette. Je veux dire, allez dire ça il y a encore 10 ans, un Allemand qu'il allait accepter via faire passer, que la Banque centrale, la BCE, va monétiser la dette, franchement, j'aurais pas parié moi-même, j'aurais pas dit que c'était possible. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit là? On a un choc asymétrique. Et c'est ça qui est surtout important. C'est qu'il y a des pays qui souffrent plus que d'autres en Europe. Le virus a plus attaqué l'Italie, l'Espagne, la France, mais pas... Parce que la réponse politique a été parfois différente aussi. Mais je parle purement économique, hein, je ne mets pas de jugement sur la réponse politique. Il y a un choc asymétrique. On est clairement dans un choc économique externe. L'Allemagne est moins souffert que les autres. L'Allemagne a moins souffert. Et deuxième chose, il y a une capacité de réponse des États qui est asymétrique. L'Allemagne avait largement plus de capacité d'État que les autres États. Et en plus, l'Allemagne a été moins affectée et a mis un plan massif d'aide de ses entreprises qui va faire que l'Allemagne va en sortir beaucoup plus renforcée que l'Italie. Puisque l'Allemagne, aujourd'hui, elle fait un plan beaucoup plus massif que quasiment identique à celui de l'Italie, mais plus massif que l'Espagne, alors qu'elle a été moins touchée. Et en plus, qui est beaucoup plus favorable aux entreprises et à la compétitivité des entreprises allemandes que l'Italie. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si on laisse tout en état aujourd'hui, on est sur l'explosion de la zone euro. C'est pas coopératif. Pas tout de suite. C'est trop non coopératif pour être. Si on reste dans un jeu non coopératif en Europe et qu'on laisse se développer cette asymétrie des économies et qu'on la renforce avec cette crise et qu'on n'aide pas l'Italie. D'où le budget européen. D'où l'obligation de mettre en place un budget fédéral européen qui va devoir lisser ça. Alors c'est compliqué parce que. On va pas tous, ceux qui sont les bons élèves, entre guillemets, ne veulent pas payer pour les mauvais, mais quelque part, c'est l'idée de la zone euro. Donc là, on est à un deuxième tournant, c'est-à-dire qu'on a eu le premier tournant monétaire, ça a été fait, on a une vraie banque fédérale BCE, et maintenant, il y a un budget européen fédéral à mettre en place. Et ça, c'est un élément central. Le jour où on a mis un budget fédéral européen, je n'ai pas de boule de cristal, ça va être très compliqué, je le reconnais, mais ça va être imposé par cette asymétrie des chocs et par cette asymétrie des économies. Le jour où on a mis un budget fédéral avec de la solidarité entre les pays, régions, le jour où on met ça, alors après on mettra la forme qu'on veut, sectorielle, tout ce qu'on veut, mais une fois qu'on a mis ça, on se rapproche des États-Unis. Et ça, pour un investisseur asiatique, par exemple, si vous prenez aujourd'hui les Japonais, c'est un changement de décor pour vous. C'est énorme. Parce que quand il va investir dans de la dette allemande ou de la dette italienne, qu'il a face à lui une zone unifiée. Ouais. Comme on investit aujourd'hui sur le trésorier américain, en disant on achète un peu de Californie, un peu de Floride, mais on ne se pose pas du tout la question est-ce qu'on achète tel état? On achète la dette américaine. Et ça, par contre, c'est pas encore fait, mais c'est vrai que c'est l'enjeu de cette crise. Alors peut-être qu'on va y arriver parce que c'est vrai que l'Europe n'avance que dans les crises. Mais en tout cas, c'est un enjeu parce que je pense que dans 10 ans, ça sera, est-ce que la zone euro existe encore ou pas? Et ça, c'est un élément clé, à mon avis. Oui, juste rapide, il reste une dernière étape, c'est l'harmonisation des conditions fiscales, des conditions réglementaires, le marché du travail unique. Voilà, donc c'est pas fini, mais c'est vrai que, moi je l'ai appelé, que j'avais créé il y a longtemps, quand la zone euro explosera, justement en disant, pour éviter ça, il faut faire ça. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on est en train de faire, j'espère qu'on y arrivera, mais il y a encore beaucoup de dangers. Moi, ce qui m'a crainte quand même, c'est que justement, en termes d'harmonisation fiscale, on est encore très très loin. Donc il y a du dumping fiscal qui se produit. Et juste un petit mot, parce qu'on n'en a pas évoqué, parce qu'on entend souvent en France qu'il faut encore augmenter la dépense publique, etc. Je rappelle que l'Allemagne, qui s'en est mieux sortie que les autres, a une dépense publique de 44% du PIB, contre 56% en France. Donc c'est la preuve justement pourquoi l'Allemagne peut mieux faire aujourd'hui, parce qu'elle a fait des efforts quand ça allait bien. Et c'est ça, la bonne dépense publique, encore une fois, il ne faut pas l'oublier. Quand on dit qu'il faut baisser la dépense publique, ce n'est pas pour se faire plaisir à Bruxelles, c'est justement pour nos enfants. C'est des moments comme ceux qu'on vit aujourd'hui. Exactement. Et si jamais, effectivement, on a une nouvelle crise qui arrive ou autre, imaginez, ça sera encore plus difficile. Exactement. Virginie, j'avais un mot, enfin quand même une question sur les États-Unis. Hein. Je rappelle, vous êtes gérante action américaine notamment. Alors, on parle de ces frictions, de ces tensions, sans rentrer dans le détail. Vous l'avez rappelé d'un mot, il y a quand même la perspective de l'élection présidentielle en novembre, donc on a fait le point sur l'Europe. Est-ce qu'on a dans la crise actuelle, économique, sociale, le retour des tensions raciales aussi aux États-Unis, qui est un sujet majeur et qui sera sans doute un marqueur de l'élection présidentielle, est-ce qu'on a là des éléments qui sont peut-être des points de bascule pour Donald Trump en faveur de Joe Biden au détriment de l'actuelle administration? C'est clair qu'il y a eu là il y a un mouvement qui se dessine. Ouais. Après, il ne faut pas se prononcer parce que vous savez, jusqu'au dernier moment, les choses peuvent basculer. Donc les pronostics. Vous ne feriez pas parer aujourd'hui sur la réélection ou non de Donald Trump? Jamais, parce qu'effectivement, jusqu'au dernier moment, on peut se tromper, ça peut basculer très vite. Néanmoins, c'est évident que les démocrates, là, sont davantage sur un chemin favorable et avec tous ces éléments. Et la gestion de la crise de Donald Trump est assez critiquée. Ce serait un moment important donc, pour les marchés si c'était les démocrates qui remportaient effectivement cette élection. Joe Biden, en l'occurrence. Oui, alors... C'était un risque, hein, au tout début, avant la crise pandémique, c'était quand même un gros risque pour le marché de voir Joe Biden. Ce n'est pas l'élément principal sur l'évolution du marché. Mais c'est un élément parmi tant d'autres, et ce d'autant que ce qui se dit, les rumeurs, c'est qu'effectivement, si les démocrates reviennent, d'abord on ne sait pas si Joe Biden ira au bout de son mandat, parce que c'est vrai que c'est quand même, bon, peut-être il y a des rumeurs. Et donc on est déjà dans l'après, ouais. C'est-à-dire quel sera le candidat après démocrate, ou quel va être son choix du vice-président, parce que s'il ne peut pas... Mais oui, mais on est dans cette analyse-là. Hein. Et comme même pas le prochain locataire. Exactement, et comme là, il parle de vice-président, d'une femme, et effectivement, ouais. Et noire de plus. Ouais. Voilà, donc on est déjà dans cette analyse de ce que ça pourrait... Bon. Après, on entend tout, hein. On entend que la Californie voudrait faire sécession. Voilà, donc la Californie, c'est le bastion des démocrates. Hein. Ça va devenir l'Europe. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais bon, je crois qu'il faut raison garder et se dire que ça peut amener un peu de volatilité, mais c'est pas le... Vous savez, comme on dit toujours à The End of the Day, ce qui compte, c'est... la qualité des résultats, la croissance et ce qui se passe vraiment, ce qui est sur la table. Non, je me souviens, la dernière élection, c'est que jusqu'à quelques jours avant, hein, tous les spécialistes disaient Trump n'a aucune chance d'être élu. Mais par contre, il y a un élément qui ne trompe jamais aux États-Unis. Le président en place est toujours élu lorsque le chômage est faible. Ouais. Donc, c'est pas que alors, à part Obama, le chômage a été élevé. Donc, on ne sait pas, il faut être très bon. Par contre, c'est vrai que Joe Biden, ça va dépendre du programme qu'il va annoncer ensuite. C'est exactement ce que je voulais relever, c'est-à-dire qu'au regard de l'amplitude du choc du Covid sur l'économie, le marché du travail, etc., en fait, toutes ces thématiques d'impact marché, que ce soit les tensions avec la Chine ou que ce soit un président démocrate ou un président républicain, en fait, c'est assez mineur aujourd'hui. Mmh. Évidemment, ça a des impacts, mais par rapport à l'impact du Covid. À l'enjeu du moment, oui. Question plus globalement, parce que c'est la politique américaine, mais ce sont des tensions quand même géopolitiques, commerciales, mondiales, un niveau de risque géopolitique qui n'a jamais été aussi élevé. Alors la crise du Covid relève ces sujets un peu au second plan, mais on sent bien qu'ils sont toujours là. Le Brexit en est un autre. Qu'est-ce que ça a comme impact pour l'investisseur de long terme, ces frictions permanentes là aussi? Alors, bon, l'avantage, c'est qu'on espère que si c'est M. Biden qui est élu, il ne sera pas autant sur Twitter que M. Trump. Il y a deux choses. On ne sait pas, ça. Ah, on ne sait pas encore, on verra. Il y a deux choses dans ces élections américaines. Il y a, je dirais, le fait qu'on a un président américain qui a généré beaucoup de volatilité sur le marché, à tort ou à raison. Et puis, il y a la tendance de fond. Et la tendance de fond, elle n'a pas changé. Que ça soit démocrate ou républicain, on est sur des États-Unis qui se renferment sur eux-mêmes. On est sur un commerce mondial qui va être entravé, avec un repli régional, c'est-à-dire que grosso modo les États-Unis vont s'enfermer avec l'Amérique latine, la Chine va de plus en plus développer vis-à-vis de l'Asie, et puis l'Europe qui essaiera peut-être de gérer un peu tout le monde, mais qui finalement va aussi se replier un peu sur elle-même, même si la Commission européenne n'est pas forcément pour ça, mais il y a un sens de l'histoire qui est en train de s'adapter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas nouveau, c'est pas lié au virus, parce que regardez, avant la crise des subprimes, après la crise des subprimes plutôt, on a eu véritablement un ralentissement du commerce mondial. On avait une croissance du commerce mondial qui était supérieure à la croissance mondiale. Donc c'est-à-dire qu'on intensifiait les échanges entre les pays, on échangeait beaucoup plus. Et là, avec cette crise, plus les mesures protectionnistes ou le discours ambiant, bah, on sait très bien, il va croître le commerce mondial. Hein. On ne va pas mettre au chômage tous les ouvriers, on ne va pas produire demain tout en France. Mais clairement, on est sur un ralentissement très net du commerce mondial et on est sur on va repenser les chaînes de production. Et on va faire sûrement des chaînes de production beaucoup plus courtes. Ça ne veut pas dire qu'on va tout produire en France. On va produire peut-être en Méditerranée plutôt que produire en Chine. C'est une mauvaise gestion des risques de tout ramener dans un seul pays, dans une seule région. On aurait des coûts de production qui exploseraient. Donc il ne faut pas tomber dans le côté. Mais on est sur un vrai changement de tendance. Et ça, c'est indépendamment de la politique. C'est-à-dire qu'en termes d'organisation des sociétés, moi je vois deux choses qui vont changer dans les 10 prochaines années. D'une part, c'est la fin de la baisse des impôts sur les sociétés. Et ça, c'était un gros moteur de résultat des sociétés. Dans tous les pays du monde, alors mais je parle vraiment global, dans tous les pays du monde, on était dans un vrai cycle de baisse de la fiscalité des entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui va, à mon avis, changer dans les 10 prochaines années. Et deuxième chose, une vraie remise en cause de l'organisation de la production au niveau mondial. Et ça, on peut dire tout ce que l'on veut, le virus va changer la stratégie des entreprises. Alors, encore une fois, on produira toujours dans les pays à bas de coût, c'est clair, mais on va dire moins de fluidité, puis moins de gaz. Alors après, on en prend ce que vous voulez, mais le commerce mondial, la spécialisation, ça crée des gains de productivité, ça crée des baisses de coûts. Aujourd'hui, on est sur des hausses de coûts et sûrement des gains de productivité moins forts. Et ça, qu'on le veuille ou non, il va y avoir un vrai changement dans les perspectives de résultats des entreprises liées à cette réorganisation du système productif. Concrètement, on va en arriver à la conclusion de cette table ronde hein, pour cet événement, cette nuit du trading online que vous vivez à travers la chaîne YouTube d'IG. Concrètement, quels vont être les choix pour les investisseurs là, sur le long terme? Le cadre d'investissement des prochaines années, Florence Barjou, dans un monde contraint qu'on vient de décrire, pas forcément très coopératif, mais avec des moyens financiers quasi illimités mis sur la table par les banques centrales et par les États. Alors déjà, peut-être revenir à la question de départ, sommes-nous dans une gigantesque bulle financière? Comment vous répondez à cette question? Et quelles sont les contraintes finalement qui vont s'imposer à l'investisseur pour les prochaines années? Alors, ce qui est intéressant avec la notion de bulle financière, c'est que souvent, historiquement en tout cas, elle concernait un type d'actif. Je ne sais pas, les tulipes, oui. Le CFM, le Bitcoin a été un exemple récent. Les valeurs techno dans les années 2000, donc c'est un actif qui est un peu isolé, avec des comportements moutonniers et des croissances collectives qui sont partagées. Voilà, ça c'est une bulle. Aujourd'hui, on n'est pas dans une bulle, on est dans une espèce de marée montante qui impacte tous les actifs. Et je trouve que c'est vraiment ça la différence, et c'est ça qui complique un peu la lecture. Parce qu'évidemment, quand on parle de bulle, on pense aux actions. Et en fait, évidemment, hein, c'est sur la dette que la bulle est sur la dette, c'est plutôt sur les obligations souveraines, maintenant un peu sur la dette entreprise, hein, on commence à avoir des valorisations. Voilà, donc on n'est pas sur une notion de bulle hein, qui serait restreinte aux actions, au contraire, c'est vraiment quelque chose, là, toutes ces liquidités qui affluent depuis des années, c'est vraiment une marée globale qui fait un peu tout monter. Et donc, pour répondre à votre question, quid de nos investissements sur le long terme, je pense qu'il faut, il faut être relativement rationnel, dire voilà, un investisseur, pour le long terme, de quoi il a envie? Il a envie d'être rémunéré pour le risque qu'il prend. C'est une lecture qui me semble assez saine de nos décisions d'investissement. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la seule classe d'actifs qui rémunère encore pour le risque qui est pris, c'est la classe d'actifs actions. Voilà, exactement, c'est la classe d'actifs actions. Alors du coup, ça génère des comportements, en tout cas pour un gérant, qui peuvent parfois être un peu schizophrène, puisqu'on a une vision de long terme qui est assez claire. En fait, évidemment, il faut rester investi sur les marchés actions. Mais on voit bien, on a des aspects de volatilité qui peuvent être très brutaux, et donc il faut aussi savoir à court terme être très flexible dans la manière dont on implémente les gestions. Mais à long terme, je pense que voilà, vraiment, il faut se dire quelle est la classe d'actifs qui nous rémunère pour le risque qu'on prend, et c'est la classe d'actifs. Sur le court terme, Florence, je suis désolé, mais bon, c'est ma question quand même pour incarner un peu les choses. Là, sur le court terme, prochain mois, fin d'année, comment peuvent évoluer les marchés financiers, les grands marchés selon vous? repasser par une phase de crack un peu systémique, est-ce que c'est pas totalement exclu? Ça, c'est exclu. Je ne crois pas au crack systémique, dans le sens où les... Refaire un épisode février-mars, c'est compliqué de l'imaginer. Bon, tout est possible, évidemment, oui. mais je ne pense pas, en tout cas, la notion de risque systémique, non, elle ne s'applique pas aujourd'hui. Le risque systémique, c'est un effondrement du système financier et économique global. Et ça, je n'y crois pas, parce qu'on a quand même eu des mesures qui sont très efficaces, de par les banques centrales, de par les gouvernements. Donc il y a en fait ces filets de sécurité qui sont en place, qui est des périodes, comme on le voit là, sur les derniers jours, où effectivement, mais d'ailleurs la hausse était quand même allée très très vite, où il y a, où le marché a besoin de prendre son souffle et où les acteurs de marché revoient un peu leurs prévisions de croissance. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je ne pense pas qu'on a une bulle sur le marché actions, parce qu'on voit bien que les valorisations et les opérateurs réagissent aux flux de nouvelles. Et donc quand voilà, il y a des nouveaux confinements en Chine et quand il y a des craintes justement sur les résultats qui vont être... On intègre le risque. On l'intègre, voilà. Donc pour moi, ça c'est un marché qui est rationnel et qui n'est pas déconnecté des fondamentaux. Donc oui, il peut y avoir des à-coups, mais je pense qu'il faut rester investi. Virginie Robert, alors encore une fois avec le prisme de sélectivité que vous avez dans vos investissements, vous êtes stock picker sur le marché américain notamment. Alors si on sort un peu justement de la thématique des seuls GAFAM, sur quoi est-ce que vous avez envie d'être investi là? Sur quoi est-ce que vous êtes le plus tranquille en termes d'investissement de long terme? Que ce soit des thèmes, des secteurs, des entreprises, même aujourd'hui. On n'est jamais tranquille. Non, mais on peut l'être plus ou moins. On peut l'être plus ou moins confortable. Non, on n'est jamais tranquille, mais sur les portefeuilles, sur le long terme, il y a effectivement des opérateurs. Vous savez, c'est l'analyse darwinienne. Hein. Oui, il y en a qui vont vraiment souffrir, voire disparaître, d'autres qui vont... voir leurs perspectives s'améliorer encore. Et s'améliorer, et il y en a qui vont émerger. Donc ça c'est, voilà. Alors après il faut faire le tri, mais si vous regardez si on considère, parce que le risque à court terme, c'est effectivement qu'on ait à revivre un reconfinement massif. On a notamment aux États-Unis où la dimension sanitaire n'est pas complètement réglée encore. Oui, absolument. Donc ça, il y a comme un risque, et on l'a vu là, il y a des clusters, il y a des... Bon, alors ça met un peu d'huile sur le feu. Bon, je ne crois pas qu'on viendra un confinement massif majeur, mais enfin, on ne va jamais dire jamais. Ouais, c'est ça, le discours c'est même en cas de seconde vague, on n'imagine pas reprendre des mesures publiques telles qu'on les a prises. Donc là, vous avez encore des secteurs qui ont été fortement pénalisés, les secteurs évidemment dans la consommation discrétionnaire, dans la restauration. Ouais. Et là, il y a des choses, alors il ne faut pas tout acheter, hein, mais il y en a qui vont très bien s'en sortir parce qu'ils ont une structure bilancielle, parce qu'ils ont su gérer aussi pendant la crise immédiate, hein, ils ont su s'adapter. Donc il y a des choses qu'on peut travailler toujours encore dans l'alimentaire, dans ce qu'on appelle le food services, dans la restauration, voilà, moi, il y a deux secteurs sur lesquels, vous le savez, je ne suis jamais présente, c'est tout ce qui est énergie, enfin matière première, parce que tout ce qui est... loi de l'offre et de la demande, je ne traite pas, moi je regarde que les avantages compétitifs des opérateurs entre eux. Donc là, je ne touche pas, et les banques, voilà. Parce que les banques, il faut être un peu prudent quand même sur les banques, moi je veux bien qu'on dise, ah ben ça s'améliore, donc il y a moins de... Les taux se retendent, on passe de 0,6 à 0,67 sur 10 ans américains, etc. Donc super, nanana. Bon, pour moi... les banques, ça peut être du tactique, du court terme, du trading, oui, mais ce n'est pas votre stratégie d'investissement. Voilà. Ouais. Donc en revanche, dans la sphère financière, évidemment, il y a beaucoup de choses. On a parlé de la pérennisation, évidemment, de la digitalisation, des outils, etc. C'est évident qu'il y a plein d'opérateurs financiers qui sont en train d'émerger ou vraiment de prendre consistance. Donc, il y a des tas de choses, mais aussi des vieilles sociétés. Vous prenez une société comme un distributeur, comme Target, que tout le monde avait jeté un petit peu à la poubelle, si je puis dire, hein, qui est un distributeur, bon, c'est très connu aux États-Unis. C'est le Fnac Darty ou Boulanger américain, quoi. Oui, voilà, ils distribuent tous les produits, hein, donc voilà. Mais ils étaient un peu tombés en, effectivement, désamour avec les investisseurs. Vous avez une mauvaise stratégie, on peut le dire, il y a eu un changement de management et en fait ils étaient sur un plan vraiment de vente online assez réel et qui du coup, je dirais que les dossiers sont sortis plus vite des tiroirs et donc ils ont mis, Et finalement, c'est peut-être une bonne chose, donc à regarder. Donc il y a des tas de choses. Même dans l'ancien monde, oui, c'est ça. Il y a encore des trucs intéressants. Toujours. Ne pas négliger, parce que vous savez, il y a des sociétés qui arrivent à se transformer, qui sont même un peu dopées par le besoin de survivre. C'est un aiguillon aussi, c'est ça. C'est un révélateur, comme je disais. Voilà. Bon, Marc, sur les questions d'investissement pour le moyen-long terme, hein, si vous voulez être sur l'horizon de temps de trading, on parle à des traders aussi. Oui, bien sûr. Moi, je suis d'accord, sur le long terme, le marché action reste entre guillemets, le plus intéressant, faisant du stock picking, hein, c'est-à-dire effectivement en regardant les entreprises qui ne sont pas trop valorisées, où il n'y a pas trop de risques, notamment sur la réglementation. Moi, je pense que c'est ça le vrai enjeu, hein, il faudra surveiller, donc il y a effectivement des risques. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai, vous venez de l'évoquer, le secteur bancaire. Parce que c'est vrai que tout va bien dans le secteur bancaire. Avant le Covid-19, hein, il y avait 600 milliards de créances douteuses, 6 milliards d'euros de créances douteuses dans les banques européennes, dont 140 milliards dans les banques françaises. Et donc, là évidemment, même si l'État garantit une partie des crédits, c'est clair qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas du tout remboursés, c'est ce que je veux dire. Donc c'est sûr que ce qu'on appelle le coût du risque va augmenter. On ne pas sur nos banques françaises, Marc. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je pense qu'il y a, alors non, les grandes banques, ça devrait aller, mais peut-être une banque moyenne qui a fait des pertes au premier trimestre, on ne dira pas laquelle, mais moi je pense qu'il y aura de toute façon une réorganisation du secteur bancaire. Ça, d'accord. Peut-être des fusions, effectivement des mouvements, donc il faut être quand même très très prudent. Je pense que par exemple les banques italiennes, 300 milliards d'euros de créances douteuses, je ne sais même pas comment elles vont continuer. Et comme l'évoquait tout à l'heure, Florence. Européenne. Exactement. Christian, on l'évoquait tout à l'heure. On a effectivement des situations où les taux d'intérêt sont extrêmement bas, donc il n'y a pas de rentabilité. Je rappelle que le métier des banques, c'est le métier de transformation. Donc elles ne peuvent pas le faire, le métier de transformation tout simplement. Parce qu'on a une inversion de la courbe des taux. Donc au-delà du phénomène de rattrapage boursier, vous dites c'est pas un secteur dangereux. Et surtout, que si les taux longs remontent un tout petit peu, vous avez tout au portefeuille obligataire, effectivement, où on se déprécie. Donc, c'est un contexte très, très dangereux. J'appellerais quand même à la prudence. Moi, je suis quand même plus pour les nouvelles technologies d'énergie. J'aime bien, ce secteur d'avenir, entre guillemets, parce qu'il va y avoir des investissements, ce plan Marshall, on verra comment ça va se produire, mais il y aura quand même de nouveaux secteurs d'activité qui vont émerger. Donc, il faut quand même le surveiller. Il faut mettre un petit peu d'or quand même, même si l'or est cher. On ne sait jamais. Ça ne mange pas de pain. Alors, pas tout son portefeuille, bien sûr, mais 10-15%, pourquoi pas. Voilà, et la grande prudence. Elle est là, avec, je pense que, j'espère qu'on aura effectivement un redémarrage, mais juste pour terminer, le vrai enjeu pour moi, c'est l'évolution de la croissance mondiale. C'est-à-dire que là, on s'était habitué à avoir depuis les années 80 3,5% de croissance mondiale chaque année, hors inflation, voilà, c'était le rythme de croisière. Là, ça ne sera plus du tout le cas. Et ça pourrait être même des niveaux moins 5 cette année, peut-être la probabilité de redémarrer 1, 2, comme le commerce mondial va beaucoup baisser, donc il faut faire attention à toutes ces grandes entreprises, ces multinationales qui profiteront moins structurellement parlant des effets de la croissance mondiale. Et puis dernier point, on n'en a pas parlé, l'immobilier, il faut rester prudent. Parce que là aussi, effectivement, bon, je pense qu'il y avait une bulle, justement c'est le problème, il y a plusieurs bulles à la fois, si vous voulez, hein, c'est tout le problème. Donc, il faut surveiller, parce que là, il y a un nouveau type d'économie qui va émerger, hein, avec le télétravail, etc., tout ce qui est immobilier de bureau, voilà, donc la prudence, mais quand même garder une vision de long terme sur les actions. Christian Parisot, pour conclure cette table ronde. Je vais dire déjà, le marché peut être plus longtemps déraisonnable que nous solvables. Rappelons bien ça, ça c'est l'important dans ces temps. Deuxième chose, l'effet quina, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'alternative. Et ça c'est important de le garder en tête. Ça c'est très ancien monde, mais ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. On n'est pas euphorique sur les actions. Pourtant, est-ce que quelqu'un d'autre aujourd'hui vous dira mettez tout sur l'obligataire allemand? Donc, il y a un problème, on n'a pas d'autre choix. Donc ça, c'est deux choses qu'il faut avoir en tête. Alors, ça dure aussi longtemps que les banques centrales sont dans cette stratégie de répression financière. Tant qu'il y a une bulle sur l'obligataire, et les banquiers centraux doivent alimenter cette bulle. Donc je ne vois vraiment pas comment on en sort. Sachant que ce n'est pas un mouvement de marché, c'est une action humaine. C'est la BCE qui va dire du jour au lendemain, je vais créer un crack obligataire et puis je vais laisser l'économie s'effondrer. On voit bien que personne ne prendra cette décision. Donc, c'est à prendre. C'est un point. Donc, face à ça, on n'est quand même pas rassuré, pour être honnête. Et je voudrais juste regarder le comportement du marché du crédit qui est assez intéressant. Marché du crédit, vous avez une banque centrale qui achète aujourd'hui de la dette des entreprises. Donc, qui va aujourd'hui parier pour un écartement des spreads, des primes de risque, qui va parier pour que le marché du crédit s'effondre? On va dire, c'est pas la peine. Il y a la BCE qui est là, et la BCE ne laissera pas le marché du crédit exploser. Sauf que la BCE est là, mais si vous avez un émetteur qui fait faillite, bah, vous avez beau avoir une obligation, bah, la BCE ne va pas vous venir vous acheter l'obligation et vous allez supporter dans votre portefeuille la faillite. Donc ça revient, je dirais qu'il y a deux choses qui reviennent. C'est une inflation des valorisations qui va rester. Donc aujourd'hui, le pire des scénarios, lors de la crise des subprimes, vous étiez tombé à Payot de 5. Maintenant, vous êtes tombé à Payot de 11. Donc la bourse ne descendra pas énormément, mais elle peut corriger. Ça, c'est un. C'est pas parce qu'il y a une banque centrale qui n'a pas de volatilité que ça ne peut pas corriger. Deuxième chose, pensez au stock picking, au move picking. Il va falloir faire de la sélectivité parce que le marché ne réagit pas. On achète, tout va bien. Et on achète toutes les compagnies aériennes, tout va bien. Puis d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a une compagnie aérienne qui fait faillite. Et là, il y a une vraie perte pour l'investisseur. Donc ça renforce à mon avis, l'idée qu'il faut être très sélectif. C'est-à-dire qu'il faut, alors on rejoint un peu ce qui a été dit sur la qualité des bilans, mais je pense que ça c'est un élément essentiel. On est face à un choc. C'est pas parce que le marché ne réagit pas aujourd'hui qu'il achète indifféremment tout, parce qu'il y a des liquidités, mais attention, il y a la force de rappel, et la force de rappel peut aller très mal quand on a les mauvais résultats. Donc c'est pas parce qu'il y a une bulle, entre guillemets, que tout va bien, que tout est marché. Il faut vraiment être sélectif et au contraire profiter à prendre ses bénéfices quand on a un excès d'euphorie sur les marchés. Et n'oubliez pas, le marché va être très volatile et très sélectif parce qu'à un moment donné, il y a la réalité qui prend le dessus. Mais ça sera une réalité micro, pas forcément sur l'ensemble de l'indice. Et je ne vois pas le Nasdaq baisser globalement, mais je peux vous dire que si Alphabet ou si Google, enfin si Facebook sort les mauvais résultats, là, ça sera sanglant. Sur la valeur. Google, ça sera Facebook. Donc attention, le risque micro, il est toujours là. Les montagnes russes, il faut s'habituer aux montagnes russes. Merci à vous quatre. Merci d'avoir été les participants de cette table ronde dans cette nuit du trading online qui se poursuit dans un instant. Merci à Florence Barjou, responsable de la gestion multi-asset de Lyxor Asset Management, à Virginie Robert, présidente de Constance Associés, Christian Parisot, chef économiste dans LBGC, Marc Touati, économiste et président d'ACDFI, d'avoir été avec nous ce soir. Un dernier sujet à voir dans cette nuit du trading online. L'analyse de ces marchés, quelle méthode, quel outil d'analyse regarder aujourd'hui pour comprendre le fonctionnement de ces marchés. L'analyse technique est évidemment une méthode que vous connaissez sans doute tous plus ou moins. L'analyse fondamentale en est une autre. On comprend bien d'ailleurs que ces deux méthodes d'analyse peut-être n'expliquent pas à elles seules le décalage qu'on peut constater aujourd'hui entre les marchés financiers et l'économie réelle. Intéressant forcément d'aller piocher dans l'une et dans l'autre pour comprendre comment ces marchés fonctionnent. Et ça, c'est le job d'Alexandre Baradez. La nuit du trading online se poursuit, événement que vous retrouvez sur la chaîne YouTube IG France avec des moyens d'interaction également, je vous le rappelle, hein, le chat intégré si vous visualisez cet événement sur la chaîne YouTube et puis le hashtag nuit du trading online sur les réseaux sociaux. Pas de nuit du trading sans graphique, sans charts et pas de charts sans Alexandre Baradez qui nous rejoint. Bonjour Alexandre. Bonjour. Chef analyste IG, bien sûr, tout le monde vous connaît, en tout cas beaucoup de ceux qui nous suivent vous connaissent déjà avec le Market Live que vous organisez tous les jours à 11h, c'est ça? Voilà, tous les jours de 11h à midi, donc une partie macro, une partie technique, on analyse l'actualité récente, les graphiques récents, puis quelques projections moyen terme, mais ouais, tous les jours à 10h à 11h. Vous l'avez dit, il y a l'analyse technique, mais il y a également d'autres déterminants qu'il faut regarder aujourd'hui. L'analyse fondamentale, l'analyse macroéconomique, ça reste quand même quelque chose de déterminant pour des marchés qui sont très fluctuants depuis le début de l'année. Hein. Tout ce qu'on vit depuis le début de l'année, c'est assez extraordinaire en termes de marché. Au-delà de l'analyse technique pure, il y a quand même des déterminants de marché qui sont multiples, complexes, oui, très changeants et auxquels il faut quand même apporter un regard important. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit très bien que les marchés, de manière historique, ça n'a jamais été vraiment l'économie. Ça, on le sait, le marché n'est pas l'économie. Mais il y a une partie de la macroéconomie, notamment les banques centrales, qui font en grande partie le marché aussi, ouais, qui influencent très fortement le marché. Donc, dire effectivement, on fait du technique et on insère de la macroéconomie et on regarde un peu les corrélations ou ce qui influence, c'est clair qu'en ce moment, le plus gros déterminant, c'est la liquidité, l'action des banques centrales. Et puis, c'est vrai que les données macro, on les regarde plus comme des catalyseurs par rapport à des niveaux importants. Si on est sur un support, évidemment, le chiffre aura plus d'importance que si on est au milieu d'une zone très latérale où il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc, le chiffre vient plus comme catalyseur à l'instant T plutôt que comme un gros déterminant d'une tendance long terme. Là, c'est plutôt les banques centrales qu'on va regarder. Vous l'avez dit, l'éléphant dans la pièce aujourd'hui, ce sont les banques centrales. Ouais. Et quand on parle des banques centrales, il y a la question de la liquidité, il y a la question du niveau des taux d'intérêt aussi. Ouais. Et c'est peut-être le point de départ qu'il faut prendre en compte pour analyser les marchés aujourd'hui. Oui, voilà. C'est vrai que c'est aujourd'hui la question qu'on se pose et je pense que les gens obligataires se la posent également. C'est est-ce qu'au final, on a touché des points bas historiques en Europe? Est-ce que toutes ces séquences de quantitative easing trading depuis des années, et puis maintenant le nouveau plan pandémie de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que on a déjà, notamment sur le 10 ans allemand, on a déjà des plus bas côté inscrits et on va s'installer dans une zone un peu latérale que la BCE va garder comprimée volontairement pour que les spreads ne s'écartent pas en zone euro? Ça semble être le scénario le plus probable. C'est-à-dire que non pas des taux qui vont montrer d'un coup parce que la Banque Centrale Européenne agirait directement, et à la fois des effondrements aussi. On sait très bien que le système bancaire, il est déjà à rude épreuve dans cette phase de ralentissement. Donc si en plus vous ajoutez des taux 10 ans allemands qui repassent, il est déjà encore négatif, mais qui retomberaient sur des records qu'on a touchés à la mi-mars, ce serait un peu étonnant parce qu'il y aurait double peine pour les banques. Donc le sentiment, c'est que plutôt qu'il y aura des grosses mesures mises par les banques centrales pour soutenir les banques, les prêts, tel euro et autres, mais que les taux, eux, vont plutôt s'inscrire sur des formes un peu bottom, très latérales, avant, à moyen terme, quand l'économie repartira, de repartir aussi. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de comprimer ce niveau des taux d'intérêt, pas forcément de les faire baisser beaucoup plus, mais en tout cas, dans la phase actuelle, peut-être pour plusieurs années, d'empêcher une remontée des taux, et notamment des taux longs. Oui, voilà, c'est ça le principal, parce que les taux longs également, le risque que vous avez, c'est toujours ces risques d'écartement en zone euro entre des pays fragiles qui le sont toujours comme l'Italie, des pays comme l'Allemagne, effectivement, qui sont très bien placés. On verra tout à l'heure, par rapport aux indices, la réaction des indices, c'est aussi une réaction par rapport au comportement des pays en termes de gestion de la crise, en termes de plan de relance. Et on verra tout à l'heure que le DAX, par exemple, c'est bien plus repris que le CAC et autres, ou que le MIB ou que l'IBEX, et il y a des raisons à ça. Donc oui, c'est vrai que le rôle des banques centrales va être de faire en sorte que les taux reste comprimé, et sachant que les banques centrales regardent aussi autre chose. Il y a les taux et puis il y a également ce qu'on voit à l'écran. Bien sûr, l'inflation. C'est-à-dire que les banques centrales, il faut toujours avoir ça en tête, hein. L'objectif des banques centrales, c'est quand même de raviver l'inflation à terme, hein. C'est une partie très importante de leur mandat. Et quand on regarde le niveau des taux d'intérêt sur le marché, il faut forcément mettre ça en regard du niveau d'anticipation d'inflation qu'ont les investisseurs. Oui, voilà, et c'est ça que la Banque Centrale Européenne regarde. On sait qu'elle regarde depuis quelques temps, ces anticipations d'inflation sont très regardées par la Banque Centrale Européenne, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, là, par exemple, où on se parle, on a des anticipations d'inflation qui sont revenues quasiment sur le niveau de fin mars, début avril. C'est-à-dire qu'on a quasiment, d'un point de vue des anticipations d'inflation, effacées aux yeux du marché, en très grande partie, ce risque économique, alors qu'on voit bien que l'économie est toujours là, mais les marchés sont déjà projetés dans l'après. On voit que les points bas sur l'anticipation d'inflation, je pense aussi qu'on les a touchés en même temps que les points bas historiques sur les taux allemands. C'est une manière de dire quoi? C'est une manière de dire on croit en partie au moins à l'efficacité de l'action des banques centrales conjuguée à l'action des États aujourd'hui. Oui. Ça peut donner quelque chose de positif en termes d'inflation. C'est ça le message. C'est que le marché se dit que les banques centrales vont rester très très présentes tant que ceci n'est pas passé. C'est le message qu'a envoyé Powell il y a quelques jours, c'est le message aussi envoyé par Christine Lagarde. Mais à la fois, c'est vrai que les anticipations d'inflation, on se dit que c'est un élément qui sert de projection, et on se rend compte quand même que c'est un marqueur assez court terme aussi. Là, ce qu'on a comme courbe, c'est les anticipations d'inflation sur 5 ans, dans 5 ans, donc c'est du très moyen, presque long terme, et pour autant, ça reflète bien finalement le risk on, risk off sur les marchés. Et là, on voit que ça s'est bien redressé dans la phase de rallye, et puis là, depuis quelques jours, à nouveau, on a cette phase à nouveau de volatilité sur les marchés, on voit que les anticipations se replient un peu. Et donc, c'est aussi un marqueur de la température du marché pour la Banque Centrale Européenne. C'est intéressant. Alors, on emploie le terme de reflation, effectivement, c'est tout l'enjeu des politiques monétaires aujourd'hui, raviver l'inflation. Et quand vous regardez ce redressement des anticipations d'inflation que vous notez sur les graphiques, Alexandre, ça coïncide également avec des mouvements sur l'euro qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, hein. C'est-à-dire que ce qui était très paradoxal ces derniers mois, c'était l'absence de volatilité sur les devises, et notamment sur la parité euro-dollar. Et là, depuis quelques semaines, quelques temps, les choses bougent. Oui, les choses bougent, et ça a bougé en plus avec des décisions politiques. C'est-à-dire que l'euro, on voit sur le graphique là en ce moment que vous aviez d'un côté un euro sur la courbe jaune, donc qui était dans une espèce de long range baissier, comme ça, un canal baissier pendant pas mal de temps, et puis on avait déjà la courbe bleue qui sont les positions spéculatives sur l'euro par rapport au dollar, donc c'est les positions non commerciales, uniquement spéculatives, qui avaient déjà accéléré à la hausse très fortement. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, cette courbe, c'est les positions nettes, donc c'est le sol, le long short, et vous avez vraiment, on voit bien une déformation à la hausse, c'est-à-dire que les spéculateurs ont empilé des positions longues sur l'eurodoll, alors même que l'euro n'arrivait pas à décoller. Et la réunion, les premières déclarations du couple franco-allemand début du mois de mai, avant que la Commission en parle, ça c'était le catalyseur. Et sur les indices aussi, l'espèce de FOMO qui s'est mis en place, il s'est surtout mis en place à partir du début du mois de mai. Et là, on a eu effectivement les positions qui sont traduites par un mouvement de cassure des indices de l'euro qui monte à 1,14 depuis, et on en parlera tout à l'heure, mais je pense que là on s'inscrit dans quelque chose. Je ne dis pas qu'on va aller en ligne droite à 1,20, mais il me semble que ça commence à déterminer les points bas de l'euro, les zones assez basses. Qu'on soit en range après, c'est une chose, mais j'ai quand même l'impression que c'est indéterminant. Il y aura des négociations, c'est évident, d'autres pays européens, mais on a le sentiment que là l'Europe a tapé un peu du poing sur la table en disant voilà, on a une crise forte, on ne doit pas le choix. C'est un thème très fort, hein. On en parlait avec les autres intervenants, mais c'est sans doute un des marqueurs de cette crise inédite. Quand on regarde la partie européenne, on a le sentiment d'une avancée politique importante. Certains parlent même d'un game changer. Alors, on verra, vous le disiez, il y a encore des négociations politiques, mais on a quelque chose entre la BCE et la Commission européenne, et on fait le lien avec les positions spéculatives sur l'euro, qui est peut-être beaucoup plus optimale. Oui, oui, le mot est employé, c'est game changer. Je pense vraiment que c'est ça, parce que voir l'Allemagne bouger sur ces lignes-là, alors que ça fait une décennie, c'est des choses qu'on aurait dû voir en fait pendant la crise de la dette en zone euro qu'on n'a pas vu. Il a fallu voir des traitements de choc à la Grèce, qui effectivement a posteriori le FMI a reconnu que tout le monde est allé trop loin par rapport à ça, et on voit bien qu'aujourd'hui on ne va pas renouveler ces erreurs-là, on ne va pas évidemment appliquer les mêmes traitements qu'à la Grèce, parce que là c'est une récession, une dépression terrible. Donc au contraire, on va de l'avant sur des propositions communes. Quelques pays vont devoir se joindre, il n'y a pas le choix. Si l'Allemagne, la France décident et que c'est pour bien l'Italie, etc., même ils peuvent créer des tensions court terme. Ils peuvent ralentir le processus, oui, mais ils ne peuvent pas le bloquer. Ils ne peuvent pas le bloquer parce qu'ils s'y perdraient aussi. Si la zone euro éclate, c'est des pays qui profitent aussi de la zone euro, des flux d'échanges commerciaux, de flux de personnes. Donc, ils seraient aussi les premiers perdants de ça. Donc, ils n'auront pas le choix. Et je pense que le marché, c'est ce que le marché comprend aussi quand on voit cet écrasement, c'est la courbe jaune des spreads entre l'Italie et l'Allemagne. On voit qu'avant que la BCE parle, on était remonté à 320, 330 points de base. Alors, c'était loin des niveaux qu'on a connus pendant la crise de la dette où on était à des 500, 600 points de base sur les 10 ans. Mais c'est quand même tendu assez fortement au mois de mars. Hein. Et la BCE qui est arrivée, 750 milliards. Et tout de suite, on est retombé presque au niveau, c'est ça qui est intéressant, de novembre, décembre. C'est pas complètement retour à la normale, mais on est dans le bon tiers inférieur. Voilà, on n'est pas dans le tiers supérieur. Ouais. C'est une des questions que tout le monde se pose. Hein. Tout le monde tourne autour, les économistes, les stratégistes, les analystes de marché. Qu'est-ce qu'on va faire de ces dettes? Qu'est-ce qu'on va faire de ces dettes issues du choc pandémique, que ce soit les dettes publiques et les dettes privées aussi, hein, les dettes des entreprises qui vont être quand même un vrai sujet pour les prochaines années, Alexandre. Alors, on va peut-être voir ce qu'on avait déjà vu là par contre pendant la crise de la dette, c'était des structures de défaisance, des structures qu'on crée de rien, qui sont des coquilles, et dans lesquelles on va stocker la partie de dette à risque, tous les prêts non performants ou autres, tout ce qui présente un risque bilanciel et un risque pour les États aussi. Alors ça aussi c'est des choses qu'il faudra négocier, mais on a eu pas mal de bruit ces derniers temps sur la création éventuellement d'une bad bank en zone euro. Alors évidemment, quand on a ces sources, c'est que c'est pour tester aussi un peu le marché. Les sources ne se manifestent, jamais trop par hasard. Mais c'est des concepts intéressants parce que c'est des choses qui ont déjà servi par le passé, qui sont trouvées efficaces et qui là, effectivement, du coup, donneraient… alors, quelle forme ça prendra là-dessus, les débats de techniciens, mais pour le marché, ce qui va être important, c'est s'il a l'impression qu'effectivement, on va vers ce genre de structure, il se dit, les États auront toujours l'oxygène, les banques en auront aussi, les entreprises aussi, donc est-ce que ça sera stérilisé, par quel biais, etc. Ça, on ne sait pas, mais si on arrive à décharger le poids de cette dette, il n'y a pas le choix, on va pas pouvoir absorber ça, même sur… donc, il y aura une partie qui sera absorbée par l'économie, et probablement une partie qui sortira et qui sera stérilisée, et qui ne plombera pas, qui ne sera pas la reprise. Il faudra tous les leviers, hein, de la croissance, de l'inflation, on l'espère, ça c'est le chemin de sortie par le haut, mais sans doute que les banques centrales vont rester sur la brèche pour encore très longtemps, justement pour gérer ce problème d'endettement public et privé. Où est-ce qu'elles en sont, les banques centrales, aujourd'hui, de leur capacité, de leur marge de manœuvre? Parce que c'était le débat il y a quelques mois seulement, mais j'entendais en permanence, les banques centrales, c'est fini, elles sont au bout de l'histoire, elles sont au bout de ce qu'elles peuvent faire. Alors évidemment, les derniers mois nous ont prouvé que c'était totalement faux. Est-ce qu'on continue de se tromper en pensant que ces banques centrales ont des limites à un moment ou à un autre dans leur action, Alexandre? Alors nous, on se doutait quand même, il y a déjà quelques mois de ça, quand on regardait les banques centrales, ce qu'il faut regarder, c'est la taille du bilan, c'est une chose, mais la taille du bilan rapportée au PIB en est une autre. Et ça, c'était pour nous l'élément le plus important. On ne pensait pas que la Fed allait agir aussi puissamment, mais on savait quand on regardait il y a quelques mois le pourcentage de dette du bilan de la Fed par rapport au PIB, on était dans les zones de 20-25%. La Banque centrale européenne top de la 30, mais on était tous très très loin de la Banque du Japon, de la Banque centrale suisse. Donc finalement, la Fed, il y a déjà plusieurs mois, alors qu'on avait l'impression qu'elle avait explosé son bilan déjà sur les années précédentes, eh bien non, elle est restée dans les bons élèves des banques centrales en fait. C'est pour ça qu'il faut le voir. Et donc effectivement, on voit derrière, elle a clairement mis la sauce. 3 000 milliards ajoutés à son bilan. En 3 mois. En 3 mois, voilà. Donc, ce qu'elle a fait en 10 ans auparavant. Exactement. Donc c'est absolument colossal. Et surtout, elle progresse beaucoup plus vite que les autres. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne, on est sur une progression de bilan de à peu près 20-22% depuis le début de la crise. Fed, c'est 70%. Donc ça… La Fed va pas pouvoir arrêter ça du jour au lendemain. Ouais. La question, c'est quelle va être la pente. Voilà. Tout le monde a en tête les 10 000 milliards maintenant. C'est ça la référence. Et on ira très probablement un jour. Par contre, il est très probable qu'elle ne brûle pas ça sur 3 mois de plus. C'est-à-dire qu'elle va pas faire 10 000 milliards. On va pas continuer au même rythme que les mois précédents, là. Dans ce cas, vous aurez des marchés, c'est déjà le cas de certains indices, hein, qui exploseraient leur record. Le S&P, il est monté à 5-6% de son sommet historique. Donc, ce serait étonnant que la Fed aille aussi vite. Moi, je pense que le rôle de la Fed aussi, c'est de piloter un peu, même si Powell explique que lui, ce qu'il veut, c'est que les marchés fonctionnent et qu'en gros, même sous-entendu que la conséquence, c'est un prix d'actifs élevé et des multiples plus élevés qu'avant. On l'a entendu ce message-là dans sa conférence de presse dernière réunion de la Fed, dans une interview qu'il a fait à des chaînes américaines. On a bien compris que lui, ce qu'il veut, c'est que les marchés fonctionnent et qu'en ce moment, les questions de valorisation multiple, c'est pas trop souvent. Pas le sujet. Mais je pense quand même que derrière, il peut pas autoriser n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est déjà sur des ratios de 20, 22, 23 pour le S&P, des multiples, de 30 fois les bénéfices pour le Nasdaq. Donc, sûrement, ils vont devoir aussi inscrire un peu les marchands dans une phase un peu consolidante. Éviter qu'on touche les plus bas parce que ça, ça déstabilise, ça dégrade les conditions financière, mais aller trop vite, ça représente le risque de créer des conditions qui amènent à nouveau des bulles. Et ça, ils ne peuvent pas le faire. Donc moi, selon moi, ils vont essayer d'inscrire les indices pendant quelques temps, toujours en soutenant l'économie, mais dans une zone assez latérale. Et c'est-à-dire que le bilan va encore grossir, se rapprocher des 10 000. On parle d'une Fed qui deviendrait plus transparente peut-être dans le ciblage des taux d'intérêt. Ça lui permettrait peut-être de ralentir l'augmentation de son bilan à un moment, en restant tout à fait crédible et efficace pour contrôler la courbe des taux, comme on dit, Alexandre. Oui. Alors ça, moi j'ai l'impression que c'est, je me trompe, et que cette notion de maîtrise de la courbe de taux, pour le marché, ce qui est surtout important, c'est la quantité de liquidité qui reste. Est-ce qu'en un moment, il n'y a pas ce risque de liquidité? On se souvient que les premières tensions étaient arrivées à l'automne dernier, bien avant le Covid. Donc, ces tensions sur le marché interbancaire. Alors, certains diront que c'était parce qu'effectivement la Fed avait un peu trop normalisé, et d'autres diront que c'est les banques qui ont un peu poussé les taux pour que la Fed lâche un peu la liquidité. Mais c'est par ces questions de liquidité qu'elle arrive en fait à gérer le risque. Je trouve plus que la partie de taux, parce que les taux étaient déjà, elle les a baissés pendant le Covid très fortement, mais on a l'impression que le marché a beaucoup plus réagi aux expansions de bilan, et d'ailleurs l'année dernière, entre septembre et finalement janvier, donc avant le Covid, le bilan a déjà grossi de 4 000 milliards pour la Fed. Donc, ce n'était pas une petite opération, ce n'était pas un QE non plus officiellement, ce n'était pas des maturités trop longues, mais c'était déjà en soi des opérations d'injection de liquidité forte, et le marché était venu chercher des records. Donc, cette dépendance à la liquidité, c'est surtout sur ce levier-là que la Fed peut agir sur le marché, et les taux, finalement, j'ai l'impression que c'est la partie la plus simple à gérer. La liquidité, c'est le plus compliqué à gérer. Ça nous rappelle aussi quand même qu'il y avait déjà des problèmes avant le Covid, Alexandre. C'est-à-dire que tous les problèmes d'aujourd'hui ne sont peut-être pas uniquement liés à la crise pandémique. Beaucoup, évidemment, cette crise pandémique, elle crée beaucoup de problèmes, mais elle accentue aussi des problèmes et un affaiblissement de l'économie américaine qui était déjà perceptible plusieurs mois avant l'arrivée de cette pandémie. C'est ça que c'était pas une économie, elle restait quand même bonne, en relatif taux de croissance, niveau d'emploi et autres, c'était même le taux de chômage, et c'était d'ailleurs un des arguments de Trump fort pour sa réélection, c'est regarder le taux de chômage, et c'est un vrai bon argument. Mais il y avait déjà des indicateurs qu'on évoquait d'ailleurs avec vous, les fameuses, les JOLTS, indicateurs de tous les postes, vacances, les ouvertures de postes pour l'économie américaine. Mesure très large de l'emploi, et on voit déjà depuis plus, alors que c'est un indicateur qui est très bien corrélé avec l'évolution des marchés, on voit déjà qu'on était sur des niveaux historiquement élevés, donc il n'y a pas un risque en tant que tel sur le niveau, mais le momentum était déjà en train de baisser depuis déjà plusieurs trimestres. Et nous, c'est l'argument qui nous faisait dire qu'on a effectivement une pente de marché qui était trop raide, et que c'est le Covid qui a fait baisser le marché, mais je pense que si ce n'était pas le Covid, on aurait des tensions États-Unis-Chine, elles n'étaient pas nouvelles, donc on aurait ça à nouveau sur la table, parce que la Chine aurait moins acheté, etc., ou pas autant que les États-Unis, et je pense que le niveau de valorisation qu'on avait à l'époque, le moindre élément, un peu de tension, aurait fait baisser le marché, pas de 40% évidemment, mais d'un bon 20%, voilà, pas forcément bear market tout de suite, mais voilà, on aurait quand même eu ça, je pense, parce que là, on avait des pentes sur des actions ou autres qui étaient pas tenables, et par rapport à des signaux économiques qui étaient déjà en train de ralentir, les volumes d'échanges mondiaux, les heures de poste, ce genre de choses, on avait les ISM également, les PMI qui montraient déjà des signaux un peu de faiblesse, surtout sur la partie manufacturière, c'est pas nouveau, voilà, c'est déjà des choses qu'on voyait avant le Covid. Qu'est-ce que ça veut dire pour le dollar? On parlera plus spécifiquement, plus techniquement même tout à l'heure de l'euro-dollar. La parité règne sur le marché des devises, mais le dollar en tant que tel, le dollar face à un ensemble de devises qui est resté quand même historiquement ferme jusqu'à encore très peu de temps sur les marchés. Alors c'est que le dollar, on a eu une espèce de… Il y a deux phases. Début de la crise, le dollar a d'abord été vendu. Quand la crise n'était pas encore trop intense, c'était vendu. Parce qu'on liquidait tout. Oui, parce que voilà, il y a quelques liquidations. Et ensuite, il y a une espèce de rush sur la valeur refuge qui était le dollar. Et même la Banque Centrale Américaine a dû lâcher des swaps de devises dans tous les sens, à toutes les autres banques centrales aussi. Pour fournir du dollar à tout le monde. Bien sûr, pour éviter qu'il y ait le cash crunch, qu'on ait un vrai problème de liquidité sur le dollar. Et de ce coup, on a eu cet appétit pour le dollar et qu'on voit effectivement de nouveau faiblir. Et ça va être aussi quelque chose que va devoir piloter la Fed. Ça qu'elle va devoir, selon moi, je pense qu'on va s'inscrire dans une espèce de range qui était déjà un peu en place depuis déjà 4-5 ans. Le dollar index, selon moi, la Fed ne peut pas faire en sorte qu'il aille trop loin ce dollar. parce que même Trump ne voudrait pas, c'est-à-dire que l'euro baisserait, etc. Donc ça, Trump n'aime pas le dollar fort, ou plutôt l'euro faible. Il aime le dollar fort quand c'est à son intérêt, il n'aime pas l'euro faible, voilà. Et donc, politiquement, ça ne peut pas se faire. Et la zone euro, je pense aussi, faut en sorte de ne pas avoir un euro qui baisse trop, parce qu'elle sait qu'elle exposerait, il y a l'élection qui arrive, on ne sait pas si Trump sera encore là, mais s'il est encore là, si on a un euro qui baisse trop, on s'expose au risque de guerre commerciale, de tension sur l'automobile ou autre. Donc, justement, on va essayer d'avoir une... Enfin, je pense que les banques centrales vont essayer de garder justement la devise un peu en cette espèce de range sur le dollar. Ce qui veut donc dire quoi? Que l'euro aussi ne va pas monter en flèche à 1,20, je pense, mais ne va pas non plus s'effondrer vers la parité. Je pense qu'on va garder cette zone un peu comme ça, bottom, range, quelques temps avant que ça reparte fortement pour l'euro. Bon, les taux, les devises, voilà. Si l'idée générale, c'est de maintenir quand même le prix de ces actifs financiers dans des fourchettes de fluctuations acceptables pour tout le monde, ouais. C'est une forme de stabilité importante, j'imagine, pour le fonctionnement des marchés financiers globaux, oui, Alexandre. Oui, hein, oui. Ça, les devises ont quand même moins d'impact sur le fonctionnement des marchés. Ouais. C'est un élément qu'on regarde parce qu'effectivement, c'est un élément macro comme un autre, mais ça joue quand même parce que on regarde des crises précédentes, par exemple, vous avez des paires comme le dollar par rapport au yen qui étaient très sensibles au risque. Et cette fois-ci, sur cette crise, on remarque que c'est des paires de devises qu'on peut bouger. Ça veut dire quoi? C'est que les banques centrales s'attachent, notamment la Banque du Japon, par exemple, s'attachent à ce que leurs devises restent stables. Ouais. Voilà. Donc, oui, il y a cette aspect de stabilité qu'on peut aussi voir sur la partie devise, alors qu'effectivement, la stabilité est arrivée par le marché action. Oui, c'est ça. On maintient la volatilité la plus faible possible sur le prix de certains actifs financiers clés, les taux, les devises, mais en même temps, il faut bien que cette volatilité, elle s'exprime ailleurs. Ouais. On regarde la crise historique qu'on a traversée. Et donc là, c'est le retour de la volatilité sur les marchés actions notamment, Alexandre. Voilà, c'est ça. On a le VIX qui est remonté à 85. C'est pas tout à fait le record de 2008, où il était monté à 89. Mais bon, donc c'était un moment Lehman quand même. Enfin, alors, peut-être pas au point près, effectivement, pour le technicien que vous êtes, mais c'était un moment Lehman, parce que là, vous avez un risque systémique qui se présente à nous. Finalement, quand vous bloquez toutes les économies hautes, il y a un vrai risque systémique. Donc, les marchés ont précédemment donné et il a fallu que les banques centrales réagissent très vite, que les États réagissent très vite pour que la volatilité retombe assez fortement, peut-être trop. Effectivement, quand on retombe à 25 de vol ou 24, avant Covid, on voit qu'on était dans les zones de 15-16. Et là, il y a quelques jours, avant que ça reparte un peu la semaine dernière, mais il y a quelques jours, on a une vol tombée à des niveaux qu'on n'a pas vu depuis fin février, c'est-à-dire 5 jours seulement après l'éclenchement de la crise. Donc, pour les marchés abandonnés, on a quasiment effacé en termes de nervosité tout cet épisode-là. Ça, par contre, c'est un peu complaisant. Voilà. Et ce qu'on a vu sur des obligations d'entreprise ou autres, il y a quand même le sentiment qu'on arrive à ces derniers jours, c'est quelque chose d'un peu complaisant quand même. Donc voilà, il faut s'habituer à avoir une vol qui peut remonter à des 40, 45, 50, qui va retomber à 25, etc. Je ne pense pas qu'on remonte par contre à 80. Ça, j'y crois pas. Bon. Il y a de la volatilité sur la volatilité elle-même. Oui. C'est ça aussi, Alexandre. Oui, c'est ça. Ouais, ce serait... Vu ce que les États ont mis en place, les banques centrales mettent en place, les zones mettent en place, zones euro ou autres, on a du mal à imaginer que la vol puisse repartir à 85. Voilà. Donc il faut, je pense qu'elle va s'inscrire dans une espèce de zone, elle va pas non plus s'écraser d'un coup complètement parce que ce serait pas normal par rapport au niveau économique et ça présenterait le risque de bulle à nouveau. Mais voilà, avoir une vol qui n'en pas 80, qui reste dans une zone entre, je parle pour le VIX, entre 20 50, voilà, avec des allers-retours, et puis après qui retombera plus fortement quand l'économie réaccélérera plus fortement aussi. Vous évoquez le compartiment des obligations d'entreprise, alors le marché de crédit, évidemment très important, parce que là, directement connecté à l'économie réelle, entre guillemets, en tout cas c'est le coût de financement pour les entreprises qui se financent à travers les marchés de capitaux, à travers ces obligations d'entreprise. Dites là, on retrouve des mécanismes de complaisance, on a déjà effacé la crise sur ces segments de crédit obligataires. C'est pas nous qui le disons, c'est les graphiques qui le montrent, hein. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder le niveau, vous voyez, sur vous avez des trackers qui présentent bien les segments de dette, investment grade, donc la bonne qualité, puis spéculative junk bonds. La courbe en bleu, c'est celle qui représente les obligations de bonne qualité d'entreprise, donc des obligations bien notées des entreprises américaines. On a tout effacé. C'est-à-dire que là-dessus, c'est comme si la crise, elle existait, mais elle a été effacée. Et la courbe jaune, c'est la partie spéculative, donc rue spéculative, qui, elle, est revenue, elle a effacé quasiment 84. Alors, attention que ce sont les ETF, donc la composition de l'ETF, il y est pour beaucoup. Les segments très dégradés, on n'est pas aussi haut que ça. Mais en moyenne, comme ce segment de dette spéculative, on a effacé sur ces ETF-là, qui sont des gros ETF, hein, qui pèsent plusieurs dizaines de milliards, on a effacé 80%. Donc effectivement, ça sent un peu la complaisance, parce que c'est parce que vous êtes même sur le haut de la partie spéculative, qui reste encore pas trop mal notée, que vous n'avez pas le risque de faire défaut si l'économie s'arrête complètement. On a des grosses boîtes qui ont déjà déposé le bilan, donc il y a quand même ce risque-là. Voilà. Et il me semble que ça doit ressortir dans les prix et qu'il y a quelques jours, ça ne ressortait pas. Et la semaine dernière, c'est un peu revenu. Voilà, on a vu des prises de bénéfices, une respiration sur le marché obligataire qui est saine. C'est pas malsain d'avoir ça. Retomber effectivement tout en bas, ce serait très malsain, mais retomber au milieu de la zone et laisser la situation s'améliorer, là, ce serait pas mal. C'est quelque chose qui serait normal. Voilà, c'est, faut pas, moi je pense pas qu'on aille qu'on retrouve des niveaux de volatilité aussi élevés, parce que c'est mauvais pour tout le monde, ouais. Pour l'économie, pour les marchés, pour les investisseurs, pour les fonds de retraite également, pour beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il faut quand même que le risque s'exprime d'une certaine manière. Et ça, je pense que c'est ce que les banques centrales vont devoir piloter dans les 2 ans qui viennent, avant que l'économie retrouve des rythmes plus normaux. Bien sûr. Dans l'analyse des fondamentaux, il y a quand même un élément clé, hein, il faut le souligner, c'est la confiance. Oui. Dans quelle mesure est-ce que les agents économiques dans leur ensemble auront suffisamment confiance pour relancer leurs investissements quand on est une entreprise, ou relancer leur consommation quand on est un ménage américain, en l'occurrence, si on parle de la première économie du monde. Et ce qui est sûrement le plus gros indicateur à surveiller maintenant, on voit que les indicateurs PMI ou autres, les indicateurs avancés, eux ont déjà commencé à former le bottom, donc voilà, ça on sait que ça va se redresser ensuite. La production se normalise. Voilà, c'est du point de vue de l'offre, on n'a pas trop d'inquiétude sur la normalisation de la production. Voilà, parce que les appareils de production ont été arrêtés, mais c'est pas non plus pendant 3 ans, donc ça peut repartir assez vite, il y a des ordres qu'il faut aussi satisfaire, que tu n'es pas passé avant la crise ou autre. Donc, il y a quelque chose qui se remet en route. Le nerf de la guerre, c'est la consommation. Soit en Europe ou aux États-Unis, et la confiance des consommateurs, on le voit, ça ne ressemble pas pour l'instant à un V. On a malheureusement, alors ce sont que 2-3 mois, attention, hein, il y a la partie très basse, et puis ensuite, là, c'est le chiffre du mois de juin, mais dont on sait qu'il est quand même en grosse partie calculé sur mai. Donc, c'est vrai que la confiance des consommateurs à 79, alors qu'on arrive de 100, oui, ça nous fait dire qu'effectivement, qu'on a encore des dizaines de millions d'Américains qui ne sont pas revenus au travail, et certains ne reviendront malheureusement pas au travail tout de suite. Là, il y a un vrai risque, c'est le risque de consommation. Donc, il va peut-être même falloir envoyer des chèques aux Américains pour les inciter à retourner au travail. Oui. Et ça aussi, politiquement, ça va être le gros combat des démocrates par rapport à Trump, et dans l'autre sens de Trump par rapport aux démocrates, ça va être ça. C'est qu'on voit bien que ce qui a été fait, politiquement, on peut dire, l'administration américaine, le Trésor et la Fed ont fait beaucoup pour Wall Street. Et ce qu'il faut faire au début, hein, sauver les banques, etc., ça c'est la priorité. Mais on sait que le programme Main Street n'a pas encore commencé. Main Street, c'est pour les toutes petites entreprises, les PME, etc., voire les TPE et les particuliers. Et ce programme, à part l'envoi des chèques, il y a eu quelques mesures de prise, mais ça vient, on peut trouver aussi, ça vient un peu tardivement. La crise a démarré au mois de mars, les mesures commencent à arriver pour Main Street maintenant. Donc oui, c'est là-dessus que Trump va devoir accélérer pour son image et pour sa réélection, et c'est très clairement un argument que les démocrates ont utilisé pour le contraire. Il y a un grand absent dans cette thématique de la relance, c'est la Chine, Alexandre. Oui. Autant en 2008, tout reposait sur le plan de relance chinois, autant aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de presque secondaire pour les marchés. Oui, parce qu'on a l'impression que aujourd'hui, les mesures prises en Europe et aux États-Unis sont telles que ça occulte effectivement que la Chine fasse la relance ou pas. On n'a pas besoin en fait. On a besoin sur le long terme, mais dans l'urgence, c'est pas ce que le marché va regarder, parce que les montants de liquidités déployés par la Banque Centrale Européenne et la Fed sont tels que effectivement, ça occulte un peu ce que fait la Chine, même si la Chine fait, mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la Chine ne fait pas, c'est pas comme les anglo-saxons, le food style, c'est pas on ouvre les vannes et on inonde tout. Il y a des mesures, on le voit, il y a les nouveaux prêts, les mesures totales de financement sociaux et autres ont progressé ces derniers mois, mais on voit bien que ce n'est pas une explosion. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques mois où c'était assez levé, puis là on retombe plus de mois dans les zones qu'on a déjà connues finalement en 2015, 2016. Il n'y a pas de choses extraordinaires. Il y a les baisses de ratio prudentiel, les triple R qu'on baisse, vous avez les mesures de financement, les MLF, mesures de financement à moyen terme, voilà, des facilités de prêt. Tout ça, on le voit parce qu'il faut le faire, mais on sent bien que la Chine ne veut pas aller trop loin, parce que l'endettement qu'elle va créer maintenant, si elle va trop vite, trop loin, c'est la bulle qu'on aura dans quelques trimestres, dans quelques mois. Et ça, elle n'a pas envie de ça. Il ne faut pas compter sur la Chine pour relancer l'économie mondiale dans son ensemble. Ils feront ce qu'il faut pour, sur le plan domestique, effectivement, mais… Chacun devra faire son travail aussi de son côté. Oui, parce que eux, je pense qu'ils pensent aussi que ce que font l'Europe et les États-Unis va leur servir. C'est-à-dire que s'ils soutiennent leur économie, ben, on va commander, il y aura des armes, il y aura de la… Même si les chaînes de production vont un peu très aménager derrière tout ça, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Et donc, la Chine va aussi bénéficier de ce qui se fait en Europe et aux États-Unis dans les commandes. Mais on voit quand même une faiblesse, on l'a vu sur les derniers chiffres, notamment de la balance commerciale, on a quand même des données sur la demande intérieure chinoise qui sont pas terribles. Voilà, on voit bien que… Alors, il y a des effets de volume aussi, hein, l'effet dollar et autres, il faut regarder, la baisse du prix des matières premières qui joue beaucoup dans cette baisse des importations. Mais derrière ça, il y a quand même un appétit de consommation qui n'est pas encore là en Chine. Et ça, c'est là-dessus que la Chine doit devoir en fait surtout agir. Pas tellement sur le moteur export qui va rester ce qu'il est, parce qu'on ne peut pas tout transvaser dans les supply chains du jour au lendemain. Mais la demande intérieure, ça par contre, la Chine doit devoir s'y atteler, parce qu'il y a un choc de confiance comme partout. Et ça, c'est surtout le point le plus chou. Sur une partie plus technique, Alexandre, quand on en vient aux indices, bah, peut-être l'indice chinois, hein, l'indice de la bourse de Shanghai par exemple, pour commencer. Quels sont les enjeux du moment pour les grands indices mondiaux là? Comment est-ce que vous posez le problème? Alors, on a l'impression, enfin on a l'impression, on verra plusieurs graphiques ensuite, la Chine, moi aujourd'hui, je vais plus regarder le moment où les indices vont commencer à sortir par le haut que par le bas. Ça fait longtemps qu'on surveille les sorties par le bas, hein, mais là, sur un graphique comme ça, on voit bien sur long terme, sur 10-20 ans, comment fonctionnent les points à creux sur des crises systémiques ou autres. Et on voit que là, sur les dernières années, et même sur le Shanghai Composite avec la crise là, du Covid, on n'est pas venu tester les plus bas de 2013 ou les plus bas de la crise des subprimes. C'est ça qu'on voit quand même des plateaux qui se forment. Et on sait que c'est des marchés aussi où les fonds d'État chinois, qui dépendent du pouvoir chinois ou qu'on ait liens très étroits, influencent aussi ces indices-là. Donc, on va plutôt surveiller le moment où vous voyez cette oblique qu'on a depuis 2-3 ans, chacun on tape, si on commence à passer dessus par exemple, et puis qu'on voit que les indices américains commencent à taper leur sommet, et puis qu'on voit que le CAC commence... Vous voyez, en fait, tout rentre dans le même panier, et si techniquement on a des signaux corrélés un peu partout, bah, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, Chine, pour l'instant non, pas tout de suite, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais graphiquement, si on commence à casser l'oblique, on va taper les plus hauts de 2017, 2018, qui sont pas très loin. Mais pas si mal. Voilà, je pense que c'est... Voilà, c'est pas dire ça. Voilà, ouais, ça va pas monter en ligne droite non plus, mais ça veut dire que le bottom est là, qu'on peut consulter un peu, qu'on peut un peu retomber, mais que le bottom est là. Et donc, c'est plutôt des signaux engageants à moyen terme pour venir sur ces marchés-là. Bon, sur nos indices à nous, alors le CAC 40 à Paris, qu'est-ce qu'on peut dire, Alexandre? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être quand même très concis parce que là, d'abord, on a des indices hors dividendes. Ouais. On est tombé très bas, sur des plus bas on a effacé, hein, sur le hors dividende, on a effacé 6 ans de performance pour le CAC, donc les plus bas on les a eus. Voilà, je ne pense pas qu'on revisite ces 3006. Qu'on ait des phases à nouveau de stress, où on retombe vers les 4000 ou autre, ça oui. Mais je pense qu'une fois que l'enjeu, il est entre les 6002, alors c'est un enjeu très large évidemment, hein, c'est pour ceux qui font du trading court terme, ça ne veut pas dire grand chose, mais je pense que viser trop bas c'est dangereux, viser entre trop haut c'est dangereux aussi. Il faut s'inscrire dans un schéma où on va consolider là-dedans quelques temps, et après on va sortir par l'eau. Mais c'est vrai que ce sont quand même des marchés d'opportunités, c'est ça qu'il faut voir sur le long terme. Déjà, on disait ça, même à 40%, oui. On disait voilà, à 40, les trous d'air, il faut les, sur du patrimonial. Il faut les acheter. Il faut les acheter parce que on voit bien tous les creux historiques sont, ouais, ont été des zones intéressantes pour le long terme. Donc, il faut les acheter. Mais par contre, ne pas rentrer dans cette phase d'euphorie court terme parce qu'on est remonté à 5002. 5002 aussi, il faut bien voir que c'était des gaps qu'on avait laissé ouverts dans la phase de baisse. Oui. De gros gaps qu'on voit ici, des 3 gaps qui ont été formés. Et voilà, ce gap ici, vous avez un autre gap ici, un troisième gap ici. On voit que le marché est venu chercher les 3 gaps et il est remonté chercher le dernier gap ici. Et il y a des corrections qui sont techniques. On tape une oblique, on ferme un gap, hop, on va chercher le haut de la zone précédente, hein, 4720 sur la partie future qu'on a touchée. Et donc ça, c'est propre techniquement. C'est très propre, voilà. Ça veut dire aussi que le marché à des référentiels, ouais, techniques qui sont toujours très présents, les algos, même les gérants, là-dessus, il y a des gérants qui regardent ça aussi. Et donc, on va travailler, on travaille avec ça. Là, il y a un rationnel, il y a un rationnel technique, oui, qui existe et qui fonctionne. Qui fonctionne. Là, par exemple, on est à 4720, on est dans une zone 4720. Le risque, il est qu'on réintègre un peu cette zone de prix qui allait de 4002 à 4007. Donc, je pense que c'est une zone dans laquelle on peut retomber, qui sera pas mortelle pour autant, qui ne sera pas forcément sur les plus bas à 3006. Mais voilà, le fait d'être monté très haut, d'avoir combien les gaps, de commencer à retomber sur le haut de la zone, certains opérateurs peuvent avoir envie de voir un peu si justement il y a de l'appétit dans la zone de consolidation. Et si on voit qu'il n'y a pas d'appétit, que le marché tape juste les 4007 et commence à repartir vers 5100, 5002, là, si on remonte à 5002 à partir de maintenant, ouais, là, je pense à un bon signal. Voilà. Pas tout de suite, soit sur du long terme, mais si on remonte, on tient la zone, on remonte à 5002, je ne dis pas en ligne droite, mais je pense que ça marquera le creux, la phase latérale et ensuite progressivement le retour à 6200 points. Ouais, c'est ça, refaire des plus hauts sur ces indices, hein, le, oui, CAC, mais on peut regarder le DAX aussi. Oui. Ça vous paraît effectivement sur du moyen terme tout à fait oui, probable ou légitime en tout, oui, cas. Oui, légitime. Et puis aussi, il ne faut pas se braquer contre l'histoire. L'histoire nous a montré que peu importe les crises, la puissance des, ouais, crises, etc., ça a duré maintenant aussi, il y a toujours des solutions qui sont trouvées. Et que donc, parier à long terme sur une baisse, ça ne paye pas. Pourtant, moi j'étais très baissier, hein, ouais, les années précédentes, et on attendait ce genre de correction. Ouais. Parce qu'effectivement, nous, il y avait des critères aussi de valorisation et d'écrasement de vol qui ne plaisaient pas trop, parce que c'était trop excessif. Maintenant qu'on a eu ça, on peut dire oui, mais c'est un black swan, on y est. Oui, mais la correction est intervenue. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. La soupape de sécurité a été là, les marchés ont baissé et les banques centrales remettent la sauce. Donc, lutter contre ça me paraît dangereux, mais par contre, être trop euphorique paraît aussi dangereux. C'est-à-dire qu'encore, je pense qu'il faut s'inscrire dans une zone latérale et c'est le plus dur d'ailleurs parce que quand on casse pas de sommet, il n'y a pas l'élan. Donc, se dire je vais jouer acheteur pour viser le sommet, parce que le critère en ce moment, il n'y en a pas trop. Et à la fois dire je revends longtemps et durablement pour chercher des points bas, vous risquez de tout rater. Ouais, donc, le risque, il est là aussi. Donc, il ne faut pas être trop optimiste, pas trop négatif non plus. Donc, c'est là que l'analyse technique, je trouve, on l'a vu tout à l'heure sur le CAC, c'est intéressant. Donc, regardez le CAC Total Return, par exemple, aussi, le CAC dividende inclus. On voit bien où il a corrigé, là aussi, pas mal d'années de hausse, pardon. Mais on a réussi à revenir au-dessus de la grosse oblique qui passait par les sommets de 2000, de 2007 ici. On est passé en dessous dans la phase de stress intense. Et là, on remonte dessus, et, vous voyez, et là, on est un petit peu dessus. Donc, c'est une zone qui va être importante, celle-ci, pour le total return. C'est-à-dire qu'on va probablement jouer encore avec la trendline, Mais voilà, à partir du moment où on sent que ça s'appuie et qu'on revient chez le sommet, il n'y a pas de raison ensuite de ne pas vouloir aller sur le sommet. C'est trop tôt selon moi à court terme. Ouais. Du long terme, il faut le tenter. Il faut une phase de digestion, quoi. Il faut quand même passer par cette phase un peu latérale. Mais ni trop chaud, ni trop froid. On a l'impression, encore une fois, si on en revient aux banques centrales, qu'elles font tout pour maintenir cette espèce, cet écosystème de marché qui ne soit pas extrême dans un sens ou dans l'autre. Alors là, il est redevenu quand même, au niveau des valorisations, peut-être un peu extrême quand même. Ouais. C'est-à-dire quand vous avez S&P aujourd'hui, pas en termes de prix, mais en termes de ratio de valorisation des projections 12 mois sur les PE, les ratios cours-bénéfices, vous avez des niveaux, ça tout le monde l'a remarqué, des niveaux de valorisation qui sont plus élevés que ce qu'on avait en janvier ou février avant le Covid. Donc ça, je pense que ça va devenir une espèce de nouvelle normalité d'être au-dessus du niveau d'avant. Est-ce que les repères sont les mêmes? Est-ce qu'on peut fonctionner avec les repères de valorisation et les repères de marché qu'on avait même il y a encore seulement quelques mois? Non, c'est-à-dire que je pense que effectivement, les bénéfices d'entreprise vont être comprimés au deuxième trimestre, c'est une évidence, et au troisième trimestre aussi probablement, et pendant quelques trimestres. Donc il faudra s'habituer avec des ratios élevés, mais entre vivre avec un ratio de NASDAQ par exemple à 26 ou 27 qui est déjà cher, mais ce n'est pas le 30 ou 31 ou même 32 qu'on voit actuellement. Voilà. Il me paraît que les niveaux, et il me semble que les niveaux qu'on a actuellement de valorisation sont quand même montés assez haut et trop haut. Il faut que ça se comprime un petit peu, sans tomber à des 14 ou 15 qu'on verra, je pense, jamais, ou pas avant des années. Voilà. Donc c'est cette phase où il faudra s'habituer à vivre avec des ratios de valorisation plus élevés, mais attention de ne pas tomber dans l'extrême trop non plus. Et ça, c'est ce que je pense qu'on a touché là il y a quelques jours et qu'on est en train de maintenant corriger au moment où on se parle. Puis on a vu des extrêmes d'écart de valorisation entre différentes parties du marché, la croissance, la qualité, le Nasdaq et puis le reste, la value. On a vu que ces écarts peuvent aussi se normaliser en partie, du moins de manière très violente sur quelques jours, quelques semaines. Oui, voilà, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça arrivé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, c'est arrivé aux États-Unis, cette espèce de rotation dont on a parlé, avec les small caps qui ont réaccéléré, toute la value, donc le Dow Jones en fait, il y a un peu de tech, il y a quand même beaucoup de value là-dedans. Effectivement, ça a réaccéléré par rapport aux tech qui sont restés un peu stables, donc ne sont pas écrasés, mais sont assez stables. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé après la proposition franco-allemande. C'est ça qui est drôle, c'est au mois de mai. Donc il n'y avait rien à ce moment-là, voilà, il n'y avait rien sur la partie américaine à ce moment-là, donc c'est bien l'Europe qui elle aussi à générer une espèce de FOMO, peut-être un peu trop rapide, mais voilà, sur l'ensemble, et tout a convergé à ce moment-là, effectivement. Si on parle des indices un peu value, ben le DAX en est un, typiquement. C'est un indice assez value, valeur industrielle, etc. Automobile, c'est quand même de la value. Moi, ce que je trouve assez optimiste du coup pour le DAX maintenant, c'est que justement le DAX, alors que la BCE a moins fait que la Fed, le DAX est un indice européen qui ressemble au S&P. Lui, il est dividende inclus, le DAX. Ouais, bien sûr. Et il est revenu sur le même niveau que le S&P par rapport à ses sommets. Donc c'est intéressant, ça veut dire que même si dans une zone, il y a une banque centrale qui a moins fait qu'une autre, qui a quand même fait beaucoup mais moins qu'une autre, vous pouvez avoir des indices où les investisseurs vont se dire, tiens là, parce que l'Allemagne a des niveaux de dette par rapport au PIB et a mis en place des mesures. Ils ont un plan de relance de 130 milliards peut-être aussi. Exactement, oui, voilà. Mais ça veut dire, ça fait intéressant, ça veut dire que le marché est prêt à revenir sur ses plus hauts, alors que l'économie allemande n'est pas en récession, en forte récession au deuxième trimestre, et pour autant on est revenu à 6% des plus hauts. Donc ça me paraît trop à court terme, mais vous voyez, le DAX, je monte tous les gros niveaux, alors ça paraît un peu trop de niveaux, mais c'est tous les très gros niveaux tendanciel, les obliques ascendantes, descendantes, et on voit qu'il y a un nœud, on voit ici de congestion technique. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est à partir du moment où on commence à corriger, ce qui est le cas depuis quelques jours maintenant, comment va se comporter l'indice là-dessus. Si on y retombe, déjà à moyen terme, ça sera une zone d'achat à moyen terme, je pense, mais ce sera une vraie zone de test technique. C'est-à-dire si on s'appuie là, qu'on ne casse pas ça, puis qu'on commence à revenir vers le sommet ensuite, voilà, tout ce qui retourne vers le sommet ensuite sera un déclencheur. Alors attention, pas un déclencheur vertical. Je pense que le DAX, on est parti, vous voyez, c'est un indice total return, donc on est parti pour rester dans cette zone. Vous voyez, là, tous les sommets ici, les zones basses ici. Voilà, je pense que c'est un peu le range qu'on va avoir. Je ne pense pas qu'on visite les 9000 points, ça j'y crois pas trop, mais voilà, qu'on retombe à des 11000, qu'on retombe à des 10500, mais 10000, ça ne me choquerait pas d'un point de vue graphique, ça n'augurerait pas de retour à des niveaux de 2009, 2010 ou autre. Voilà, je pense qu'on s'inscrit, et on va sur les indices américains, dans une espèce de gros range, voilà, dans lequel on va évoluer pendant pas mal de trimestres avant de sortir par le haut. Bon, grande fourchette de fluctuation avec, pourquoi pas, une option de sortie par le haut, effectivement, probablement dans les prochains trimestres. En tout cas, c'est un scénario qui vous paraît intéressant à suivre. Sur les indices américains, justement, alors, qui font l'actualité toujours un peu devant les indices européens, parce que bon, le Nasdaq est sur des sommets historiques ou quasiment ces derniers jours. Le S&P 500 est revenu sur ses niveaux de début d'année. Alors, je ne sais pas si techniquement ça a de la valeur, mais en tout cas, symboliquement, c'est quand même très très fort. C'est très fort parce que vous avez en plus, c'est très diversifié le S&P. C'est pas que la tech. Alors, on sait quand même, attention, que la tech là-dedans pèse. Vous enlevez les 5-6 grosses tech américaines, le S&P est quasiment flat depuis 5 ans. Donc, c'est quand même les 5-6 mastodontes qui pèsent à eux seuls à peu près 6 milliards. Les Fangman, GAFAM, on appelle ça comme on veut, mais dans le NASDAQ-100, c'est 2 tiers quasiment du NASDAQ-100, pas loin, enfin 60%, et dans le S&P, c'est ce qui fait la tendance. Donc, ça repose aussi en grande partie par ces valeurs-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que les indices sont quand même ces jours la crème des valeurs. C'est-à-dire que si une qui est moins performante, elle est remplacée. Donc c'est vrai que les indices sont toujours des rouleaux compresseurs où la partie de bonne qualité est changée par des valeurs de croissance qui vont arriver derrière et les plus anciennes sortiront s'il y a besoin de les sortir. Donc c'est vrai que parier à long terme contre les indices, à long terme je parlais, est dangereux. Historiquement est dangereux. Par contre, quand vous avez effectivement un marché qui a fait, je n'ai pas fait le ratio là, mais on est passé de 600 points à 3005, effectivement se dire là on peut lâcher 30 ou 40%, on l'a eu. Voilà, cette baisse-là, on l'a eu. Donc maintenant, le S&P va être aussi un peu comme les autres indices, c'est-à-dire qu'on va, je pense, on va rester dans cette zone. Alors, je ne vais pas dire des zones trop larges non plus, mais le point haut est un point qui va rester en place quelques temps encore. Le point bas, on peut, sur des phases correctives, vous voyez, se rapprocher un peu. Là, j'ai mis en place les retracements de Fibonacci sur les niveaux de correction. Voilà, je pense qu'on peut retomber à peu près 38-20, vous voyez, ou même dans ces zones 23-6, 38-20, dans ces zones-là, mais qui selon moi seront plutôt des zones qui vont commencer à supporter l'indice, plutôt que des zones où on irait pour s'enfoncer encore et tomber sous les points bas de la phase de stress de mars. Je ne crois pas qu'on ira tomber sur ces points-là, qu'on s'en rapproche. Ça implique que les investisseurs restent pour vous dans cette logique de buy the dip. On achète les trous de marché. Oui. Maintenant que les choses sont stabilisées sur le plan financier, la logique de racheter les trous de marché, les trous d'air, c'est une logique implacable toujours. Et ça semble d'autant plus implacable que le système de retraite américain aussi, le système de fonds de pension américain dépend de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des systèmes qui soient mis à mal, à long terme je parle, pas sur en 2 ans, ça ils vont prendre comme tous. Mais le système fonctionne comme ça aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on doit monétiser à un moment donné autre chose que ce que fait déjà la Fed, elle le fera. Et encore une fois, c'est trop de projections en amont, mais la Banque du Japon fait déjà des achats d'ETF sur actions et elle détient déjà à peu près 90% du marché des ETF, pas que actions, hein, mais ce qui est absolument colossal. Donc, j'avais dit à un moment donné, effectivement, ça ressemble à un système qui est administré. Hein, au Japon, ça vous avez finalement, vous maîtrisez absolument tout, la courbe des taux, le marché actions, etc. Bon, mais si marché, quoi. Oui, voilà, la notion de marché, effectivement, aujourd'hui, on fait un peu sourire, même pour les pros du secteur. Vous dites pas de marché, alors, un marché, c'est diversifié, les gros, les petits, voilà. Il y a une offre, une demande qui s'exprime. Voilà, il n'y a pas un éléphant dans la pièce qui fait pencher à la balance. Donc, mais c'est la réalité, voilà. C'est comme ça, l'éléphant dans la pièce c'est la Fed, en Europe ça va devenir la BCE, ça l'est déjà sur le marché obligataire, donc parier contre ça trop longtemps, on sait bien que les autorités américaines n'autoriseront pas ça, le Trésor non plus, parce que le système de retraite en dépend, parce que la stabilité économique en dépend. Donc oui, se dire on va latéraliser et puis ressortir par le haut, c'est ce qu'il faut prévoir. Mais la question encore une fois, c'est à quelle vitesse, on y va. Là, je pense que le petit creux qu'on a actuellement, il faut quand même se méfier, faut pas tout de suite. Il faut attendre de voir qu'il n'y ait peut-être pas d'autres annonces entre-temps qui fassent qu'on remonte. Moi, je trouverais plutôt judicieux d'acheter si on montait sur le sommet. Voilà. C'est-à-dire là, on est monté à 6% du sommet. La semaine dernière, on a lâché en Europe 10%. Les marchés américains ont lâché quelques... Voilà. Ce serait intéressant si on remonte sur le sommet à ce moment-là, parce que ça veut dire effectivement on est là sur un moment de prise de décision. Oui. Alors pour les court-termistes, attention, ça ne veut pas dire qu'on monte vertical, mais pour quelqu'un qui a des allocations d'actifs ou autre, qui se dit bon, est-ce que s'il y a quelque chose qui met en place de plus derrière, je ne dois pas le rater. Oui, il me semble qu'à ce moment-là, il faut remettre un peu. Ça peut retomber un peu, mais pour ne pas rater, s'il y a un faux mot qui se met en place. Encore une fois, ce que met la Fed, si le marché doit se dire on a déjà pris 500% en 10 ans et il faut reprendre 200 de plus, le marché le fera, la Fed va l'autoriser, etc. Voilà. Si la Fed dit, faut pas se mettre de limite, quoi. Si la Fed dit c'est la condition pour qu'on ait un retour à l'emploi, pour que les entreprises soient bien financées, etc., même si c'est de la dévaluation complètement dingue, qui nous paraissent dingue par rapport au ratio historique, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de nouveauté qui va se mettre en place, une nouvelle normalité? De plus en plus, je pense qu'on va vers une espèce de nouvelle normalité qui sera plus chère. Mais attention de ne pas prendre ce que je dis pour un message d'achat débridé, euphorique, où il faut tout acheter maintenant. Non, c'est plus grosse poussée, mouvement latéral qui peut être très violent, des plus 20, des moins 15, des plus 20, des moins 10, vous voyez, des choses très violentes. Et ensuite, on en sort progressivement par le haut. Voilà. C'est comme ça que je verrai l'évolution des mois qui viennent. La puissance des banques centrales, hein, ça reste effectivement dans les déterminants de marché quelque chose une clé pour la suite et pour longtemps encore sans doute. Si on avance un peu sur les indices américains, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, un indice qui est très populaire évidemment chez toutes les plateformes de trading world, c'est le Dow Jones, très tradé comme le NASDAQ, comme le CAC, le DAX, surtout le DAX en Europe. Donc le Dow, c'est aussi la référence de Trump. Hein. Donc non pas parce que c'est ça, mais parce que c'est un risque que les gens traitent beaucoup, alors que c'est pas forcément le plus représentatif d'ailleurs d'une économie. Aujourd'hui, c'est plutôt les tech un peu mieux l'économie que les voilà donc mais le Dow Jones voilà c'est un indice qui surtout qui graphiquement il est quand même assez incroyable parce que vous voyez on a moderne technique voilà souvent on dit enfin on a, pas souvent mais il y a deux écoles il y a ceux qui disent c'est pipeau c'est du gribouillage et puis ceux dont je fais partie qui pensent que les algos sont calqués là-dessus et on le voit sur des réactions techniques qu'on voit très bien mais l'oblique qui passe par les sommets de 2000 2007 regardez sur quoi on est venu chercher à s'appuyer pile au plus bas pile sur au point près pile sur l'oblique pile sur le Fibo 50%, c'est pas un niveau hasard. C'est une réalité incontournable des marchés. Donc, on aurait pu sortir un peu plus haut, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était le repère. Pour les algos qui voulaient vendre à ce moment-là, Leur repère, c'est de dire, voilà, le risque, on peut le porter jusqu'à ce niveau-là, parce que ça nous paraît extrême comme situation, donc on va jusque-là. Et à la fois, bah, comme c'est un repère historique, on peut aussi se dire, c'est un très gros support, ça qu'on passe. On pull back, on revient sur un niveau qui avait été créé par deux anciens sommets de deux décennies en arrière, c'est un très gros niveau. Donc pour le Dow Jones, c'est pareil, je pense que ce trait-là, il y a très peu de chances qu'on passe en dessous. Très peu de chances qu'on passe en dessous. Donc, selon moi, si on s'en rapproche à nouveau quand on passe à 20 000 ou à 22 000, c'est des zones de réinvestissement à long terme. Parier, par contre, une cassure, si on y retombait outre en bas, ça, je pense, c'est très dangereux. Mais par contre, maintenant, vous voyez la zone large, hein, 30 000, 18 000 en gros, voilà, on peut naviguer dans ces zones, 22 000, 24 000. L'oblique, vous voyez, pareil, l'oblique qui passe par les pommades de 2008, etc. Cette oblique-là, je pense qu'on peut encore venir s'appuyer dessus s'il y a... pas une vraie seconde vague, mais une vague qui semble encore partir aux États-Unis, ce genre de choses. En Chine, on a vu quelques, hein, ce week-end, quelques clusters qui apparaissent. Ça revient un peu sur le devant de la scène. À chaque fois qu'on a un point chaud, ça, le marché s'en sert pour vendre. Voilà, c'est des zones qu'on peut revoir, mais qui sont plutôt des zones, je pense, de soutien et de support, plutôt des zones de point de passage pour une baisse. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. Bon, comment vous lisez le Nasdaq alors, Alexandre? Alors, Nasdaq, tout ça, c'est un ovni. Oui, alors c'est vrai que moi, le Nasdaq, je l'ai toujours trouvé très très cher ces derniers temps. La correction a quand même été là, on a perdu 30%, mais le Nasdaq, même si on perd 30%, on lâche quoi, 2 ans d'évolution. Ouais. C'est pas comme un CAC où on est tombé sur un plus bas de 6 ans et un DAX un plus bas de presque une décennie. Il a donc moins baissé que les autres et il a plus fortement rebondi. Et je crois pas trop, de moins en moins, à la bulle qu'on a pu voir ici en 2000. Cette bulle-là, effectivement, c'est une partie de l'histoire parce qu'effectivement, il y avait à l'époque des multiples qui n'étaient pas 30. Hein. On avait des niveaux de 110 et 80 parfois, et en moyenne. Hein. Donc, c'était complètement délirant. Voilà. On n'est pas dans ce schéma de délire aujourd'hui parce que les entreprises font du profit ici. Mais par contre, on a beau être des grosses techs qui payent cher. Je prends des cas de grosses techs, Facebook ou Alphabet. Alphabet, Google, c'est 80% ou 90% de son chiffre, c'est la publicité. C'est très bien que ça, en ce moment, c'est une partie sensible. Donc, on ne peut pas imaginer que des groupes comme ça passent non plus au travers sans rien. C'est-à-dire que, sans s'effondrer pour autant, mais avoir une zone où ces groupes ont bien progressé, ont tiré les gros indices mondiaux, et puis maintenant rendre une zone plus latérale, où le temps que les activités économiques repartent, etc., ça paraît sain de penser comme ça. Voilà. Donc, penser qu'on tombera à 5 000 du campagne seconde, penser qu'on tombera à 6 000, 7 000, pas non plus, mais par contre, qu'on s'écrase un peu, vous voyez, la moyenne de prix, là, c'est une 50 mois qu'on a ici, voilà, qu'on retombe pas à 9 000, même des 8 000, ça, oui, quelque chose qui se latéralise un peu, qui ne retombera pas sous les moyennes, ça, j'y crois pas, des passages sous les moyennes, il faudrait vraiment qu'on ait un schéma de dépression. Là, je vois, c'est vers de croissance. Ça. Toutes les innovations passent par là, donc c'est l'avenir. Donc, si on passe effectivement sous la moyenne 100 mois, c'est que l'avenir va être quand même très très sombre. Donc, je ne crois pas trop à ça. Voilà, mais une dynamique un peu moins forte, il ne faut pas l'exclure, quoi. Juste ça. Moins exponentielle, mais par contre, si le marché veut y aller en exponentielle, attention, parce que vu ce que mec les banques centrales, s'il doit monter à 15 000, avec des taux bas. Il ne faudra pas se dire, il ne faudra pas se dire à 15 000, j'ai raté le rallye. Si on a l'impression que là, le marché ne veut pas corriger et que tout se porte bien et qu'on commence à taper, vous voyez, que le Nasdaq repasse au-dessus de 10 000, il vient chercher son sommet récent, que le S&P commence à taper son sommet, il faudra, je pense, plutôt essayer de travailler ça à la hausse, même si ça paraît extravagant de le faire, parce que derrière, ça peut être 30% de plus. Si la liquidité est là, les investisseurs sont là, ceux qui sont restés à l'écart aussi se disent bah, géographiquement, j'ai pas eu le point bas, mais je veux pas rater ce qui va suivre, on peut avoir des FOMO qui se mettent en place très tôt en fait et qui nous amènent d'abord très haut avant de consolider dans une haute peut-être. Donc voilà, le risque est un peu ça de rater un truc qui consolidera seulement ensuite. Moi, je pense qu'il serait sain qu'on consolide maintenant et seulement après qu'on prenne ce jump-là et que là, on accélère. Mais si le marché veut le faire sans attendre, il faut tenter quand même de le faire parce que ça peut être un 30% de la hausse. La peur de rater la hausse. Hein. Là aussi, c'est un mécanisme psychologique très important dans le fonctionnement des marchés en ce moment. On regarde un positionnement toujours très prudent quand même des grands investisseurs et des grands allocataires. Hein. Personne n'est plein risque aujourd'hui sur les marchés. Donc, ce FOMO, là, il peut s'exprimer assez rapidement. Il peut s'exprimer, hein. Voilà. Mais attention quand même de le prendre au bon moment. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, je prends un cas concret où on se parle. Vous voyez, on a Nasdaq qui est retombé dans les zones à 9500, 9006. Et on voit bien que c'est des indices qui sont quand même très à cheval sur le technique. Vous voyez, par exemple, le rebond du Nasdaq récemment, il s'arrêtait sur une oblique qui passe par ces points-là. Ce n'est pas des vieux points, c'est avril-mai, mais on s'arrêtait pile dessus. Hop, on s'arrête ensuite sur le haut d'une espèce de canal comme ça. On voit que le marché tente de partir au-dessus du canal, il échoue. Il rentre dans le canal et là, il va tester quasiment le bas du canal. Donc, il y a quand même des composantes techniques comme ça. Quand un indice veut chercher un bas de zone, ça me paraît dangereux de vouloir acheter ça par contre. Et parce que si on va chercher le bas du canal, ce qui est quasiment le cas en ce moment, le risque c'est quoi? C'est qu'après, le marché raisonne en termes de Fibo. Voilà, on a cassé un niveau. Le Fibo suivant, il est où? Hop, 9000 points. Hop, vous avez un trou d'air de 300 points d'un coup. Voilà, donc, moi, je cadre souvent mes heures de travail comme ça. C'est de se dire, à partir du moment où vous avez un support qui n'est plus là, où le trou d'air suivant peut nous apporter. Donc, soit on le joue en short et on bride le risque un peu dessus en jouant cette phase-là, soit effectivement on n'a pas cette phase-là, on déclenche et on s'est stoppé. Et par contre, si ça remonte sur le sommet, là, ça veut dire qu'il faut vite changer d'état d'esprit en disant voilà, le marché n'a pas voulu casser, il n'a pas voulu remplir cette poche technique, il va plutôt essayer de sortir par le haut. Donc, on change tout le fusil d'épaule et il faudra se dire bah, tiens, je vais peut-être aller chercher un 10 500 ou 11 000, nouveau record absolu, etc. Mais si c'est le marché, et si c'est les gérants, et si c'est les algos et les hedge funds qui veulent ça, s'opposer à ça, c'est perdu. Il faut être très pragmatique. Hein, voilà, dans ce marché-là, effectivement, il y a la raison, les fondamentaux, et puis il y a le fonctionnement du marché. Hein, c'est ce qu'on montre voilà, tout au long de cet événement, la nuit du trading online qui se poursuit. Alexandre, il faut qu'on avance peut-être sur, quelques devises, les grandes parités de devises. On a déjà commencé à parler de l'euro-dollar avec vous. Est-ce que quelque chose est en train de se mettre en place beaucoup plus haussier moyen terme sur l'euro-dollar? C'est ressemble parce que l'euro-dollar, il faut bien voir que, et vous l'avez décrit, on a connu des périodes de volatilité historiquement basses ces dernières années. Historiquement basse. Il suffit de regarder l'eurodoll, vous l'avez graphiquement. Je vous montre d'abord cette courbe-là parce qu'elle me paraît intéressante. C'est une trendline, vous voyez, c'est une espèce de grand canal baissier de l'euro depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Canal baissier. Vous voyez que là, on avait tenté d'en sortir par le haut en 2017, ça avait échoué, on est tombé dans ce grand canal, mais sans s'écraser dans les zones vers la parité ou sous la parité. Et là, au mois de mars, bon, c'était la période volatile, on tape le haut de cette zone, on rebaisse, on retombe, mais sans venir chercher tous les points bas de 2016, les points bas de 2014 ou autres. Le marché n'est pas tombé jusque-là, alors qu'il aurait pu une phase de… on peut y aller directement. On n'y est pas allé et on retape tout de suite l'oblique, la grosse oblique long terme, on la retape très peu de temps après. Finalement, à l'échelle de ce graphique, on la retape, ces deux chocs comme ça, très court terme. Donc moi je pense que oui, on est en train d'essayer de former un bottom sur l'eurodoll. Ça ne veut pas dire qu'on va aller en ligne droite donc à 1,20 tout de suite ou à 1,25, mais ça veut dire qu'à partir de là, je pense que le marché montre, et les positions spéculatives le montrent aussi, et puis commerciales aussi je pense, que… on croit finalement à ce qui se dit ou se fait en zone euro. Ça, c'est intéressant. Et don't fight the Fed, oui, ok, mais don't fight the ECB aussi. Et l'Allemagne, c'est l'Allemagne. Le fait que l'Allemagne rentre là-dedans, ça apparaît effectivement comme un game changer. Ça ne veut pas dire que ça va être all-in non plus et on reste gratis, mais ça veut dire que l'Allemagne a compris que l'Europe doit exister comme elle est, et doit encore se poursuivre comme elle est et l'améliorer. Et ça, effectivement, ça sent bon pour les tendances long terme sur l'eurodoll. On ne laisse pas la situation flotter comme on l'a fait lors de la crise souveraine voilà. 2010. Voilà. Mais par contre, dire, attention, on peut retomber à 1,08, 1,0, vous voyez, latéraliser un peu, l'euro nous habitue à rester dans des zones comme ça, un peu pénibles, où il ne se passe pas grand-chose, dans le grand canal baissier comme ça. Voilà, ça on peut y retomber un peu, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, la parité ne me paraît pas à portée de main du tout. Je pense plutôt qu'on a des chances d'aller plutôt vers des 1,20 à 1,25 à moyen terme que de retourner vers la parité. Donc, voilà. Plutôt essayer d'acheter des creux sur l'eurodoll que l'inverse. Sur d'autres parités de devises, alors là aussi, hein, c'est toujours du risk-on, risk-off, hein, sur le dollar-yen. Ouais, complètement. Alors ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs, ça a été longtemps du risk-on, risk-off, et justement cette crise, on a quand même vu hein, ici oui, le petit trou d'air sur le dollar-yen. Bon, il était là, mais quand on voit l'évolution passée sur des années, c'est un petit trou d'air en fait, alors que sur les marchés, il était colossal. Donc, ce qui me laisse penser que aussi la Banque du Japon est à la manœuvre et n'acceptera pas forcément que… Et oui, il est parfaitement graphique, enfin, il est parfaitement visuel ce graphique. Vous avez des obliques qui passent, vous avez des zones horizontales très bien dessinées par le marché. Donc, c'est pas nous les dessinons parce que les points bas sont là, c'est pas nous qui faisons ça. On met là parce qu'il y a des points bas qui ont été touchés, on voit que c'est très graphique, très visuel. Et donc, moi, mon sentiment, c'est que le dollar est en train d'essayer de former un bottom long terme. Et donc, là aussi, c'est un peu comme le Rodol, j'attends plutôt des signaux long là-dessus, donc des signaux de sortie par le haut vers 111, 112, et pour ensuite chercher les zones 120 et quelques. Et je pense que toutes les zones basses, il ne faut pas pour l'instant jouer trop loin dessus, parce que s'il y a une deuxième averse et autre, on va aller taper les 105, peut-être même vers les 100. Mais je pense que la Banque du Japon ne veut pas que sa devise se renforce trop, comme la BNS en fait. C'est un peu le même si la communication est un peu différente, c'est des deux pays qui ne veulent pas que leur devise s'apprécie. Donc je pense que ça arrange tout le monde qu'on soit dans un range, et quand le risque on reviendra encore sur le marché de manière plus pérenne cette fois-ci, je pense que là, on a quelque chose de plus bullish sur le dollar. Donc, c'est plutôt ce genre d'attente que j'ai en ce moment, surveiller les moments de redémarrage et rester un petit peu à l'écart des stratégies vendeuses pour l'instant, même s'il y a du grabuge encore un peu sur les marchés actions. Bon, dans les actifs refuges, alors sur les devises, il y a le yen, le franc suisse évidemment, l'or et l'argent sur les matières premières précieuses évidemment, là aussi. Hein. Oui, alors encore une fois, quand on parle de l'or, il faut bien voir ça. Nous, c'est vrai que chez IG, on fait de l'intermédiation sur l'or. C'est pas l'or dans l'image où on va stocker ça sous le matelas parce qu'on pense que c'est la fin du monde et que c'est pas toute cette vision-là, c'est pas la vision que certains peuvent avoir d'un or qui serait la valeur absolue parce qu'on arrive à une espèce de fin de système où on voit bien que ce que font les banques centrales, c'est pas la fin du système du tout et qu'elles resteront hyper puissantes le temps qu'il faudra, le temps que ça se normalise. Donc je crois pas à la fin des banques centrales, je crois pas à tout ça. Donc si on est long gold, c'est pas par rapport à une vision noire de l'avenir, c'est parce que techniquement, simplement, c'est ça en fait, c'est un raisonnement un peu bête et méchant. L'once d'or est monté très haut en 2011, il l'a bien corrigé, un gros bottom s'est formé et on a commencé à être long gold vers $1,300 parce qu'on cassait les zones un peu latérales, sponsor voilà dessus. Oui, voilà, on l'a bien là-dessus, oui, cette oblique comme ça. Bon, nous, on est revenu long gold à partir d'ici. Hein. Les signaux, on a quoi donné par ici, parce qu'on a des obliques long terme qui ont tenu en support aussi. Voilà, donc le message était là, message technique. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'attends encore des signaux longs. mais pas, on va pas les chercher à tout prix. C'est-à-dire que s'ils n'interviennent pas, on va pas les chercher. C'est-à-dire qu'on va les chercher. C'est pas évident de revenir sur les plus hauts historiques. Je pense que techniquement, moi c'est plutôt parce que techniquement, je pense qu'il y a le potentiel qu'on va le viser. C'est moins parce que je pense que l'once d'or va devenir un espèce de valeur refuge absolue. Je comprends. Je pense que l'once d'or peut s'apprécier parce qu'il y a des éléments liés à des anticipations d'inflation, peut-être à moyen terme, qui vont revenir. Ouais. Ça oui. Parce que techniquement, il y a des signaux qui peuvent être encore présents, parce qu'il peut y avoir une composante dollar. Voilà, le dollar qui bien reste sûr dans une zone maîtrisée par la Fed, pas trop fort, pas trop faible. Bon, ça continue toujours à pousser un peu l'or. Et puis parce qu'il y a la liquidité des banques centrales, on ouais sait que les métaux aiment ça. Donc plus les banques centrales continueront à mettre de la liquidité, ce qui va être le cas, plus sans même penser que le système va s'effondrer. Voilà, il y a plein de bonnes raisons oui de exactement trouver l'or intéressant. Voilà, et l'or et l'argent aussi. Si on veut pas parler d'autres choses, enfin on veut pas un peu d'autres choses. L'argent aussi, je crois que j'ai mis quelque chose sur l'argent. Regardez, c'est typiquement ce genre de graphique qui est intéressant à moyen terme parce qu'il y a des gros points hauts, des points supports qui sont extrêmement bien dessinés, on repasse des obliques supports, voilà, mettre un peu d'argent dans un portefeuille, c'est pas de l'or, c'est pas fin du mondiste, et graphiquement c'est sympa aussi parce que il y a la composante dollar, métaux, il me semble, et en plus quand vous regardez les graphiques de matières premières à long terme, c'est ça aussi qu'il faut voir, hein, les indices synthétiques qui synthétisent le pétrole, les métaux, les matières premières agricoles, on est venu chercher sur des indices des plus bas de 30 ans, 40 ans, sur de la matière première. Et donc, oui, ça, il me semble qu'il y a un secteur aussi qui va être joué oui à un moment donné. C'est plus un secteur même que l'once ouais d'or comme valeur refuge, valeur que anti-crack, anti-effondrement, ouais, parce qu'on le voit sur d'autres matières premières. Le pétrole aussi, alors qu'a connu quand même des mouvements spectaculaires au cours des derniers mois, on ouais est allé en prix négatif, mais depuis, ouais c'est quand même un rebond très puissant qu'on a sur les cours oui du pétrole alors, aussi, Alexandre. Qui est aussi puissant, mais que je remettrais dans le même panier que les obligations d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de reprise qui était aussi ouais très puissant, qu'on s'arrête quelque temps entre 40 et 20 dollars. C'est ce qui me semblerait logique, voilà, le temps que le marché se reprenne, que le marché réel, hein, que la demande réelle réaccélère. Voilà, mais imaginez que le pétrole retomberait à zéro ou négatif, ça j'y crois pas. L'OPEP réagirait, voilà. Et on a bien compris que l'Arabie Saoudite avait aussi joué un jeu très fort qu'elle a gagné d'ailleurs. Hein. Mmh. Et de manière opportune, on a tous vu aussi qu'elle est rentrée dans la prise des participations dans plein de groupes au plus bas. Pétrolier, oui, voilà, groupe pétrolier, voilà. Donc elle a aussi créé volontairement des prix ouais bas, aussi pour faire pression sur les États-Unis, mais aussi pour générer des opportunités d'achat. Donc ça veut dire que si elle fait ça et qu'elle achète à ce moment-là, c'est qu'elle estime que voilà, c'est que c'est pas la fin du monde demain, et que la demande de pétrole restera encore importante. Il y aura une transition qui va se faire vers d'autres modes de fonctionnement, mais le pétrole ne va pas retomber à zéro, je pense tout de suite. Mais s'habituer par contre à un pétrole entre 40 et 20 dollars, 30, voilà, ça par contre oui, c'est un peu le scénario. On va devoir conclure dans un instant avec vous cette nuit du trading online. Alexandre, est-ce qu'on parle encore du Bitcoin en ouais 2020 ouais, on va oui parler, oui, parce que c'est une thématique. Alors le Bitcoin, est-ce qu'il sera encore dans 5 ans, on ne sait pas, mais la thématique crypto, oui, va rester. Mais là aussi, pas dans un mode quelque chose de la mode qui fait bien parce qu'on veut changer un peu de génération haute. Non, ça fait partie de l'histoire économique. Et là aussi, ce qui est intéressant de voir, moi je suis un vrai chartiste, j'aime regarder les graphiques ouais et comment ça fonctionne même sur des choses nouvelles. Et le Bitcoin, force est de constater que c'est un marché qui a été, pourtant c'est un marché de grosses mains, hein, il n'est pas forcément très liquide ou autre. Très concentré. Très concentré, hein, quelques grosses mains. Très grosses mains. Et pour autant les algos sont quand même dedans. C'est-à-dire qu'on voit ouais qu'il y a des réactions sur les supports qui se font, des supports qui cassent, qui accélèrent à la baisse. Donc c'est-à-dire qu'il y a le même mode de fonctionnement sur ce marché-là d'un point de vue technique, une appréciation visuelle technique, que sur des devises, des indices ou autres. Donc oui, le Bitcoin, là on voit bien les obliques, c'est un peu comme tout à l'heure les indices chinois qu'on a montré, voilà, des obliques compriment un peu la tendance pour l'instant. Si vous commencez à accélérer à 10 500, 11 000, ouais, ça, je pense que les points bas se redressent et que le Bitcoin peut aller plus haut. Donc oui, moi je pense que Bitcoin, ça serait intéressant d'en remettre un peu, 10 500, 11 000. Après on se couvre sur les obliques pour éviter que ça retombe. Mais voilà, ça peut être des calculs qui remontent à 20 000 et au-delà. Je ne vois pas le tout disparaître. Qu'il y ait de la diversification de notre crypto, c'est une chose. Mais voilà, le Bitcoin, moi j'aurais une approche très graphique du Bitcoin et pas pessimiste pour l'instant. Bon. On est tranquille, j'ai pas vu Nabila reparler du Bitcoin en plus ces derniers temps. Donc voilà, on peut tranquillement regarder le Bitcoin et les graphiques du Bitcoin. Merci beaucoup Alexandre. Merci, on va s'arrêter là pour cette nuit du trading online, événement que vous vivez, que vous suivez sur la chaîne sur la chaîne YouTube d'IG France, avec lequel vous pouvez interagir également. Je vous rappelle le hashtag nuit du trading online si vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Alexandre, on vous retrouve tous les jours à 11h, c'est ça pour voilà, tous les jours de 11h à midi, Market Live, puis Twitter aussi, on est pas mal actif sur Twitter. On met pas mal de graphiques, de news et autres, donc voilà, les réseaux sociaux, le site web d'IG, la chaîne YouTube, voilà, c'est les trois canaux principaux. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, qui était avec nous pour conclure cette nuit du trading online.